Non, on va avoir Super Mario RPG, Legend of the Seven Félicitations. Stars. Très très Exactement. très bon jeu. Très bon jeu. Commenté par Dimitri Vedma. Avec Ouais, sa tout musique à fait. emblématique. Et il a personne avec lui d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Et ah, mon Nekro est malade. C'est ça, Nekro est malade. Ben, a été hospitalisé assez récemment, donc il vient de sortir de l'hôpital et donc il n'est pas encore à 100%. D'accord. Pour commenter, donc il se repose. Ouais, bon, on l'aidera de façon de ce côté-là. Moi, je connais un petit peu le speedrun de toute façon, mais ok. Oh, mais on bah, est c'était là, très bien, c'était pas du tout mal hein, cette run de Majin Phil. Hein. GG à lui. Ouais. J'espère que le commentaire était pas trop technique. Si, si, les commentaires étaient absolument exceptionnels. Je vous félicite, les amis, c'était vraiment très bien. Non, franchement, c'était très bien, très sympa à regarder. Et si vous voulez retrouver autant de techniques, vous revenez demain vers la fin de run pour Ocarina of Time. Le bloc Ocarina of Time. Ouais, ce sera l'amour, la joie. Ah, absolument. Ah. Les techniques de la folie. Surtout que ça va être du 100%. ZFG, il touche un et peu. Du blindfolded aussi. Il y aura le blindfolded. Oui, une blindfolded en Child Dungeon qui va être littéralement incroyable. Ne manquez pas ça vraiment. Bon, c'est un peu tard, c'est vrai, mais moins quand même que Ocarina of Time. Non, mais franchement, ça vaut la nuit blanche. Hein, ça vaut la d'ici nuit blanche, là, avec le retard, ça va arriver à. C'est déjà 5h du match, je crois, donc ça arrivera à 6-7h. D'ici la fin du marathon, quelque chose comme ça. Alors on passe la pub du coup, les gars. On passe la pub et après on des petits au revoir. Et voilà. Des petits au revoir juste après. Pub. On peut quand même parler, hein. On peut dire les fins des films, tout ça, y'a pas de soucis. On peut parler aux gens qui ont le turbo. Hein. On peut faire des spoilers Game of Thrones aussi. Voilà. Non, on va éviter de faire ça par contre. Ça, c'est pas je rappelle qu'en prenant le Mulbundle, on a. En prenant le Mulbundle, en mettant un certain montant, on a une. Un code turbo qui permet de ne pas avoir les pubs tout en refilant de l'argent, donc c'est pas mal. Si les pubs c'est vrai, sont... c'est vrai. Le turbo, c'est très bien pour ça aussi. D'ailleurs, on voit un certain nombre de personnes en turbo sur le chat. Ouais. C'est plutôt sympa le turbo. Mais si vous avez si vous avez des sous à donner, plutôt que de donner pour le turbo, donnez pour le marathon, donnez pour la prévention. Bah, pour le marathon ouais, en donnant pour le turbo via le Mulbundle. Voilà, voilà, je ne sais plus parler, voilà. Ouais, je comprends. On a des zombies sur le canapé. Ah. Il est 3h30 du matin, c'est compréhensible. Ouais, je vois qu'on a bien jumpé en argent d'ailleurs, grâce sans doute à Majora's Mask et tous les Zelda, tout ça. Oui, le bloc Zelda a fait monter de 40 000 $. C'est impressionnant. Ouais, je pense que ça va bien hyper aussi sur la scène RPG, qui est un jeu qui a gagné beaucoup de popularité dans les derniers mois, notamment dans le monde du speedrun. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises dessus. Pardon? Et quel jeu on n'a pas compris? Ouais, donc s'il y a quelqu'un qui est là pour donner 500 $ pour sniper non, le Fine Name. Il y a un jeu qui arrive juste après. Ah oui, il y a un 1240 jeu qui est très populaire maintenant dans le monde du speedrun, surtout des gens qui font du RPG, enfin tous les gros fans de Final Fantasy, les gros runners de Final Fantasy se sont mis à SMRPG, qui est un jeu vraiment excellent à speedrun, qui ouais, a été vraiment y a eu cassé dans le sens. Beaucoup de choses qui se sont passées au niveau d'Hilderborg, je crois aussi, voilà. C'est assez impressionnant. Ouais, surtout Checkers qui a pété le jeu quoi, bref. Oui, tu disais, c'est loose, c'est ça ce mari. Ouais, non, je disais surtout ce samedi me brise mon cœur, j'ai envie de tout voir, mais c'est pas humainement mais possible. Oui, mais oui, on a envie de tout voir, on a envie de voir du Sunshine, du Kingdom Hearts, qui sera commenté par nos amis, qui sont encore dans le canapé. Et oui. Surtout, ne ratez pas Super Mario Sunshine, c'est le, il fait partie du top 3 Average Stray. Voilà, c'est le top 3 des joueurs de Mario Sunshine, c'est assez impressionnant. Oui, mais il est bien là le problème, c'est que cette nuit était complètement folle, donc là voilà, on enchaîne du Majora's Mask avec du Mario RPG, avec ensuite donc. C'est pas grave, vous dormez demain. Nuit blanche. Mais dormir, c'est pour les faibles. Dormir, c'est mourir. Dormir, c'est surfait. De toute façon. Sinon, je vois que Belzebal nous a rejoint. Comment? Dimitri nous a rejoint. Ah non, Belzebal nous a rejoint. Allô. Ah, il va repartir se prendre un café, je suppose. D'accord. Donc voilà, du coup, je pense que Belzé rejoint Dimitri pour le com. M'accompagner. D'accord, très bien. Bah, donc après, je sais pas. Hein, de toute façon, moi, j'étais parti pour y aller en solo s'il fallait, même pendant 3 heures. J'ai des très bonnes notes, donc. Bah, moi, je connais un petit peu le speedrun, donc je t'accompagnerai un petit peu, mais je te laisserai parler en priorité, mais si ça te va. Ouais, non, bah, on est là dans le studio, on n'a pas grand chose à faire donc. on va pas non plus te spoiler, hein. Tu seras bien sûr. Mais oui, SMRPG qui est vraiment un excellent speedrun, on vous invite à regarder ça. Un excellent jeu aussi. Des tricks. Le jeu est génial.
Plutôt sympa, pas très compliqué non plus. Très chill, il y a une petite musique sympa. Vraiment un RPG que peu de monde dont peu de monde a joué, je pense, et qui vraiment vaut le coup, quoi. Ouais, les Mario... Je vais voir Square d'ailleurs. Oui, c'est ça. Les Mario RPG d'ailleurs dans l'ensemble sont vraiment tous très bien. Ouais, Paper Mario est très sympa aussi. Les Mario et Luigi aussi. Mario et Luigi aussi. Ça vaut vraiment. C'est vrai que ça a donné lieu à deux licences différentes. A donné naissance à deux licences différentes ce premier jeu. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais calmez-vous les mecs, j'aurais plus rien à raconter pendant les 3 heures. D'accord. Oh merde. Bon alors. Les trivia nuls sur le studio. Alors il y a des gens qui dorment sur le canapé avec des coussins, voilà. Pour ma part, je vais aller mourir en poule devant la run parce que ça m'intéresse, mais je vais quand même devoir dormir un moment. Ouais, mais écoute, par contre, je me réjouis d'avance d'entendre la musique de la forêt. Voilà. En même temps, il y a un trio magique de compositeurs quand même dans ce jeu. Avec Shimomura, Kondo et Uematsu, juste RPG, de l'amour. L'équipe de toute façon, c'est juste, c'est génial. Ouais. Le trio de la folie, génial. Tout ça. Ouais. Allez, c'est ça. Merci. Des bisous et donc moi je reviens pour tout le segment Ocarina of Time à la fin. Des bisous. Super. Des bisous. Ciao. À bisous. Et pareil, je vais y aller aussi. Donc merci à tous. Merci encore. Mettez ton dernier commentaire du coup. C'était mon premier et mon dernier commentaire pour cette année. Oui. Ouais, mais c'était cool. C'était cool, donc c'est quelque chose que je referai sûrement. Bonne expérience de commenter une run pour un marathon comme celui-ci. Ouais, c'est sympa, Majora's Mask. Ouais, surtout Majora's Mask, c'est tellement bon. Ouais. On a pu philosopher, quoi. J'ai entendu cette philosophie, c'était absolument extraordinaire. La mort, tous ces trucs-là. Enfin, c'est ça, mais bon, j'ai rien dit. Je me suis dit, on va laisser le chat vous expliquer. Mais non, c'est pas du tout ça, la théorie. Mais le pire, c'est que ça a même pas réagi tant que ça. Hein. Ça a plus trollé qu'autre chose. Non, mais après, je pense que c'est aussi l'effet 3h du mat. Ça a pas dû aider pour. Oui, voilà, les esprits ne sont pas aussi vifs. Ça a plus réagi sur Bill Murray sur le chat apparemment. Bon voilà, donc je vais vous laisser. Et c'est Lucky qui est parti comme un bon voleur. Run, il a dû s'endormir. Oui, donc je vous souhaite une bonne continuation et. Donc, ouais, et puis la prochaine. Et bisous. Merci. À la prochaine. Allez, tchou. Allez. Salut. Alors, est-ce que alors du coup, je me retrouve en tête-à-tête avec la régie, puisque Belzé est moyennement là. Non, mais je pense qu'il va bien le rattraper un moment ou un autre. Par contre, on va peut-être le rajouter du coup sur l'overlay que Belzéball est au commentaire avec donc toi, Dimitri. Oui, pas de problème. Donc ouais, par contre, pour Necro, j'ai appris ça un petit peu plus tôt dans la journée. Donc déjà, je sentais quelque chose risquait de tourner pas très rond quand il ne s'est pas présenté pour les commentaires de mes shiftmakers. Je me suis mis à craindre le pire, en plus qu'il ne répondait pas au téléphone. Ouais. Et donc ouais, apparemment, hospitalisation, donc voilà. Ouais, j'espère que ça va bien pour lui. Faites des dons pour payer le séjour à l'hosto de Necro. Évidemment, on envoie des bisous à Necro, on espère qu'il va très bien. Alors moi, je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais prévu de troller un peu Necro pendant les 3 heures de run en lui expliquant haut et fort voilà, que c'était finalement le streamer qui coûtait le plus cher Gaming Live. Et il ne sera même pas là pour entendre toutes ces saloperies. Ah, pas assez de CPM chez Necro, quoi. C'est pas possible ça. C'est triste. Bah non, mais t'inquiète pas, je pense qu'il t'entendra. Je pense qu'il nous regarde. Peut-être qu'il nous regarde, je ne sais pas. Non, je pense surtout qu'il est en train de dormir là. On espère évidemment qu'il va bien. C'est tout ce que je lui souhaite d'ailleurs. Est-ce que mon micro marche? Oui. Oui. Bonjour. Yes. Une demi-heure, j'essaie de le faire marcher. C'est Belzé. Excusez-moi. Eh ben, il était temps qu'il marche, hein, en tout cas. Oui, bah écoute, on a tous nos petits soucis. Tandis que le stream américain troll. Oui, je pense qu'ils sont fatigués aussi. Hein. Bon. Ah, Kill the Animals, c'est Save the Animals, il me semble que c'est les emotes Kill the Animals, c'est Save the Animals. Ah, mais c'est bien possible. Elles sont assez stylées, et j'avoue que j'ai bien envie de subscribe à SDA juste pour ça, quoi. Ah, Games Done Quick. Oh putain, elles sont énormes ces emotes. Ouais. Elles sont géniales. Hein. Tandis qu'on entend de la super musique sur le setup. Il y a vraiment de super musique qu'ils ont mis sur le setup. Hein. Je sais pas si ça va mettre trop de temps le setup, mais on va peut-être commencer du coup, Dim, sur... Excusez-moi, est-ce que vous, en fait, parce que j'ai pas trouvé l'information moi-même, parce que je suis un gros sac,
Est-ce que vous savez où ça en est pour la bidoire en fait entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2? C'est Kingdom Hearts 2, mais grave en avance. D'accord, d'accord, bon, c'est bon, je suis rassuré, ouais. Non, parce que j'ai passé 4 heures à réaliser la run, donc... Surtout que le boss rush a été voté, en fait. Enfin, ils ont payé le boss rush aussi pour Kingdom Hearts 2. Le boss rush, du coup, on se sentait... Ah, boss rush level 1, en fait, c'est un boss rush level 1. D'accord. Bref, Checkers, le dieu du SMRPG, qui est avec derrière lui Ayat Turpai, streamer très très connu, et également Cypher, qui a aussi bien touché le jeu et qui est un très très bon pote de Checkers. À gauche, je vois pas trop qui c'est par contre. Mais, bref, il y a du beau monde comme d'habitude sur cette génie. Peut-être The Cloud, oui, c'est comme d'habitude à droite qui a fait un peu d'SMRPG aussi. Alors sinon, juste première remarque, en fait on voit que normalement Checkers, la plupart des runners de Mario RPG maintenant en fait préfèrent utiliser la version japonaise, parce que comme d'habitude ça va plus vite. Là on remarque que pour le marathon c'est quand même plus, plus sympa à regarder, on a la version américaine donc ça c'est quand même plus pratique pour nous. Ouais, je crois pas qu'il y ait énormément de différence non plus. C'est 8 minutes 40 de gagner sur les textes. Ah tant que ça? Ouais. Ah, la vache. Ah oui, okay. Un peu renseigné quand même, histoire de... Hein bah, RPG, y a du texte, quoi. J'ai jamais fait gaffe, parce que justement, Ayat Turpai, lui, joue beaucoup en américain, alors que Checkers est toujours en japonais. Mais, ah oui, effectivement, quand même. Okay. Alors d'ailleurs, autant j'ai très bien révisé la run, autant j'ai eu un petit peu de mal au niveau des leaderboards, puisque voilà, Mario RPG est un jeu qui est vachement, vachement dosé. Et difficile, en fait, dans tout ça, entre les différentes catégories, version japonaise, version américaine, savoir au final qui est le record du monde. Alors, tout ce que je sais, c'est que Checkers est un dieu. Ouais, alors après, en fait, Checkers n'a runné qu'en japonais, quoi. Visiblement, il a complètement détruit le world record japonais en faisant un 2.53, il me semble, qui est absolument incroyable. Exact, voilà, c'est ça que j'ai vu moi personnellement. Et, par contre, derrière, alors, du coup, la run qui commence doucement, hein. Donc là, vous inquiétez pas, on voit que le jeu s'est lancé, on vous expliquera au fur et à mesure de ce qui va se passer. Là, c'est vraiment le prologue, hein. on appelle même pas ça le chapitre 1, c'est vraiment la petite scène d'intro. Peach, c'est une nouvelle fois. Et ça y est. Alors, ça n'arrive jamais, hein. Ça n'arrive jamais normalement. Hein. Ça commence. Regardez, c'est l'un des trucs les plus simples. Donc oui, hein, on rappelle, Checkers est un dieu. Non, mais c'est il est très bon à jouer. Mais l'erreur est humaine. Donc là, c'est un random battle gratuit dès le début. Ah non, et puis c'est pris cette battle-là aussi, quoi. Non, celle-là, c'est obligé. Ça, c'est vraiment obligé. Non mais ça va pas, moi on m'avait dit que c'était un dieu qui s'est invité toutes les batailles aléatoires et là il s'en prend une dès le début. Tu vas avoir l'exé dans les menus, tu vas voir rien. Ah non mais je sais, j'ai quand même regardé la run, mais c'est... Non, c'est abusif. C'est les chocs de marathon. C'est les chocs de marathon. Bon alors simplement, donc comme vous le voyez, Mario RPG, comme son nom l'indique, est un RPG. Non. C'est le tout premier en fait, RPG à prendre part dans l'univers de Mario. Et en fait, ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que c'est un RPG qui a été fait par Squaresoft. Donc Squaresoft qui, à l'époque de Super NES, déjà supportait très très bien avec... FF4, 5, 6 qui était sorti sur la même console, et FF7 qui était déjà en préparation. Donc voilà, Squaresoft, on va dire, était déjà sur le début de sa très très bonne période. Et donc c'est à eux qu'on a confié le développement d'un RPG dans l'univers de Mario, donc qui devait quand même être... On va dire c'est un projet qui est assez titanesque, parce que comme vous voyez, les graphismes sont assez particuliers. On a droit à une espèce de 3D isométrique du plus bel effet, des sprites très détaillés, plutôt gros. La console, des décors comme ça, voilà, plein d'animations, beaucoup d'humour d'humour. Et en fait, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que c'est le premier Mario RPG et il instaure des tas d'éléments qui seront conservés dans tous les prochains jeux RPG basés sur l'univers de Mario, donc et les Paper Mario et les Mario et Luigi, donc qui sont deux séries très différentes. Alors que pourtant, et Paper Mario et les Mario et Luigi ne sont pas du tout produits par Squaresoft. C'est-à-dire, en fait, Squaresoft est arrivé en, je sais plus quand c'était, en 94-95, ils ont balancé toutes leurs idées, et Nintendo a fait « Ok, c'est bon, on garde », et les développeurs qui sont arrivés après, donc Intelligent System pour les Paper Mario par exemple, ont bien sûr ajouté leur propre patte, mais ont conservé quand même pas mal d'éléments.
Ouais, non, mais c'est en plus, c'est vraiment un RPG qui n'a que. Enfin, il n'y a pas d'autres RPG comme ça, enfin, à part effectivement les suites de Mario RPG, justement, mais c'est vraiment un système bien à lui, très original, et vraiment sympa à jouer, quoi. Vraiment très très Ouais, il sympa. marche Alors que vraiment là, du coup, on super. a un peu zappé le boss fight, mais bon, un Oh, boss c'est un fight un peu peu. trollesque, très classique, où en fait, Bowser est sur son chandelier, et évidemment, on va essayer de casser le chandelier au lieu de taper Bowser, C'est qui est plus très très rapide de faire triste. tomber les gens. Voilà, évidemment, beaucoup plus Et rapide. Bowser qui finit super triste. Hein. Déjà, on le voit, l'humour dès l'intro. Normalement, Bah, en même c'est une temps. partie très très simple. Normalement, on perd pas de temps. Bon, il s'est un peu fait avoir. Bon, en soi, à mon avis, ça aurait Donc été oui, un ce sera pas reset, un record du hein, monde, hein. Déjà, normalement. c'est foutu. Non, bah, c'est pas sûr parce que justement, comme je te dis, moi, je l'ai pas vu vous faire la version américaine. Alors, on verra derrière parce que Hayae Turpie, c'est un mec qui fait énormément de Mario RPG. Il est surtout connu pour faire aussi derrière la Hayae Turpie avec ses lunettes au milieu et à gauche. Il fait des low pourcents. Et alors, les low pourcents, Oui, c'est les trucs très que. très intéressant ça. Ça dure 14 heures, mais c'est vraiment génial parce qu'en fait on se force à ne pas gagner de level. Enfin, il y a toute une technique, enfin, on va pas tout expliquer tout ça, mais pour dire que Mario RPG en plus a des catégories bien différentes, très sympa à voir aussi. Alors là, juste pour dire, en fait, il a fait semblant de sauvegarder, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de sauvegarde, mais il a utilisé le point de sauvegarde, en fait, parce que sinon, le Toad vous dit, ah mais non, attends, il faut que tu Pas sauvegardes, t'es sauvegarde. fou, Ouais, c'est ça. et il a, en fait, complètement skippé le petit tuto. Donc voilà, là, il est parti, donc ça sera après, je crois. Et donc là, il est parti, il essaie de retourner, en fait, et ben, au château de Bowser, et donc là, il se rend compte que maintenant, il y a cette épée géante, là, qui est tombée du ciel, et qui parle en plus de ça, qui en fait bah, lui refuse l'accès et va faire s'effondrer le pont. Donc voilà, comme ça on comprend que le château Et de mon Bowser, château, c'est le tien. c'est là où l'histoire commence, mais on y reviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, face à cette Voilà. catastrophe, il va falloir aller ben, Parce que la se princesse est débrouiller, bien dans déjà ce commencer château. par retrouver la princesse, Ouais. qui s'est également envolée avec Bowser quelque part, on ne sait pas. Où est-elle? Moi, je pose la Donc on va question. revoir avec notre ami le Toad, et Mario n'étant pas doué du don de loupe-parole, il est obligé, ce qui est assez marrant d'ailleurs, il est obligé de mimer en fait tout ce qu'il veut dire. Et ça arrivera plusieurs fois pendant le jeu, c'est assez marrant. Donc là en fait, le petit Toad nous explique, alors on a déjà combattu, mais bon c'est pas grave, nous explique en fait les différentes facettes du gameplay, qu'il fallait quand même expliquer, hein, parce que c'est comme tu vois, je sais plus ce qu'il a dit, mais c'est quand même un jeu qui est assez unique en son genre, même pour un RPG, ça reste, il y a beaucoup de mécaniques qui seront reprises plus tard dans les Paper Mario et les Mario Luigi, mais qui là ont été instaurées bah, finalement vachement tôt, et qu'il fallait bien sûr expliquer aux joueurs de l'époque. Alors pareil, Mario RPG est un jeu très 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 populaire en speedrun, il y a différentes raisons à cela, en même temps tous les Mario RPG sont très populaires à speedrunner parce que ce sont des RPG donc qui ont une énorme profondeur, une énorme richesse au niveau de la stratégie et de l'optimisation des combats, mais en même temps dans aucun Mario RPG vous n'avez des rencontres aléatoires, c'est-à-dire que vous allez en fait les Mario RPG s'efforcent tout le temps de mélanger comme vous voyez de la plateforme sur les dans les phases d'exploration et des combats stratégiques autour par tour pour ben, parce que c'est un RPG tout de même. Et donc l'avantage de ça, c'est que déjà vous avez un RPG dans lequel la chance finalement aura assez peu d'influence comparé à un Final Fantasy. Parce que déjà vous n'aurez pas les rencontres aléatoires. Après, il reste encore à déterminer le comportement des ennemis, on peut se contrôler sur certains patterns, des fois on va pouvoir esquiver un coup sur un coup de bol, mais grosso modo, la chance nous épargne à peu près, sauf en low pourcent comme tu l'as dit, parce que bon après c'est très long à Oui, le expliquer, fameux on en reparlera je pense. enfin bref, on verra qu'on a des petits choix en fait à chaque fois qu'on va avoir des niveaux. Et donc un choix qui nous permettrait éventuellement de ne pas grimper de niveau, enfin bref. Alors là simplement en fait vous remarquez qu'il a battu les deux ennemis quasiment simultanément, hein. Il n'a pas commencé par un pour finir par l'autre, il a un petit peu frappé les deux. C'est parce qu'en fait dès que vous tuez l'un des premiers frères marteau, le deuxième augmente sa puissance. Et donc du coup on préfère les avoir à peu près simultanément, histoire d'éviter des problèmes. Et donc c'est en fait avec ce frère marteau qu'on récupère bah, le marteau justement. Alors là, grosse précision, ça paraît débile dit comme ça, mais il faut le préciser, le marteau est une arme. Ce n'est pas un item, ce n'est pas une arme secondaire, comme C'est dans ça. Paper Mario par exemple. Vous n'avez pas et le seau et le marteau.
le marteau est une arme que vous devez équiper comme si vous équipiez une épée dans un RPG normal. C'est alors ça. Donc là, simplement très vite fait, on arrive sur une phase en fait d'achat très importante. Donc bien équiper le marteau, il s'est acheté une armure, voilà, l'armure de base, le shirt, voilà, le t-shirt, la veste qu'on a, la chemise précisément, qu'on chope en fait dès le premier village. Et il a également acheté un accessoire qui permet en fait d'augmenter la puissance des attaques de saut. Alors là, vous allez me dire, mais Dimitri, tu me dis de la merde, tu viens de dire qu'en fait on peut pas sauter et taper au marteau parce que le mec il a un marteau. Si, c'est-à-dire que le marteau c'est votre arme avec laquelle vous attaquez et le saut est votre première attaque spéciale. C'est, en gros, c'est votre magie quoi. Vous avez comme première magie la magie saut qui est donc renforcée par cet accessoire. Donc ça va être très 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 important. Sinon, autre question, le mec il a fait aucun combat à part le boss. D'où est-ce qu'il a ce fric pour pouvoir se payer un stuff complet dès la première ville? Très simple, il a vendu beaucoup de choses déjà. Notamment, il a vendu en fait ce qui s'appelle un pot de fleurs. Eh bien, bah, disons, ça vaut cher un pot de fleurs dans le monde de Mario, dis donc. Eh oui, parce que ça aussi, c'est notre particularité de ce jeu. Vous avez plusieurs personnages, donc au maximum de 3 personnages dans l'équipe, pour l'instant il n'y en a qu'un seul, qui a un certain nombre de points cœur, de points de vie on va dire, et vous avez ensuite, classique, des points de magie, qui sont ici appelés les points fleurs. Mais, et c'est là où une petite particularité, les points fleurs sont communs à tous les personnages, c'est-à-dire que chacun des personnages de l'équipe a des points de vie, par contre tous les personnages partagent une seule réserve de points fleurs. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous voulez abuser des coups spéciaux, finalement votre réserve va partir très 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 vite. Et donc un peu partout dans le jeu, vous trouvez des pots de fleurs, enfin l'item pot de fleurs, que vous pouvez utiliser et en fait qui a pour effet de recharger votre réserve de pots de fleurs, et en plus d'en augmenter votre maximum. Normalement c'est un objet complètement divin quand vous jouez en casual on va dire, et il est tellement divin qu'il est également très cher. Et donc, notre runner, ayant parfaitement planifié sa route, il sait qu'il peut se permettre de vendre ce pot de fleurs. Et il le vend pour 300 pièces d'or. 300 pièces d'or pour donner un petit ordre d'idée. Quand il s'est pointé au magasin, il avait 20 pièces sur lui. Il a vendu son pot de fleurs, il en avait 320. Ah bah, tout de suite, le pouvoir d'achat n'est plus le même. Hein. On se retrouve à nouveau dans les années 90, à la bonne époque. C'était pas la crise, tout ça. Et donc là, oui, on peut s'acheter un stock complet sans problème. Tu vas trop loin, là. On a même du rab. On est dans Mario. Petit point histoire quand même, on a rencontré notre premier ami Mallow qui s'est fait voler ses affaires par le fameux Croco, si je me souviens bien, c'est ça. Enfin, Croco l'a un peu emmerdé. Oui, c'est ça, donc tout à fait. Il a volé sa pièce Frog. Voilà, c'est ça, sa pièce Frog. Donc, on va aider Mallow. Mallow qui se présente à nous comme étant une grenouille. Hein. C'est à ce moment-là on se dit, mais attends, les développeurs ils se sont plantés, là, on leur a filé un mauvais dessin, ils ont foutu le mauvais sprite. Mais bon, si c'est pas grave, il dit que c'est une grenouille, donc ma foi, pourquoi pas, on comprend et on accepte de lui filer un coup de main pour récupérer donc sa pièce grenouille, on sait pas trop à quoi ça sert, une espèce de pièce verte. On comprend pas à ce moment du jeu pourquoi elle serait plus importante qu'une autre. Oui. Mais enfin. Alors qu'on en a déjà récupéré une en sautant sur Toad un peu plus haut. Oui, qui était très très bien caché d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Oui, non, mais t'as plein de pièces comme ça, justement de petits trucs qui sont cachés dans le jeu. C'est pour ça qu'en plus le jeu est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de petits trucs cachés en casual. C'est vraiment sympa de chercher tous ces petits trucs, de sauter un peu partout. Parce que c'est en plus l'élément très original du jeu, c'est parce que le platforming allié avec justement l'esquive des ennemis, ça ajoute vraiment quelque chose de particulier qu'il faut vraiment tester. Enfin, en tout cas, moi je pense tous les gens qui n'ont jamais joué à SMRPG, faut absolument y jouer. Surtout si vous avez fait du Final Fantasy, vous allez voir, c'est totalement différent, mais je peux vous garantir que vous aurez une expérience super. Alors là, on voit juste, il a récupéré au passage en fait un Kiro Kiro Cola. Kiro Kiro, qui voilà, je crois que c'est la grenouille en japonais, il me semble. Ou c'est croix en japonais. Voilà, c'est les croix en japonais, c'est ça. Et en fait, le Kiro Kiro qui est une espèce d'élixir. En fait. Alors normalement, on devrait se dire que cet item est complètement craqué, et du coup, ça, on peut le garder. En fait, ça sert juste à se faire revendre à un moment ou à un autre. Parfaitement pour. Alors, ça, c'est ce qui va passer beaucoup pendant le speedrun en fait. Il va récupérer des étoiles qui nous rendent invincibles et qui nous permettent de tuer un nombre d'ennemis assez incalculable et donc de gagner des niveaux rapidement. Et là, il a réussi en fait le moment parfait pour vraiment optimiser ses mouvements et en plus récupérer, il me semble, la pièce verte en plus, c'est ça le freebie. C'est ça. Vraiment.
Excellent ce qu'il a fait. C'est pas du et c'est ça, tu vois, aussi l'avantage de ce jeu, c'est de pouvoir proposer comme ça des tas de setups qui sont finalement relativement compliqués, certains plus que d'autres, on va dire, afin de s'économiser, de pouvoir quand même monter des niveaux, obtenir des compétences qu'on va utiliser plus tard, tout ça, au final, sans faire vraiment beaucoup de combats, hein, puisqu'on pourra voilà, soit se contenter de l'expérience que donnent les boss, soit voilà, de ces étoiles qu'on pourra farmer. C'est une grosse base dans ce speedrun-là, c'est vraiment l'utilisation justement de ces étoiles pour gagner juste assez de niveau. Il va y avoir des moments d'ailleurs où on va farmer, où on va récupérer plusieurs fois l'étoile de suite pour regagner des niveaux encore. Enfin, ça va être très utile. Voilà. Donc là, on arrive donc sur le croco, qui n'est pas un combat vraiment très difficile. On va surtout spammer pour l'instant le saut avec Mario, qui à ce niveau-là du jeu est quand même beaucoup plus fort que Malo. Ouais, puis on voit quand même donc, qu'on prend zéro dégâts. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise en fait avec Malo le miel qui a pour effet de redonner en fait des points fleurs. Sauf que même si c'est Malo qui les utilise, on rappelle que les points fleurs sont communs à l'équipe entière. Donc Malo en fait régénère les points fleurs de l'équipe entière et c'est Mario qui les consume en bourrant le saut. Ah là, pas de chance. C'est à chaque fois en fait qu'il a pris 300 dommages, comme il disait sur le stream. Il a toujours cette espèce d'automatisme de se soigner visiblement. D'accord, il me semblait qu'avec un peu de chance on pouvait l'esquiver, mais non, d'accord. Ouais, c'est vraiment aussi, le pattern. Moi aussi, mais ça va être compliqué. Et voilà, le combat qui est déjà terminé. Et le fameux freebie. I don't even know what happened, dude. He turned around and went like up to the right. Bye bye amigos. Et regardez hein, les textes en plus, ça va parce qu'on arrive à peu près à les lire même s'il les skip rapidement. C'est vraiment très très drôle. Il faut suivre un peu l'histoire. Alors au niveau parce qu'on voit quand même on a gagné quelques petits levels. Ouais. Pour ce qui est des levels en fait, il y a quand même des choses à préciser ici. Contrairement à Mario RPG par exemple. Contrairement au Paper Mario, cette fois-ci, en fait, quand vous montez un niveau, premièrement, dans Paper Mario, seul Mario monte des niveaux. Vos collègues, en fait, ne montent pas de niveau, vos compagnons ne montent pas de niveau, c'est vraiment seulement Mario monte des niveaux. Et chaque fois qu'il monte un niveau, vous pouvez choisir entre point de vie, point fleur, et point badge, donc les compétences en quelque sorte, ce que vous voulez augmenter. Vous pouvez augmenter seulement une seule de ces trois caractéristiques. Dans Mario RPG, c'est un petit peu différent. Pour chacun des personnages, par contre. Voilà, chacun des personnages monte des niveaux séparément. Et quand on vous propose d'augmenter quelque chose, en fait, ce ne sera pas la seule unique chose qui augmentera. Vous pouvez simplement choisir de privilégier une compétence, enfin une caractéristique plutôt qu'une autre. Voilà. Donc vous avez le choix entre attaque physique, attaque spéciale. Ah, il a réussi voilà. Il a passé le glitch du premier. Ouais. C'est pas du tout évident. C'est du frame perfect, il me semble. Et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment extrêmement dur. Hein. Il faut arriver à sauter à partir du premier bumper, on va dire, quand il est au sommet de son saut. Tout ça pour aller directement parler en fait au chancelier. Et on skip complètement tout l'événement, tout le trigger en fait qui est supposé déclencher le combat du boss de la fin de chapitre. Donc voilà, on vient de s'économiser un combat de boss. C'est ça. Et ainsi se termine le chapitre 1. Et oui, au bout d'un quart d'heure. Et ça m'étonne pas de checkers. Hein. Bon, il avait fait mais quand je l'avais fait, moi j'avais mis une heure à le faire ce chapitre. Bah évidemment, mais tout le monde. Mais ça, c'est un speedrun, voilà. Moi j'ai visité la. Oui, mais même si c'est un speedrun, le mec est beaucoup trop skillé, c'est énervant. Mais oui. Là, on n'a pas encore vu ce qui est la grande importance du speedrun. Vous allez voir, pas encore, mais tout ce qui va être super jump, ça va être la grosse partie du skill. Oh, c'est pas pour tout de suite, suite, mais c'est là qu'on verra vraiment le skill de Checkers. Enfin bon, bref. Bah déjà, on l'a vu avec les menus qu'il a fait dans le premier shop. Si tu nous avais pas expliqué, je pense pas qu'on aurait compris ce qui se passait. Un menuing de folie quoi. Oui, parce qu'en fait le menuing dans les RPG est quelque chose de très 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 important à surveiller parce que sinon on comprend pas mais pourquoi il arrive à défoncer ce boss aussi vite. Voilà, c'est vraiment en plus c'est les RPG à l'ancienne, vraiment tout est basé sur l'équipement, les items. Je me rappelle notamment, j'avais fait du commentaire sur FF9. FF9 c'est genre un peu plus, ça fait quoi, peut-être 8h, peut-être 9h de run avec beaucoup de setup. Ah, c'est des setups de l'infini FF9. Hein. C'est ça, c'est une horreur à apprendre. Tous les 3 pas, tu dois changer d'équipement pour changer de compétence selon l'ennemi. C'est un bordel monstre. Alors,
comme dans la majorité des FF, tu vas changer de façon. Dans tous les RPG, de toute façon, on va optimiser son équipement. Mais vas-y, vas-y. Juste là, simplement, en fait, il affronte une mimique, donc il n'est pas obligé de le faire. C'est vraiment un combat aléatoire. Enfin, pas aléatoire, franchement, vous chopez un coffre, et puis en fait, dommage, c'était une mimique. Tu sais qu'en fait, cette mimique vous donne un pot de fleurs, donc le fameux item complètement divin que nous, on se contente de vendre, enfin, du moins, une certaine partie. Et il donne également un accessoire qui protège contre l'altération d'état épouvantable, donc. Il s'est fait un peu troller par le coffre, par contre, par le mimique qui lui a lancé. Ouais, très mauvais pattern. Du coup, il s'est soigné parce que c'est un marathon, mais normalement, il serait allé. Parce que vous voyez quand même que les personnages n'ont pas beaucoup de vie. Hein. Mario doit avoir en gros 20 vies, quelque chose comme ça. Ou 25. Ah oui, il prend très très cher. Voilà, donc, là, il s'est soigné. Normalement, il l'aurait pas fait, mais bon, marathon safety, comme on dit. En fait, ce jeu, c'est un truc assez important. Dans les RPG, vous avez différentes philosophies. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, comme les Paper Mario, des jeux dans lesquels le nombre d'items que vous avez sur vous va être limité, des jeux où le nombre d'items est très limité et en plus va dépendre du personnage. Par exemple, comme dans Golden Sun, un personnage ne peut utiliser un objet que s'il en est équipé, ou dans Dragon Quest également. Ouais. Vous avez la philosophie What the Fuck à la Final Fantasy, où tout le monde a 99 objets de toutes les sortes. Les sacs de Final Fantasy. Enfin voilà, ça c'est le truc. C'est le truc, c'est que le jeu est prévu comme ça, donc au final ça passe. Et là en fait, avec ce Paper Mario, c'est vrai qu'on est quand même. On n'a pas un inventaire illimité, mais on est quand même tranquille. Et d'autant plus qu'en fait, l'équivalent des Queues de Phoenix, ce qui s'appelle en anglais les Pick Me Up, je crois que c'est traduit par les remontants. Les remontants en français, donc ce sont équivalents des Queues de Phoenix, du coup, sont franchement craqués. Et en plus, vraiment pas si cher. Hein. Enfin, en tout cas, lui, il n'aura pas trop de problèmes d'argent grâce à tous les objets qu'il va vendre. Et donc, en fait, dans la run, on préfère ressusciter les personnages plutôt que de les soigner. Très souvent, en tout cas. Comment il fait pour à chaque fois se prendre 0 de dégâts? Moi, j'y arrive pas, ça. Ah oui, alors, pareil, je ne l'ai pas expliqué, ça non plus. Dans Paper Mario et Mario Luigi, je pense que tout le monde est au courant, ce sont des RPG qui sont très connus parce que ce sont des RPG à timing, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, par exemple, de faire plus de dégâts en appuyant sur la touche d'attaque à l'instant. Voilà, à l'instant où ça marche en celui-là, moi j'ai jamais réussi. Et ben ça marche aussi dans celui-là. Le truc c'est qu'en fait vous avez 4 touches. Vous avez 4 touches sur votre pad de Super NES. La touche B et en gros sera la touche de défense, la touche A la touche d'attaque. XY j'inverse tout le temps, mais à gauche vous avez les coups spéciaux et en haut les items. Et en fait, quand vous êtes dans votre menu, vous devez utiliser le bouton correspondant. Ça aura son importance d'ailleurs pour un boss un petit peu plus tard. Et par exemple, quand vous attaquez avec A, vous devez appuyer sur A au bon moment pour faire des bons dégâts. De même avec je crois que c'est Y pour les coups spéciaux, vous aurez une manipulation à faire particulière, peut-être genre bourriner sur Y, rester appuyé pendant un temps précis, pour optimiser les dégâts de vos coups spéciaux. Et pour la défense, c'est pareil. Ça, jeu-là. Et ben non, il l'explique le au tout début. Parce que dans les autres, ils te l'expliquent, ils te font un beau tuto, mais dans celui-là, ils te l'expliquent pas. Moi, j'ai toujours galéré à cause de ça. Non, mais il l'explique, mais très vite fait. Et honnêtement, moi, quand j'ai joué en casual, j'avais aucune idée. Je le faisais comme ça pour la forme, mais je savais pas du tout. Je pensais que c'était complètement aléatoire. C'est pour ça, en fait, que les levels ont pas tant d'importance que ça dans ce RPG, qu'il n'y a pas trop de phases de farming. C'est que du coup, il y a tout ce système de défense et d'attaque qui fait que en fait on n'est pas c'est pas que du calcul quoi. Voilà, après c'est pas facile hein. C'est vrai que le fait de mais non, c'est encore le fait d'arriver à se protéger au bon moment ça aide beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais si l'ennemi frappe vraiment très fort, on se prend des dégâts tout de même. Sinon, simplement, on a vu en fait la transformation de plantail dont je parlais. En fait, il a un item, il a un accessoire qui lui permet de se protéger, de prévenir voilà cette altération. Mais il n'en a pas spécialement besoin. Il préfère garder son accessoire qui augmente la puissance de ses sauts pour optimiser ses dégâts. Et donc, en fait, la transformation d'épouvantail, que je pense qu'on ne devrait pas revoir de toute la run, juste pour vous expliquer comme ça, en fait, elle vous empêche d'utiliser des items et d'attaquer normalement. Par contre, elle ne nous empêche pas d'utiliser les coups spéciaux. Donc, vu que nous, en l'occurrence, c'est le saut qu'on bourre, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. C'est juste que c'est vrai, quand vous avez deux personnages comme ça qui sont en épouvantail et que vous ne pouvez plus utiliser vos items,
ouais, ça devient dangereux. Il est quand même assez safe hein, ce fight, hein, y a pas de soucis. Là on a eu une scène très drôle justement quand il tombe dans l'espèce de cascade environ 1 à l'heure. C'est très très drôle. Et on l'a vu récupérer les fameux freebies, les pièces vertes, tout ça. Les frog coins. Voilà, qui sont importantes hein, évidemment. Je dois alors là, pourquoi est-ce que c'est important? Alors justement, j'expliquerai un petit peu plus tard, mais alors là, par exemple, là, vous voyez, pendant ce mini-jeu, il va faire en sorte de récupérer exactement, enfin, au moins en tout cas, mais généralement ils font exactement pour le style, il va faire en sorte de récupérer exactement 60 pièces. Alors ne me demandez pas comment c'est calculé, parce qu'on verra bien qu'il en a pas 60, hein, je pense qu'une seule pièce en vaut 5, quelque chose comme ça. En fait, il faudrait récupérer 60 pièces, c'est qu'à la fin, il va rencontrer un petit personnage qui va lui proposer de lui échanger ses 60 pièces contre justement une énième frog, enfin, une pièce frog, donc les pièces vertes. Et en fait, les pièces vertes, c'est une espèce de monnaie alternative qui est plutôt rare. Et vous avez un shop, un petit magasin dans lequel vous pouvez en fait acheter des items très très rares, non pas avec des pièces d'or, mais avec des pièces frog. Voilà, voilà ce qui se passe là. Il est en train d'échanger ses 60 pièces, voilà, contre une petite pièce verte. Et en plus, il a gagné la Knock Knock Shell, donc voilà, qui est une arme pour Mario. Ah oui, d'ailleurs, chose qui est plutôt sympathique, moi je m'attachais beaucoup à ce genre de petits détails à la con comme ça depuis que je suis gamin. Par exemple, dans les Final Fantasy, notamment à partir du 7, on va prendre à partir de la 3D, vous aurez remarqué que comparé à tous les MMORPG qui sont sortis depuis, votre stuff ne se voit pas sur votre personnage. Ou plutôt la seule chose qui se voit sur votre personnage, ça va être son arme. Ils vont jamais s'amuser à modéliser le vêtement, ils vont juste modéliser l'arme. Et en fait, dans ce Mario, c'est à peu près ça, parce que ça va un petit peu plus loin encore. C'est que vu que le personnage ne porte pas son arme sur lui, en fait, vous ne voyez l'arme du personnage que quand il attaque. Et donc, comment ça se traduit? Eh ben, quand vous changez d'arme, l'animation d'attaque de votre personnage n'est plus la même. Mais quand je vous parle d'animation, je veux dire qu'il ne va vraiment plus du tout attaquer de la même manière. C'est genre par exemple au début il arrivait, il donnait deux coups de poing, puis finalement il va sauter sur l'adversaire avec son marteau, puis finalement là avec la carapace, et ben en fait il va se mettre devant l'ennemi, donner un grand coup de pied dans une carapace verte. Vous voyez, ça change vraiment toute l'animation. Je tiens à signaler quand même qu'il y a un RPG qui a fait des swaps d'équipements aussi, qui est des équipements alternatifs, c'est Xenoblade, où les armes et les armures se changent par rapport à ça. Après, il y a énormément de RPG qu'ils ont fait depuis, tout ça. Et ben, justement, c'est marrant que tu parles de Xenoblade, parce que je voulais en parler. C'est Xenoblade, en fait, c'est, comment dire, ça fait quand même plusieurs années que beaucoup de rétro gamers, voilà, comme nous, sentent même qu'il y a un certain. Comment dire, une perturbation dans la force, certains trous du côté du RPG à la japonaise depuis quelques années. N'en revenons pas sur le débat FF13 hein, qui plaît à certains, qui déplaît à d'autres. Ah, oula, non, lance pas ça. Mais s'il y a bien quelqu'un qui met tout le monde d'accord. C'est bien quelqu'un qui met tout le monde d'accord, du moins ceux qui ont eu la chance d'y jouer, c'est bien Xenoblade, auquel je n'ai toujours pas eu l'occasion de m'attarder. Et qui par contre, j'en ai eu que des bons échos pour l'instant, il faudrait vraiment que je le tente. En plus, je suis regardé un speedrun de Xenogears dernièrement. Xenogears qui est en speedrun, il y a tellement de texte, ça prend 18 heures. 18 heures de speedrun, c'est que du texte. Bonnie, si tu nous écoutes. Xenoblade, tu skips toutes les cutscenes. T'as toutes les cutscenes. Ah, ça, c'est bon pour ça. Bon, le speedrun dure quand même 10 heures, mais le jeu est génialissime. Si vous n'y avez pas joué, vous sortez votre PC de votre super PC, vous prenez un émulateur, vous mettez le package dessus et puis enjoy. Là, attends, tu es en train d'encourager les gens à pirater un jeu. Nous sommes sur Super Mario RPG pour l'instant. Mais voilà, revenons à Mario. C'est juste que c'est mon jeu de l'amour, alors voilà. On me lance dessus. Mario, je vous encourage à le tester quand même. On me lance dessus. Alors, je fais un rapide point sur l'histoire, de toute façon, là, c'est un petit peu. Oui, parce qu'il y a Frog Confucius qui nous parle. C'est pas Confucius, c'est Frog Fucius. C'est tellement drôle, ce jeu. Ça fait mourir de rire. Et alors, voilà, en fait, il s'agit un petit peu du vieux sage, voilà, qui est le grand-père adoptif de Mallow. Et donc là, on voit qu'il se.
voilà, qui s'équipe et il va aller, il va passer au magasin juste à côté, donc le magasin qui ne prend, qui n'accepte que les pièces Frog, et il va s'acheter des Energizer. Exactement. Il s'est acheté deux Energizer, donc les Energizer en fait qui ont pour l'effet de d'activer un power-up temporaire en plein combat, qui augmente en fait vos dégâts de, je crois que ça doit être de 50%, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas négligeable du tout, étant donné que nous avons des personnages qui sont très fragiles et on mise vraiment tout sur l'attaque, hein. c'est vraiment la philosophie de la merde française, l'attaque, on veut tuer les boss le plus rapidement possible pour ne pas leur laisser le temps d'attaquer, et donc tout ce genre de boost de puissance est bon à prendre. Ah puis là, vous pouvez, j'en profite pour faire la musique de ce jeu, vraiment, encore, si vous arrivez à l'entendre, vraiment, excellent. Ah mais ça, c'est une OST, elle te reste dans la tête pour toute la vie, quoi. Ah, exactement, mais vraiment, hein. Tu l'entends, justement, on l'a entendu depuis le début de la GDQ de temps en temps. Mais en fait, je la trouve vraiment absolument parfaite, parce que, comment dire, elle arrive à conserver cet aspect un peu de légèreté des jeux Mario, tout en apportant quelque chose d'un petit peu étrange, de décalé. Un peu RPG, ouais, voilà, c'est ça, l'esprit Squaresoft quand même qui reste un peu... parce que voilà, il y a quand même une histoire dans ce jeu, c'est pas totalement rose, hein, si j'ose dire, enfin, c'est sympa, c'est drôle tout ça, mais il y a quand même un petit peu d'enjeu. Hein, c'est pour vous dire, en fait, les Smithy, l'espèce de monstres en forme d'armes, comme l'épée qu'on a vu, je vous avoue quelque chose en fait, c'est que cette espèce de fausse 3D, moi quand j'étais gamin, elle me faisait peur. Ah, mais oui, c'est-à-dire que les personnages étaient tellement mal faits que pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, mais tu sais, genre, je dis pas qu'ils étaient mal faits, c'était normal avec les moyens de l'époque, ouais. On n'avait pas le choix. Mais la manière dont ils étaient faits était très très caricaturée au final. Et en fait, il y a plein de jeux comme ça, notamment sur Saturn également, où en fait c'était tellement. Ouais. Comment dire, tellement grotesque en fait que limite c'était presque flippant. Alors tu vois, espèce de monstre qui arrive avec des gros yeux qui veulent rien dire. Et enfin, moi, ces monstres, ils me faisaient peur dans Mario RPG. Faut rappeler quand même que c'est de la SNES et pour de la SNES, c'est quand même franchement bien. C'est bon, super beau. On voit qu'il y a quand même des essais entre je ne critique pas. C'est l'ISO, mais Mario RPG est l'un des plus beaux jeux de la console, c'est clair. Très très large. Je vais me permettre de critiquer quand même le choix de la 3D isométrique parce que c'est ingérable ce truc. Oui, mais ça va, ça passe. Franchement, pour Super Mario RPG, justement, ça, c'est un jeu qui, dont, à quoi ça sert en fait, auquel ça sert, quoi. Parce que, justement, esquiver les combats, tout ça, ça aurait pas du tout donné la même chose en 2D, quoi. Tout simplement, enfin, en 2D tout court. Hein. Et d'ailleurs, ce choix de 3D ISO, ça a été gardé sur tous les autres Mario RPG. Enfin, pas les Paper Mario, pas tous les Paper Mario, mais en tout cas, et ça rentre très bien. C'est vraiment très bien. Bah, après, c'est pas exactement la 3D isométrique. Après, c'est. Bah, déjà, les Paper Mario sont très bizarres. Une espèce de vue de profil, mais avec une profondeur, malgré tout. Ouais. Des personnages 2D dans un monde 3D. Un peu craqué. Dans le chat. Pour Dimitri, Mario RPG est un survival horror. Mais en même temps, moi, franchement, j'ai toujours trouvé flippante cette épée, mais parce qu'elle est malsaine, quoi. Enfin, je veux dire, elle a un crâne en guise de pommeau. Alors après, bon, je crois que j'en avais déjà parlé dans des commentaires de précédents marathons, donc je vais le répéter, de toute façon, je ne serai pas là pour la run de Super Metroid, mais moi, je considère que Super Metroid sur Super NES a été mon premier survival horror. Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'ai vraiment vécu ce jeu comme un survival horror, notamment à cause de certaines zones, comme la zone des sables mouvants, enfin, dans l'eau et tout, avec la musique complètement angoissante. Mettez-vous dans la peau d'un gamin de 5 ans qui tombe devant Mother Brain, quoi. Alors, non, mais attends, si tu commences avec les gamins de 5 ans, là, ça va mal terminer. Là. Non, il doit, avoir 5 ans, d'accord. On va dire un gamin de 6 ans, ça va. Un gamin de 6 ans, sinon le chat va s'envoler, on va avoir des capas, des fraises, des conneries, enfin, c'est bon. Non, c'est bon. Et vu que je ne l'ai pas là, on n'a pas le droit, donc. du coup, point histoire, j'ai quand même en zappé. Ah oui, c'est bon, en fait, là, on a une très grosse scène, en fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans Pink City, je crois, enfin, la cité rose, il me semble, ils l'appellent, qui est en fait assaillie
par l'un des sbires Smithy, en forme d'arc d'ailleurs, qui s'appelle Bower. Alors Bower, non pas comme Bowser, mais Bow, voilà, de Bow l'arc en anglais, qui en fait balance des pluies de flèches en permanence sur la pauvre ville. Et donc on fait la rencontre d'une petite fille qui joue avec sa poupée, et pendant la nuit, c'est bizarre, en fait, sa poupée a pris vie et s'est enfuie. Donc bon, nous ça pour l'instant on n'en sait rien, on va simplement essayer d'arrêter, commencer par arrêter ce vilain monsieur qui perturbe l'ordre public. Ouais. Alors, apparemment cette poupée, on risque de la retrouver dans pas très longtemps. Donc voilà, donc là on a martyrisé une chenille afin de lui extraire un pièce wiggle. Verte. Ouais, un wiggle. Voilà, on va essayer de récupérer une autre frog coin. Attention, on en a un qui tient à la vie. C'est un peu merdé, quoi. En plus, sur le 6ème hit, quoi, c'est un peu triste. Mais bon, c'est... Voilà, c'est... Les ouais, ça va très très vite, hein. C'est pas du tout évident, justement. Bon, c'est un peu le problème, justement, de l'ISO. C'est que, bon, c'est sympa l'ISO, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir dans quel axe on est placé, tout ça, pour les sauts. Au début, ça, c'est un peu difficile. Voilà, pour gérer la profondeur. Bah, en fait, il faut se mettre dans la tête en ISO que le bas c'est le sud, donc en bas à droite. C'est toujours bizarre à appréhender l'isométrique, je trouve. Ouais. C'est le seul regret, c'est le seul vrai regret sur le jeu, quoi. En fait, la 3D isométrique, la 2D, 3D isométrique comme ça, a eu son temps, a eu son heure de gloire, on va dire, parce que c'était un petit peu son passage de transition. Heureusement qu'il l'a eu et qu'il l'a plus. Voilà, mais il ne l'a plus, c'est ça, les gens ont vite compris qu'il fallait passer à autre chose, mais bon, avec les méthodes de l'époque, ça offrait de nouvelles possibilités qu'il fallait exploiter, et donc il y a eu des tests, hein, un petit peu toutes les boîtes ont essayé de faire leur jeu comme ça. Et donc là, on est dans le maze. Bon, après, cet ISO est mieux que Wiz, hein. Oui, voilà. C'est pas compliqué, donc. Pas Oui, donc le maze. Voilà, simplement, en fait, on était dans le maze, hein, donc le labyrinthe, où il suffisait de suivre assez vite, Geno. Enfin, je sais pas comment vous le prononcez, Geno ou Geno ? C'est plutôt. Enfin, moi, je sais pas, j'ai tendance à dire Geno. C'est Geno, c'est G-U pour faire. Geno qui va être notre ami également. Oui, voilà. Encore le pouvoir de l'amitié. Conduire, jusqu'à notre ennemi, le Bower, qui apparemment vient de mettre la main sur une des étoiles que nous sommes en train de chercher. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, t'as Malo qui nous dit non, ils sont trop nombreux, laisse faire et tout. Quand soudain, Geno surgit et s'attaque au vilain monsieur tout seul. C'est vraiment le héros, Geno, quoi. Franchement, oh là là. Moi, c'est mon perso préféré de l'histoire. Ah, mais il a tellement de classe. Il a la classe. D'ailleurs, on voit, ils ont apparemment, on peut gagner des espèces de petites poupées. Alors, j'espère qu'elles sont en bois, par contre. Des petites poupées Geno, des petites marionnettes. Ouais, c'est pas vrai, j'ai pas vu. Il y a des marionnettes. Pour 10$. J'en profite pour dire quelque chose qui n'a rien à voir, mais derrière il y a Ohon qui s'est déguisé. Non, c'est Oxwas qui s'est déguisé en servante japonaise. En maid, ouais. En maid. Voilà, c'est génial. J'espérais qu'il le fasse d'ici la fin de la GDQ, il l'a fait. Il le fait très récurremment sur ses streams, c'est Oxwas, très très drôle. Qui on le rappelle, a désormais le world record sur track and field 100 mètres en 9,41. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est absolument génial à regarder. J'ai dû la regarder deux, trois fois, c'est absolument hilarant. Il est presque aussi rapide que Shane Bolt. Il est plus rapide. Ouais, plus rapide. Je sais plus le record de Shane Bolt. C'est 950, il me semble, le record de Shane Bolt. Bref, rien à voir. Allez, donc l'histoire. Alors, attends, oui, juste simplement, parce que là j'ai une petite question intéressante, puisque moi-même je posais la question. Du coup, finalement, puisqu'on est assez nombreux à commenter, savoir. Donc, d'accord, Dimitri, Belzé, mais dans la régie, qui est avec nous? Ah oui, donc moi c'est incroyable bébé, et je suis avec le grand. Voilà. Mais d'accord, mais c'est bon, ce sont des voix connues. Oui, c'est ça. Oui, pardon, avec connu, mais pas pour tout à l'heure en fait. Golden Sun ensemble. Je me souviens. Alors, juste expliquer rapidement le setup. En fait, pour ce boss, Geno a beau être notre nouveau personnage, et il est complètement craqué de base. Et donc, en fait, on va claquer un autre Energizer, parce que là, le chat me reprochait mon accent tout à l'heure. Donc, un Energizer qui augmente la puissance de sur Geno. C'est l'accent belge, je sais. Énergisé. Canadien, je sais pas. Je fais juste un petit énergisé, c'est ça. Ah oui, c'est tout à fait.
Et donc en fait on va claquer autant que possible de super attaques avec Gémeaux qui en plus est boosté. À noter que vous voyez, vous avez trois touches en fait, donc Y, X et A, et Bower comme, pour particularité de pouvoir en fait vous empêcher d'utiliser une de ces trois touches. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous empêcher d'utiliser la défense, voilà le bouton B reste intouchable. Par contre il peut vous empêcher tour à tour de soit utiliser vos objets, soit d'attaquer normalement, soit d'utiliser vos pouvoirs. Et donc ça c'est complètement random. Que c'est un peu RNG, voilà, c'est ça. Et ça peut c'est ça, et du coup, il y a des patterns qui peuvent être plus favorables que d'autres. Là, par exemple, supposons, si vous n'avez plus de points fleurs pour utiliser vos coups spéciaux et qu'ils vous empêchent, voilà, comme tout de suite, d'utiliser vos items, et ben vous retrouvez à être forcé d'attaquer normalement et donc vous perdez du temps. Attends, mais même en attaque, il fait 60 dégâts, Guy. Ça ce qui serait chiant, c'est qu'il ait plus le Y qui est notre coup spécial. Oui, voilà, qui est vraiment le gros damage dealer. Là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais, il a beaucoup de chance. Là, c'est pareil, hein, faut timer justement son coup, son A. De toute façon, tout est une question de timing dans ce jeu. Et ça marche vraiment très bien. Tiens, pour en penser, c'est quelque chose que je disais à Necro quand on avait réalisé la run ensemble, quelque chose que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup dans Mario RPG, c'est que, à l'instar de Counter-Trigger d'ailleurs, vous avez en fait différents personnages qui auront chacun leur équipement à eux, leur particularité, leur propre statistique, leur propre compétence, du coup ils incarneront un rôle dans l'équipe. Tout ça sans passer par les éternels stéréotypes, donc vous avez votre mage noir, votre mage blanc, au final ils ont tous leurs propres coups spéciaux bien à eux, mais bon, je sais pas, à la rigueur peut-être des éléments un peu à la Counter-Trigger, voilà, Mario peut faire du feu, et Malo a des coups de foudre, c'est joli. Bon, la magie de foudre, voilà, parce que c'est une espèce de nuage, mais concrètement, vous n'avez pas, voilà, c'est difficile de dire que Gémeaux est un mage. À la rigueur, si, parce que oui, il a des coups spéciaux qui font très très mal et il a peu de défense, donc oui, c'est plus ou moins un mage noir, mais c'est pas clairement un mage noir. Non, mais il a une baguette magique, à partir de là, c'est un mago. C'est un magicien. Voilà. Mais dans ce cas-là, plus de questions. Il a un chapeau. Malo. Il a une tête, vraiment, moi j'ai jamais su mettre l'œil là où il était, hein. C'est un peu compliqué, il ressemble un peu à rien. Mais il est vraiment très très stylé ce personnage. À la rigueur, les personnages qui ressemblent le plus, on va dire qui incarnent le plus un stéréotype, je dirais, il y a un petit peu Bowser qu'on verra plus tard, qui rencontre concrètement notre tank. Hein. Ah mais t'as spoilé. Ça m'énerve, moi ça m'énerve. Oh là là. Oh, c'est décidé, on se casse. Okay, ah non, voilà, je laisse tout seul, ciao. Bon bah maintenant qu'on l'a dit, voilà, évidemment, on va jouer avec Bowser. Non mais, je suis énervé, je suis vraiment énervé là. On nous spoil tout le jeu là d'un coup, y a plus aucune magie. La tristitude, oh là là. Et casser la magie dans un Mario RPG, c'est tout cassé. Oui. Alors je vois dans le chat Hydrobobomb qui me reproche de chercher des classes dans Mario RPG. Après voilà, simplement, justement, non. Il n'y a donc pas de classe dans Mario RPG. Et pourtant, malgré l'absence de notion de classe, ça n'empêche pas les personnages d'être vraiment très différents les uns des autres. Et c'est justement ça qui est excellent. Mais si, il y a des classes, mais il y a des classes de FF5. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de classes pour pouvoir les définir, c'est tout. Oui, c'est ça. On cherche encore le mage bleu avec ses attaques de mathématicien. Il y en a forcément une quelque part. Suffit de le trouver, ça doit être un perso caché. En plus, il répète le spoil, OMG. Bah oui. Alors donc là, petite phase d'équipement, on va mettre les cymbales en armes pour Malo, on équipe la nouvelle arme qu'on vient de gagner également sur Geno, et il a acheté en plusieurs exemplaires la nouvelle armure en fait qui est disponible dans le magasin de cette nouvelle ville. Ah bah tiens, on parlait de Bowser. Donc Bowser, dont les troupes ont radicalement diminué, hein, il a perdu des soldats. Ah mais génial, Bowser il est à mourir de rire aussi dans celui-là, quoi. De toute façon, faut... Ah mais dans tous les Mario RPG, il est à mourir de rire, Bowser. Hein. Dans Mario et Luigi, il est juste énorme, Enfin, il est énorme dans tous, hein. Il n'y a pas d'exception. Mais justement, quand on y repense, je crois que ce Mario doit être le premier dans lequel Bowser est traité avec humour, enfin vraiment est traité comme un idiot, quoi. Mais un idiot sympathique. Surtout, c'est le premier où on peut jouer avec Bowser. Exact. Oh, mais tu spoil. Ah, mais non, c'est bon, j'ai déjà spoilé ça. Quoi? Attends, je comprends plus rien. C'est pas grave.
Nos amis taupes. Oh là là. Enfin, je sais pas trop si c'est des taupes. Oui, c'est des taupes. Non, c'est des taupes. Hein. Si, 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 c'est bien des taupes. Taupes. À la rigueur, des ratons laveurs délavés, mais. On va les appeler ratons laveurs délavés. Et donc là, voilà, Mario est très intelligent. Il a lancé. Alors, le chapitre 3, d'ailleurs, qui est le chapitre pour lequel j'ai le moins de notes, parce que, grosso modo, c'est. Donc, c'est un chapitre déjà qui est très court, et il n'y a pas vraiment de. Je sais pas de grosses techniques particulières. On va avoir le farm, normalement, il me semble, dans mon souvenir, avec le farm, justement, de level, normalement. Voilà, mais bon, c'est très visuel, hein, y a rien, je pense que tout le monde comprendra ce qui se passe. Y a normalement à venir une salle assez chaude, esquiver tous les ennemis. Hein. Dans cette cave là, elle est assez chaude justement, y a des petits tricks un peu compliqués. C'est vrai qu'après, au niveau des commentaires, moi j'essaie surtout de me focaliser sur les combats et sur le setup dans les menus. Yes. Après, c'est vrai qu'au niveau du platforming, je peux pas trop vous commenter ça parce que ça va vraiment très très vite. On passe les zones comme ça, on les enchaîne à une vitesse dingue et donc moi je peux pas venir vous dire ah, mais alors là, ces plateformes, c'est très dur de sauter dessus. Ouais, mais alors. Donc en fait, je vous laisse juge pour ces phases là. De toute façon, ça va être la difficulté de ce speedrun, enfin l'une des grosses difficultés de ce speedrun, ça va être justement ces phases de platforming. On a pu en voir un aperçu depuis le début, hein. D'ailleurs il s'est foiré au tout début, vous avez vu qu'il avait sauté un petit peu trop court et qu'il s'est pris un combat, mais en gros voilà, c'est là de toute façon on va perdre du temps dans le jeu puisque de toute façon on n'a pas de combat aléatoire. L'idée ça va être évidemment d'esquiver les ennemis, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'RNG dans les déplacements des ennemis, je crois pas du tout d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait ça va être beaucoup de routing, de platforming un peu justement à la Mario. C'est pour ça que Super Mario RPG est intéressant, c'est qu'il s'inspire en fait de l'esprit Mario dans le platforming où voilà, va falloir essayer de sauter par-dessus les ennemis, essayer de pas se faire toucher, tout ça. Donc voilà. Oui, et puis les fights, c'est vraiment juste des strats à son niveau. C'est juste savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est vraiment pas ce qui va être le plus aléatoire. Justement, c'est quelque chose dont j'avais parlé en fait lors de mes commentaires. J'étais avec Crow, du coup, je pensais. C'était la run, on a vu pour la GDQ de l'été dernier, c'était de Paper Mario for the Thousand Door, Thousand Years Door. J'étais là aussi. Ah oui, c'est vrai, Belgique. C'est te m'oublie. Je me rappelais qu'on avait commenté ensemble, je savais plus quel jeu. Bah voilà. Voilà, super. Donc, ah, je suis désolé. C'est te m'oublie. Super. Mais sur la fin, c'était parti en couille dans le chat. Les gens commençaient à se moquer de nos pseudos. C'était sale. Mais là, en plus, voilà, il vient justement de faire une de ces séries dont on parlait où il doit éviter les ennemis. C'est pas du tout évident de faire ces petits jumps qu'il vient de faire pour éviter les bombes, tout ça. Moi, je vais juste retenir le nom de la taupe qui s'appelle Pas Molle, qui en français pourrait donner un super jeu de mots. Elle est pas molle. C'est-à-dire pas taupe, quoi. Et moi, ça me fait rire. Voilà, alors on va commencer justement une phase de farming de level. Ah là là, il s'est foiré un petit peu. C'est quand même super sympa que les étoiles te donnent quand même l'XP, quoi. Ah non, mais c'est génial, c'est complètement craqué. C'était pour. Et en fait, le truc, c'est que les étoiles, on sait pas forcément où elles sont, tout ça. C'est ça le truc, c'est que il y en a qui sont vachement cachées. On sait pas forcément qu'on peut les avoir. C'est pour ça que là, ça a l'air craqué parce que c'est un speedrun, parce qu'on connaît le jeu. Mais en casu, on remarque pas forcément. Ah, je suis le seul pour qui la connexion est en train de sauter ou... Non, ça me fait ça depuis le début. Moi ça va, moi. Nous ça va, pardon. Petit point timer peut-être, là maintenant ça fait 45 minutes. J'ai 45, 45, 46, 47, 48. Je suis à une seconde de toi, ce qui est très correct. D'accord, je suis complètement à la ramasse, je vais faire un refresh. Punchinello sur lequel on est. J'ai fait un petit post-play. La Punchinello qui va avoir son armée de bombes. Voilà. Donc voilà, boss plutôt anecdotique, hein, franchement. Ouais. On notera quand même. On va le bourrer comme il faut. Que Malo, enfin, maintenant, elle attaque les ennemis avec des cymbales. Ce qui est vraiment très très marrant. Parce que pour le coup, faut imaginer le boss qui se fait éclater entre deux cymbales. C'est très mignon.
C'est ça. Mais oui, mais c'est pour ça, ce jeu, il est magnifique, quoi. Non, mais il est génial, ce jeu. Ou pareil, je spoil un petit peu, mais il y a une des armes de Bowser, pardon. C'est la meilleure attaque du jeu, quoi. C'est quand Bowser balance Mario sur des bosses, quoi. Et le pire, c'est que c'est super puissant. Mais oui, on va l'utiliser énormément. D'ailleurs, on va l'utiliser énormément dans le speedrun. Parce que c'est l'attaque la plus puissante quasiment de Bowser. C'est très drôle. Voilà, genre au début Bowser elle arrive normal avec il donne des petits coups de griffe quoi. Et puis là t'arrives sur la fin du jeu, tu disais c'est quoi cette arme. Et là tu la testes et boum. Mais tu dis ah bah c'est un peu fort quand même. Non, pas du tout. Ouais. Ouais bah écoute, de toute façon très anecdotique hein, ce fight hein, il a quasiment rien eu à faire en fait théoriquement je crois que si on n'est pas assez rapide en fait les bombes nous emmerdent, mais là on s'en est bien sorti. Bon, même les bombes ont essayé, elles ont explosé dans le vide donc bon pff. Voilà c'est ça. En fait elles ont explosé mais on a juste protégé sa tête et puis ça a fait aucun dommage hein, voilà il y a une bombe qui nous explose dessus. vous mettez juste les bras devant votre tête et normalement avec le bon timing ça devrait aller, pas des gratignures. Ce que j'adore, c'est les morts de boss comme celle-là. C'est tellement débile. C'est génial, quoi. Évidemment, la bombe qui s'allume. Mario, si ça explose, on est vraiment dans la merde. Ah bah merde. C'est absolument génial. On peut crier maintenant ou on attend un petit peu. Non, mais c'est génial. Et maintenant, ils sont tout noirs, quoi. C'est très cartoon. C'est non, ça a explosé, mais. Et du coup, l'étoile, la troisième star. Qui était juste à côté. Juste à côté, voilà, bien sûr. On aurait pu sauter sur la caisse d'à côté, tout aurait été bien. Non, mais c'est pour ça que ce chapitre est vraiment très 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 court. Mais du coup, en. Comment dire, un petit peu, je sais pas, il est pas très inspiré, on va dire. Mais après, bon, on a quand même une fin de chapitre qui, à l'inverse, seront très 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 longs un peu plus tard. Oui, alors attends. Il me semble que le plus long, c'est le cinquième chapitre avec toutes les histoires de statues là. Le chapitre 6 et 7, c'est les statues. En fait, les 2-3 derniers sont vraiment très très longs en fait. Hein. Même le 6-7 là. Donc voilà, en fait, pour vous dire, il y a 7 chapitres. Ça fait même pas une heure que le jeu a commencé et on vient déjà de récupérer la troisième étoile. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas normal quoi. On s'entend d'aller beaucoup trop vite. Ouais, c'est des fausses étoiles, je le sens à tous les coups. On se dit, mais attends, il reste encore 2 heures de jeu là, c'est quoi ce bordel? C'est ça qui est vachement bien aussi avec SMRPG qui on a fait sa popularité. C'est pour ça que sur l'île de Leaderboard, c'est énormément de personnes. C'est que c'est un speedrun qui est quand même assez entre guillemets simple. Relativement court. Relativement, et surtout très court, voilà, c'est ça. Ouais, pour un RPG, c'est court. Ouais. Alors, ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'on va avoir. Le mode 7. Le sub 2. Non, alors, je crois que c'est ça, c'est le gros but, c'est le sub 2. Je suis pas certain. Mais donc, ça, c'est pas du tout évident, hein. Ça a l'air tout con. C'est pas du tout évident, en fait, les virages, il faut vraiment bien timer et faire en fait du boost avec nos champignons. Et c'est une phase que les speedrunners, une grande partie des speedrunners vont vraiment tryhard quoi. C'est l'un des trucs qu'on practice le plus dans SMRPG. Et c'est pas si évident que ça, qu'on voit. Vous voyez là il va craquer ses champignons assez vite. Dès qu'il les a dans les lignes droites. Avec la phase un petit peu Donkey Kong Country. Ouais. Mais c'est très très chaud, hein. ça a l'air de rien comme ça, mais à optimiser, c'est pas du tout évident pour gagner sa vitesse. Donkey Kong Country et un peu Mario Kart aussi, parce que voilà, on a des champis. Hein. Ah non, mais Donkey Kong Country n'a rien inventé sur les phases en chariot, arrêtez. Oh là là. Alors, si, ils ont inventé les fusées. Est-ce qu'on va avoir le sub 2? Alors, c'est vraiment de l'utilisation des mushrooms. C'est évidemment timé. On sait exactement où est-ce qu'on va les faire. C'est du routing. Hein. Mais le tout étant de ne pas faire de hors-piste. Alors, moi, je remarque que c'est une énorme perte de temps. Sachant qu'on choisit. Ça a quand même réussi à faire un mode 7 à peu près regardable. Ouais, non, mais il va. Ouais, il va. C'est quand même hein. Hyper rare. Tu compares ce chariot-là à celui de FF6. Oui. Bon, voilà. On va parler de ça. Ça va fâcher les gens. Ça va fâcher les gens. Dire du mal d'FF6, attends, c'est comme dire du mal d'OOT. Non, c'est bon. Alors voilà, les petits virages comme ça, c'est l'enfer. Ça a l'air de rien.
Bah après, FF6 en général, c'est pas très beau non plus. Hein. Une trois. Je crois qu'on va avoir le sub 2. Est-ce qu'on va avoir le sub 2? Je crois qu'on va avoir le sub 2. Ah oui, c'était très propre hein, quand même. C'est un peu le but de tout speedrunner. Alors, je vais poser une question. Il existe en français ce jeu ou c'est une fan trad? Non. Sub 2. Alors, il existe en français, mais je crois que c'est une fan trad. Ouais, il me semblait que c'était une fan trad. Les seules roms françaises que j'ai vues, c'était des fan trad. Parce que par contre, la traduction est impeccable, hein, mais il me semble que c'est de la traduction amateur. Parce qu'en fait, on avait ben, notamment, il y avait l'équipe, c'était. Comment elle s'appelait déjà? Bahamut, non? C'était pas la Bahamut Team, un truc comme ça qui avait c'est pas traduit, ceux qui ont traduit FF. Bahamut Lagoon, ça? Bah, justement, ils ont traduit Bahamut Lagoon, ils ont traduit Soccer of Mana 2, c'est-à-dire Second Identity 3. Les mecs, ils ont traduit grosso modo tous les gros RPG de Super NES qui n'étaient pas sortis chez nous. Ouais, plein de vacants dans le. Le problème après. Dans le chat nous confirme que c'est une fan trad. Ouais, c'est une fan trad, oui. Ouais, mais il y a hyper plein de qualité. Il y a plein de monde qui nous dit que c'est une fan trad, donc on va. Terminus trad. Ah non, même Terminus. Ah non, mais les gens sont pas d'accord. Ouais. oui, j'ai sorti Bahamut, mais non, Terminus, pardon, oui, c'est Terminus. D'accord, donc c'est Terminus qui l'a fait, mais c'est vrai que la Bahamut Team apparemment a fait 3/4 des RPG Square en français. Donc on avait à peu près raison, mais pas tout à fait. Bien, bravo. Ou je sais pas quoi, j'en suis. En même temps, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à des vieux RPG en français. Vous savez tous pourquoi. Je sais pas, non, peut-être. Ah, je sais, parce que tu préfères le russe. Eh oui. Ah bon, Dimitri préfère le russe. Moi, les c'est les carte fans trad, gros de Dimitri Medva préfère le russe. Du coup, les fans trad, moi, je nage dedans en permanence. Après, le problème, c'est que faut voir la qualité, quoi. Oui, t'es toujours en train de te plaindre de la qualité des traductions russes. On va quand même arriver à un moment un petit peu sympa, il me semble. Est-ce que c'est ce moment-là où on va. Ah non, c'est pas là, merde. Il y avait des mini-jeux normalement, il me semblait. On a retrouvé la princesse Peach. Qui apparemment serait retenue prisonnière dans la tour Booster. Donc la tour Booster, Booster étant le maître de cette tour, et c'est une espèce de nain immonde qui a plein d'argent et qui ne sait pas quoi faire de sa vie à part jouer dans sa tour. Et donc Bowser est désespéré parce que son armée a été réduite à néant, et donc il ne sait pas comment aller récupérer la princesse qui au final n'est plus très très loin, juste à quelques étages près, et donc il va être contraint de s'allier avec nous, à contre cœur, pour aller récupérer sa Dulcinée. Et donc voilà, Tintin. Hein. Non, je suis pas d'accord. Bowser va rejoindre l'équipe. Mais en plus, il était en train de pleurer. J'ai bien fait. Bon, tu te calmes maintenant, tu reprends tes esprits. Oui, il est génial. Ouais. Il est génial. Alors, moi, un truc que j'aime bien dans ce Mario RPG, c'est que la princesse Peach s'appelle Toadstool. Enfin, officiellement, c'est son nom. C'est la princesse Peach Toadstool. C'est son nom complet. Mais voilà, plutôt que de l'appeler simplement Peach ou princesse, ils l'ont vraiment appelé Toadstool. Voilà, c'est le nom que plus personne n'utilise depuis 25 ans. Toadstool. L'outil des Toads. C'est dégueulasse. T'es une femme, c'est pas un objet. Pas toi. Donc voilà le fameux booster hein, qui est une espèce de d'ersatz de Wario, de ce qui allait devenir Wario plus tard. Il a le même sourire en tout cas. Avec sa tenue vous remarquez qu'il est en robe hein, le fameux booster. Le pire avec ce gars c'est qu'il est, pas vraiment méchant en fait. Hein. Il est juste dans son monde quoi. Ouais, là il y a encore une petite scène justement de platforming pas évidente du tout pour éviter les monstres. Mais attendez, il est petit, il est moche, il est mal rasé, il sort pas de chez lui, mais c'est un geek. Voilà, encore des bombes un peu, ouais ça c'est vraiment l'enfer à éviter. Non, il est pas gros Dimitri. Ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air de rien cette petite scène de platforming, mais c'est vraiment très très chaud. Il s'est un peu planté sur la salle d'avant, mais bon là il y a rien du tout. Et là voilà, ça va être encore un petit peu des trucs un petit peu chaud. Ouais, donc là c'est vraiment l'ascension. Hein. Et il récupère des coin frogs au passage aussi. Ah, quand elles sont sur la route, on les prend. Alors là, ça a l'air de rien aussi, c'est un petit puzzle. En fait, si on marche au mauvais endroit, on se fait avoir. Mais, tout va bien. Ah, la voix qui saute encore et toujours. Ah ouais, non mais d'accord, je suis pas le seul, ça fait.
l'esquive des chomps, ceci n'est pas évident du tout. Du coup, c'est peut-être la voix de Belzé qui saute des fois, non? Je sais pas, peut-être, parce que je vous entends sauter non. aussi. Bon, ça va, mais je sais pas. Non, on n'a pas de souci. On n'a pas de retour de nous-mêmes. On a le retour de vous, il est bon pour nous. Donc, bon, tant mieux déjà. Je sais pas. Moi, je. On est beaucoup trop nombreux sur ce commentaire. Mais non, pas du tout. Ok, on est qui va check si notre son va bien ou pas. Après, on a eu des problèmes visiblement avec nos câbles ici, je sais pas trop ce qui se passe. Oh, le chomps qui troll à la sortie de la porte, normalement on s'est touché, mais il s'est bien. J'ai le son qui saute, mais je crois que ça vient de chez moi. Ouais, c'est peut-être de chez toi. C'est pas grave, j'arrive à suivre. C'est l'essentiel. Ouais, il faut. Alors. Touchstool. Mario! Mario! Tiens, je vois quelqu'un dans le chat qui nous demande si c'est un. Je sais pas si c'est un troll, mais. Qui nous demande si c'est un jeu de Game Boy Advance. Non, on est bien sûr Super NES. Non, c'est pas celui-là sur Game Boy Advance. Le Mario RPG sur Game Boy Advance, c'est Mario et Luigi Superstar Saga. Superstar Saga. Il est beaucoup plus rapide pour le coup. Hein. Alors, petit mini-jeu. 1h30. Petit mini-jeu. Il est glitché à mort. Mais moi j'arrive pas à faire les glitches à la manette, mais bon c'est pas grave. De quoi vous parlez, de quel jeu? Ce mini-jeu il est énorme. Ah oui, il est quand même craqué ce jeu, il était il y a un marathon récemment avec Mario et lui. Ah oui, non mais en fait tu vois plus rien de l'écran concrètement. Ah non mais les gens recommencent à faire Sloopy sur le chat, je comprends plus rien. Pourquoi on se cache derrière un rideau, au fait, alors que tout le monde nous voit parce qu'on a les pieds qui dépassent? Ta gueule, c'est magique. Alors justement, en fait, nous voit pas pour c'est l'instant. C'est un petit jeu où on va essayer de pas se faire découvrir par les amis de Booster. Et évidemment, il faut se placer au bon endroit. C'est vraiment à la limite, ça c'est génial. Mais les joueurs de la 3D, vous voyez qu'en fait, il y a des pixels qui sont un peu craqués ou. En fait, c'est super simple. En fait, il faut regarder par rapport aux pieds. Si vous voyez bien, en fait, les rideaux à chaque fois prennent deux carreaux. Donc, si vous vous mettez au bord du dernier carreau devant le rideau, c'est bon. Même si votre sprite dépasse, on considère que vous n'êtes pas, pas devant. Je suis derrière. Plutôt simple. Hein, ce jeu, Oui. D'ailleurs, c'est un jeu qui est bon de réussir du premier coup, parce qu'en fait, si vous réussissez, quoi qu'il est un peu troll, la dernière phase, la phase à 3 est compliquée, mais ça va, honnêtement. Déjà, là, il fait plus trop le malin. Ah bah non, là, il s'amuse plus vraiment avec juste les pieds. Honnêtement, le jeu beaucoup plus compliqué, c'est celui avec le dodo qu'on verra plus tard. Oui, bien plus tard, mais oui, pareil. Hilarant, vraiment hilarant. Vraiment, le dodo, c'est un de mes persos préférés aussi du jeu. Je l'adore, quoi. Ouais. Là, il y a une peluche dodo sur laquelle vous pouvez donner. Enfin, vous pouvez donner et récupérer une peluche dodo qui est vraiment géniale. Oui, d'ailleurs. Moi, j'aurais bien aimé donner pour ça, quoi. Ce marathon est un marathon de charité pour la Prevent Cancer Foundation qui ne fait de la recherche pour la détection du cancer du sein et de la prostate. Donc si vous avez encore des sous sur votre compte en banque, n'hésitez pas, c'est une grande cause. Alors n'oubliez pas qu'on est que le 10, hein, prévoyez le mois. Petite phase d'explication technique. Donc là en fait on vient de récupérer l'amulette, donc c'est l'objet qu'on gagne en fait en réussissant ce milieu du premier coup. L'amulette qui est un item qui vous augmente toutes vos caractéristiques de manière relativement conséquente, sauf la vitesse qui par contre vous prenez un malus en vitesse qui est assez dégueulasse. Donc il est équipé en l'occurrence sur Geno. Donc là, petite stratégie pour ce boss, on va essayer en fait d'effrayer le boss en utilisant l'attaque spéciale de Bowser, sachant que ça a missé sur l'un des deux, c'est dommage. En fait, le fait d'effrayer un personnage a pour effet de diminuer son attaque et sa défense, donc c'est toujours bon à prendre. Sinon, on bourre le feu avec Mario, parce que, comme vous voyez, ça marche très très bien. C'est un objet qu'on récupère. Non, c'est pas un objet. Justement, c'est vrai qu'avec le nom, on a l'impression que c'est un objet. Mais dans ce jeu-là, ce n'est pas un objet. Comme les Ice Orb justement qu'on récupère pour le coup. Ouais, donc voilà, c'est pas la Fire Flower. Non, parce qu'il y a aussi des Ice Orb justement qu'on utilise qui sont pour le coup des objets. C'est des bombes après. En fait, t'as les Fire Bomb, les Ice Bomb, d'ailleurs, on pourra parler des sortes de grenades. Ouais, on en reparlera parce qu'elles seront utilisées énormément aussi. En fait, pour Mario, c'est super simple. En fait, il a 6 coups spéciaux.
un saut, une boule de feu, un super saut, une super boule de feu, un hyper saut, une hyper boule de feu. Voilà. J'aurais... En gros, il a trois versions. Il a trois versions de son saut. Regardez les trois versions de son saut. J'avais raté la peluche du dodo, mais bon, magnifique. Alors, bonsoir, excusez-moi, est-ce que je peux vous couper juste deux secondes? Ah oui, non, mais alors, Asharf, il veut faire la promo de ses potes. Ah, depuis tout à l'heure sur le stream, dans sa terre. Non, alors, c'est assez énorme quand même. Il faut savoir que, donc, il y a Checkers qui run. Donc, Checkers qui est un super runner aussi de Megaman, etc. Qui a toujours le world record sur Megaman 4. Et il faut savoir que derrière lui, il y a Youth Pizza. Il y a Cypher et il y a BGW qui sont aussi des runners de Mega Man. Et là, il est entouré de ses potes et vraiment, et ses potes le soutiennent à fond. Vraiment. C'est même étonnant qu'ils aient décidé de ne pas faire une race, hein, vu la présence d'un tel panel. Là, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Et donc, ouais. J'arrête de vous embêter. On sait pas pourquoi. Parce qu'il voulait voir une race avec tous les meilleurs. Ils pouvaient être 4 sur la race. Et en fait, ils sont pas 4 et ça l'énerve. Après, on a dit. Ah, mais pas du tout. Mais je trouve ça complètement génial. C'est complètement génial. Que ce soit Checkers qui fasse la race. Moi, je trouve ça complètement OP. Quoi. Du coup, c'est Cypher qui se retrouve commentateur. Bon, je suis désolé, j'arrête de vous embêter, tout ça. Non, mais tu reviens quand tu veux. Cette intervention était inutile. Ah, c'est bon, il est avec 3h30 du matin, on est entre potes, tout va bien. On est bien. Il est plus 3h du matin. Il est 4h46. Il est 4h46 du matin, voilà, tout va bien, on est bien. Alors, revenons un petit peu sur la run du coup. Ouais. Alors là, cette course est complètement immonde. Elle est complètement immonde parce qu'en fait, vous devez, donc vous l'avez sûrement déjà compris, en fait, le seul moyen de gagner un petit peu de vitesse, en fait, voilà, de prendre de l'avance et de sauter soit sur un des ennemis qui vous rattrape, soit sur un des tonneaux qui tombe. Si vous sautez par-dessus, ça ne fait rien, si justement vous ne le prenez pas, mais il faut sauter pile dessus pour que ça vous donne de la vitesse. Et en fait, à chaque fois. Pas du tout évident. Hein. À chaque fois que vous arrivez en fait à prendre suffisamment de vitesse pour rattraper Peach, vous obtenez une fleur. Donc voilà, fleur qui vous augmente votre niveau maximal de points fleur et donc de points de magie si vous voulez. Donc c'est très 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 important. Il faut savoir que les speedrunners sont tellement habitués à ce mini-jeu que en moyenne, voilà, en tout cas c'était Cypher qui disait ça pour le marathon de 2013, je crois, il y a deux ans que j'avais commenté avec Ken Bogard. Il disait qu'en moyenne, il avait 12 fleurs. Bon, il arrivait à toucher Peach 12 fois. et son record était de 15 fleurs en fait en une seule course. Il est si long que ça, ce truc. Ouais. C'est vraiment super long. Et donc là, il y a vraiment aucun moyen de gagner ou perdre du temps. C'est juste que on fait quand même, on joue le jeu, hein, comme on pourrait dire, simplement parce que avoir des points de fleurs en plus. Jamais contre. Sachant que ça nous fait pas perdre de temps, autant en profiter un maximum, comme ça sera toujours du miel d'économiser, peut-être des trucs gagnés plus tard. On peut faire plus d'attaques spéciales. Là il faut quand même voir que ça se passe extrêmement mal. Hein. Là, il est en train de. Je sais même pas si on aura. Je sais même pas s'il aura 10 fleurs. Je crois qu'il a récupéré 5 fleurs, peut-être comme ça. Ouais, alors là, c'est vraiment la catastrophe. 7, c'est vraiment pas terrible. Hein. Pour dire, généralement, un runner, habituellement, en chope à peu près 12. Oui, c'est ça. Lâche, quoi. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Hein. Très mauvaise RNG, pour le coup. Ça, au bout du compte, mais ça aide, quoi. Très mauvaise RNG. Genre, c'est la chance. Oui, c'est vrai que des fois, on peut vraiment se faire avoir, parce que... Donc là, joli petit passage secret, au passage. En fait, c'est vrai que des fois on peut se faire avoir parce que vous avez en fait des fois des nuages qui passent et très souvent, comme par hasard, pile au moment où le nuage passe, en dessous du nuage, il y a un tonneau qui arrive et donc vous ne voyez pas, vous pouvez pas anticiper votre saut et vous vous retrouvez au fond, c'est fini quoi. Ah là là. Donc là en fait, nous allons tenter d'empêcher le mariage entre Booster et la princesse Peach. Parce que voilà. Parce qu'en fait, voilà, Booster qui ne sortait jamais de chez lui, a vu cette femme en fait tomber du ciel dans sa tour et s'est dit c'est un présage, c'est un signe, je dois me marier avec cette femme. Mais voilà, il n'est pas méchant, c'est juste que c'est un rival en amour quoi. Arrête de dire que c'est un geek, il n'est pas gros.
Hein? Arrêtez de dire ça. Il est pas gros. Il peut pas être geek, il est pas gros. Oh, il était un petit peu rond. Attends, mais en tout cas, moi j'ai pas vu de poster de Call of Duty dans sa chambre. Selon M6, c'est pas un geek. Putain, l'enfer. Est-il abonné à la chaîne de Cyprien? Non, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Chat, ça va mal finir là, mais non, on peut pas, c'est ça. Et en plus, il est 4h40, mais ça va mal finir quoi. Ça troll gratuit. Il va y avoir les modos qui vont commencer à ban tout le monde, ça va finir en guerre civile. Ça va être impossible quoi. Je bannerai tout le monde s'il faut. Non, c'est pas possible quoi. Les gens comprennent ton chien de la barrière du second degré. Je profite qu'on ait 5 secondes. En fait, j'ai suivi le marathon toute la journée aujourd'hui, simplement j'étais en train de réaliser mes runs de Kingdom Hearts de Mario RPG, donc j'ai pas trop le temps de venir parler dans le chat, mais ça m'a fait marrer parce qu'à un moment je sais plus qui c'était, mais les runners se sont mis en tête de se présenter. C'est devenu mode pendant plus de 2-3 runs d'affilée, à chaque fois que des nouveaux commentateurs arrivaient, voilà, les commentateurs en fait arrivaient et se présentaient, voilà, je joue à tel ou tel jeu, je suis runner à tel jeu, et nous avec Belzer on arrive, on est des imposteurs total quoi. On connaît même pas les jeux. Mais qu'est-ce que vous venez foutre là, les gars? Là, ça me plairait. Donc si vous voulez, au cas où vous n'y avez pas encore compris à quel point tout cela n'est qu'une farce, on se présentera à un moment ou un autre dans la run, mais pas sûr que ça en vaille le coup. Speedrun, des très bons jeux, on respecte un minimum. Donc voilà, cette scène est absolument magique si vous la... Oh là là, les bisous! Ta 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 ta. On remarque que les développeurs aiment beaucoup les noms qui commencent par des BO. C'est normal, ça fait des blagues avec Booster, Bowyer. C'est normal, les méchants faut toujours qu'ils s'appellent Bo, sinon dans le monde de Mario on comprend pas que c'est des méchants. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, là je vois dans le chat libéré, délivré, qui, si je crois, bien Frozen, c'est ça. Alors ça donne quoi en russe? Ah non, on commence pas. C'est machine. En russe, en russe, en fait, je pense que je me suis vu Frozen tout récemment, parce que tout le monde m'en parle depuis un an, donc je me suis dit, bon, je vais le regarder quand même. Et du coup, je l'ai regardé en russe. En russe, ça passe bien. Enfin, j'ai pas trop aimé le film, mais juste la musique. Alors, en russe, ça rendait bien. Moi, je vais pas donner mon avis sur le film parce que je vais me faire insulter. Et je vais insulter des gens, donc. Non, mais bon, les films Disney, c'est plus trop pour nous. Quoi, il faut regarder le Lego Movie, les gars. Quoi. Ah, Lego Movie, c'est très drôle. Très bon film. Vous l'avez vu ou pas? Vraiment très drôle. Rempli de références que les enfants ne peuvent pas comprendre. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Fait au LSD complètement. Les scénaristes étaient sous acide. Visiblement. Quoi. Alors, en attendant, là, on est en train d'affronter un gâteau, quoi. Ouais, alors juste on dirait ça comme ça. C'est vrai qu'il ne paye pas de mine, mais c'est un des boss qui peut vous tuer une run en fait. C'est-à-dire que généralement en marathon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite sauvegarde avant parce que ça peut mal se passer. On voit qu'en fait, pendant les deux derniers chapitres, on n'a quasiment pas fait de combat. Ce qui fait qu'on est complètement under level. Et donc juste ce boss en particulier représente un énorme pic de difficulté dans les combats en fait, en tout cas en speedrun. Alors le combat est assez particulier, comme vous voyez, pour l'instant il n'a pas fait de coups spéciaux, pas de stratégie particulière, il s'est contenté d'attaquer, simplement parce que le combat se déroule en plusieurs parties. La première partie c'est quand vous êtes avec ces deux cuistots, qui ne comprennent pas pourquoi vous vous en prenez au gâteau concrètement. Donc, en fait attaquer le gâteau un certain nombre de fois, histoire de déclencher les scènes avec les cuistots jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Une fois que les cuistots sont partis, vous voyez que 5 bougies se sont allumées sur la tête du gâteau, vous devez les éteindre une par une. Là, le nombre de dégâts que vous faites n'est pas important. Donc tout ce que vous devez faire, c'est toucher l'ennemi. Donc, comme le dernier boss d'effet fuite, il faut le bourrer 5 fois pour qu'il s'éteigne. Voilà. du coup, on éteint les bougies. Le problème, c'est comme vous voyez, nous, on utilise nos 3 tours, mais une fois que c'est le tour du boss, lui peut nous attaquer 2 fois en un seul de ses tours. Et comme vous le constatez également, il n'utilise que des attaques qui touchent le groupe entier. Et ça peut très très mal se passer, donc là, voilà, on va être utilisé en même temps sur Geno. Donc c'est le problème, c'est que vu qu'on a des personnages qui n'ont quasiment pas de vie, on peut se les faire, en fait on peut se faire one-shotter la team, quoi, concrètement. Là, il se fait troller, là.
Ça fait vraiment trop bien parce que Jerry va encore. Non, Bowser va mourir, non? Non, il est, ah, non. Il est pas en forme, mais il va pas mourir. On y croit. Moi, c'est tout, je suis en train de me troller. C'est allez, Bobo! Tiens le coup! Allez, Bowser, tu vas tenir le coup, même si t'es tremblant. Ouais, mais il a paralysé Mario, il me semble, non. Allez, je crois qu'il est effrayé. Ouais. Il me semble qu'avec cette animation comme ça, c'est quand t'as effrayé, du coup, perte de défense et d'attaque. Décédé, pick me up. Non, Bobo! Bowser, non! Mais en fait, ce qui est très craqué dans le jeu, c'est que Mario. Mais c'est un soda, la queue de Phoenix, en fait! Il répond jamais rien. The worst is over. Mais comme dit à Turpa, le pire est passé a priori, ça devrait bien se passer. Donc voilà, la partie duo en fait est morte, et maintenant qu'il reste que la base en fait du gâteau, maintenant on va pouvoir commencer à craquer les coups spéciaux. Par contre, là par contre, je vois que j'ai beaucoup de retard sur vous à mon avis. Ouais, alors, j'ai 0,9 là, 10, 11, tu peux faire peut-être un post-play. Effectivement, je crois que je dois avoir un bon de retard, donc je vais faire un refresh. Je suis tellement calé avec le studio, c'est merveilleux. 19, 20. Non, mais voilà, tu es avec nous. Hein. Mais oui, ouais, j'ai eu un freeze et du coup, ça m'a tout décalé. Hein. Ah, mais ça, c'est normal, la connexion en Russie, c'est pas la même. Hein. Ah, je ne suis pas encore en Russie. Tu es encore en Russie. Oh là là, mais. Ces gens, quoi. Eh ben, sachez que je compte y retourner prochainement. J'ai un instant de peut-être me trouver un job de prof de français sur Saint-Pétersbourg, donc ça risque de se faire très très prochainement. Tu vas suivre la route de Damien 16, elle est à Saint-Pétersbourg, c'est beau. Et oui, à pied. Voilà, double deal. On va réussir à placer Damien 16 dans un commentaire. Spasiba. Donc voilà le combat fait le qui est passé. Et du coup, Booster qui, sans s'en rendre compte, va avaler le boss, qu'il va trouver si bon qu'il va en pleurer. Et cette animation de pleurs est juste magique. Le mariage est enfin terminé, monsieur. Bravo. Moi j'aimerais bien avoir un. Moi j'aimerais bien avoir un. Un gâteau de mariage qui me fasse pleurer, quoi. Parce que putain, il va être super bon. Bah écoute, go mariage pour son, hein. Comme ce qu'on a eu à cet AGDQ. Ah, Dimitri. J'arrive plus. Merde, comment ça s'écrit déjà ce truc? Ah, oh, c'est la fatigue, ça. Comment on fait la petite tête d'Isaac? Bible Femme. Bible Femme. Ah, voilà. Oh là là. C'est bon, il a réussi. Bravo. Pouf. Donc, au mariage, je peux avoir des cadeaux et des gâteaux. Faut pas nous en vouloir, il est 5h du mat. Moi, ça va, on est bien. Je sais pas comment, mais je tiens le coup. Écoute, moi j'ai fait exprès, hier, je me suis couché à pas d'heure. Je me suis réveillé à pas d'heure, comme ça, c'était bon. J'ai même PB aujourd'hui, comme ça je le raconte à tout le monde, voilà. Bah voilà, je suis très content. Moi je sais pas comment j'ai fait, j'avais la run de Mischief Makers jusqu'à 1h du matin, c'était quand c'était avant-hier. Jusqu'à 1h du matin, run de Mischief Makers, ensuite il fallait se lever à 5h pour aller au taf. Donc 8 heures de taf après, il était au taquet toute la journée. Enchaîné avec entretien en russe sur Skype. Ah, sympa. Puis 3 heures de discussion en russe avec la copine pour qu'on fasse des plans voilà, pour cette sorte de Saint-Pétersbourg, justement. Et je me suis. J'ai pas réussi à me coucher tôt après. Ouais. Parce que c'était la journée, tu dis ah, tiens, t'as l'impression qu'il s'est absent de l'heure. C'est 3 jours en un, quoi. Il va décéder pendant la run de Kingdom Hearts, ça va être merveilleux. Mais non. Enfin bref, retournons à nos champignons. Oui, tout à fait. Mais oui, il est tôt de son là. À noter. On a réussi à sauver Zelda. Zelda. Oui. On a sauvé Peach. Installation hollywoodienne, quoi. On a les cafés. On a beaucoup de scènes. Merci. Ah bah, avec plaisir du sucre. On a récupéré le château, j'ai rien compris. Voilà, au studio, nous on a droit à nos cafés. Oh, salaud! Le café à 5h du mat. Avec les tasses, quand même, jeuxvideo.com. Je tiens à préciser les tasses jeuxvideo.com. Alors, celle-là, on les vend. C'est une secret incentive de 2000 euros pour la tasse jeuxvideo.com. Voilà, vous pouvez donner.
pour ne pas récupérer les tasses de vidéo.com. Je pense que si vous donnez 5000 euros d'un coup, il y a moyen de s'arranger pour avoir une tasse de vidéo.com. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc non, faites votre don de 5000 euros hein, pour avoir la fameuse tasse vidéo.com. Je m'assure qu'elle sera signée par Mr. MV et Ken Bogart. C'est quand même pas mal. Bon, en attendant, Bowser veut récupérer sa maison. Donc il en parle un peu. Ils sont en train de prévoir un plan un peu, mais ils n'ont pas trop d'idées. Visiblement, en fait, pour récupérer le château, pour aller donc à la maison de Bowser, qui est le château, il faut réparer la Star Road, je crois. Est-ce qu'on va faire une course de cartes dessus ou c'est pour plus tard ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Mais, de toute façon, après, ça reste assez simple. Hein. Le scénario de SMRPG n'est pas non plus mirobolant. Il est juste très très drôle en fait. C'est vraiment plein de petits trucs, de petites side quests en fait, pas de petites quests. C'est tous les scénarios de Mario RPG, que ce soit les versions Paper Mario ou Game Boy Advance DLC et compagnie. À chaque fois, c'est juste très basique, mais très marrant la façon dont ça vient. Mais rien que par rapport à l'évolution du personnage de Malo et sa musique quand elle apprend la terrible nouvelle, c'est juste magique ce passage-là. Attends. Quand elle apprend, Malo est une fille. Mais Malo c'est un garçon. Oui. Moi tout ce que je dis c'est que Malo s'est présenté comme étant une grenouille, pas un crapaud. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ah mais là, mais les mecs, moi j'essaie de casser le truc, tout ça, mais c'est pas possible. Oh là là. Mais voyons, Belzé, tu sais bien que le crapaud n'est pas le mal de la grenouille. Je renouvelle son terme aphrodite, messieurs dames, je vous le rappelle. C'est important. Alors, simplement, on voit Peach qui décolle de son château, qui nous arrive en parachute, qui en fait nous explique. Non, pas en parachute, hein. En parapluie. En parapluie. Elle arrive en parachute, elle a été parachutée depuis les avions de la Royal Air Force. Et donc, nous venons de récupérer en fait le dernier membre de notre équipe pour la présence de la Princess Toadstool. La Peach, donc, qui va être un peu notre healeuse. On verra un petit peu. Parce que ça va du tout. Tourner voir Papy Crapaud pour utiliser nos pièces. Tout à fait. Qu'au bout d'un moment, on en a récupéré, autant les utiliser. Alors en fait, là, on est obligé de passer par là parce que de toute façon, on doit en fait. Comment dire Le runner me paye. On a battu de l'espèce de monstre gâteau, on a sauvé la princesse, tout va bien. Mais le fait est que le chapitre n'est pas terminé tant qu'on n'a pas trouvé l'étoile. Et donc, grande question, mais où est la prochaine étoile? Et donc, vu que personne n'en a aucune idée, Malo propose d'aller demander à son grand-père, puisque vu que c'est Francusius, comment il s'appelle? C'est l'espèce de Francusius. Voilà, oui, donc... bref, vu qu'il sait tout, il devra sûrement nous donner une petite idée de là où on pourra trouver la prochaine étoile. Et donc oui, ce n'était pas un parapluie, c'était une ombrelle, je m'en excuse, hein, voilà. Une ombrelle, non, mais... les gens pinaillent. Mais c'est comme avec le commentaire de Zelda, j'ai appelé ça, je sais plus quoi, un conteneur de cœur, et on m'a dit, mais non, c'est un réceptacle. Mais oui, les gens pinaillent. Moi, je te dis que c'est un récipient, voilà. Non. Les nazis du Becherel, quoi. Les nazis du petit Robert. Non. Pas Zelda, je suis désolé, on n'attaque pas Zelda. On a passé le segment Zelda, déjà qu'on va en bouffer demain soir, là, enfin, demain matin. Cet homme est triste de bouffer du Zelda, je comprends plus rien. Je vais rien dire. Il y a différentes sortes de Zelda, on va pas lancer le débat, évidemment. Oula, non. Il y a les bons Zelda et il y a les mauvais. Non, mais Dimitri, dis pas ce genre de phrase. Le bon Zelda, il tire, mais il tire, tu vois. Le mauvais Zelda, tu vois, il lance sa bombe, tu vois, il fait ses jumps avec la bombe, tu vois. Alors que le bon Zelda, il fait ses jumps mais avec la bombe, tu vois. Voilà. Et c'est le bon Zelda. Enfin, je crois que les plus jeunes n'auront pas compris la référence, mais bon. Je crois qu'il est malheureux. Si, on est entre amis, il est 5h du mat, tout va bien. Mais d'ailleurs, 5h du mat et presque 3000 viewers, hein, vous avez du courage. Oui.
Shoutouts to les Québécois qui nous regardent peut-être, je ne sais pas. Ouais, il y a des Québécois sur le chat, je pense qu'il y a des Québécois. Il y en a qui se sont présentés étant Québécois. Donc, Et bienvenue à vous alors, tabernacle. Alors là, les Québécois sont tous partis. Attention. Là, c'est du sérieux. On arrive sur quelque chose de très important pour la suite de la run. On vend tout ce qu'on a de précieux. On va commencer par les élixirs, par exemple. Et on va s'acheter un max. Donc voilà, tous les pots de fleurs, tout ce qui vaut du fric, on vend tout ce qu'on a. Et on s'achète un max de bombes. Donc on a les Fright Bombs, qui sont les bombes les moins puissantes, qui ne ciblent qu'un seul personnage, mais qui sont également les moins chères, et qui ont une chance de pétrifier l'ennemi de peur. Vous avez ensuite les bombes de feu et les bombes de glace, donc les Fire Bombs et les Ice Bombs, qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui elles par contre font des dégâts de zone. Et en fait, à partir de maintenant, pendant très 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 longtemps, on va bourrer les grenades. C'est-à-dire qu'en fait, nos personnages de limite ne vont presque plus attaquer. On va en fait se contenter de balancer des bombes contre les boss, contre les mobs. Enfin, on va tout raser avec des bombes. On croirait dans un speedrun de FF7. C'est exactement ça. On arrive au magasin, on vend tout ce qu'on a, on s'achète 50 grenades. Et c'est fini, il n'y a plus de mind game. C'est vrai, il y a un ennemi, bombe. On s'achète des molotovs parce que ça fait plus de dégâts, c'est tout. Non, mais pourquoi on vous appellerait les Canadiens, enfin voyons. Ah non, on est respectueux du Québécois. On est respectueux du Québécois. Vive le Québec indépendant. Non, calice de calice, quoi. Non, franchement. Hostie de calice tabernacle. Petites phases de saut quand même qui sont toujours pas évidentes. Est-ce qu'un jour ils vont le devenir, on sait pas, mais. Petit roulé-boulé en bas de la colline parce que c'est le swag. C'est ça. Ah! Alors. Est-ce qu'on fait. Ah oui, non, il y a encore une phase de shopping. Oui, en fait, il revient parce qu'il n'en a pas assez. Il lui en faut vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé par une zone qu'on est de toute façon obligé de faire. Il a récupéré encore quelques items qui avaient de la valeur, notamment un élixir, donc le Kiro Kiro Cola. Littéralement, le Cola Croix-Croix. Voilà quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Cola Grenouille, quoi. Et qui se vend plutôt cher. Et du coup, il a acheté encore une ou deux mailles. Ouais, tandis que là il y a encore une séquence en étoile et vous voyez que les mouvements sont vraiment très précis pour arriver à avoir toutes les petites étoiles. Là il a réussi à toutes les faire donc il n'y a pas de soucis. Évidemment. Il a monté vachement vite ses niveaux quoi parce qu'il en a gagné deux juste avec ça. C'est parce qu'il est très underlevel quoi. C'est ce que j'expliquais en fait. Là en fait on arrive au moment du jeu où on a le plus de level de retard en fait. Parce que étant donné que les chapitres 3 et 4 se font quasiment sans faire de combat. On n'a pas eu d'étoiles. Oui, voilà. Et ben, on arrive vraiment très 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 limite. C'est pour ça que le boss gâteau est très très dur. Donc là, à partir de maintenant, il va falloir commencer à rectifier tout ça. Donc grâce au bon, notamment. Petite fleur cachée. Et en fait, c'est aussi pour ça, c'est qu'il a dû revenir parce qu'il n'avait pas récupéré assez de fleurs pendant la course. Donc c'est un peu fait avoir quoi, niveau thune, je crois. Ah oui, alors ça c'est un truc qu'il faut juste connaître. Hein. Et là il le fait super vite parce code que voilà, il connaît. C'est juste un code à rentrer. Le code est Pearls. Pearls. Ah oui, ce boss de l'angoisse aussi. Les tentacules. Alors, explication de ce qui se passe. En fait, étant donné qu'on a plus de Energizer, donc l'item qui permet d'augmenter en fait la puissance du perso. C'est pas très grave en fait qu'on ait plus de cet item là parce que en montant de niveau, en fait Geno a appris une compétence qui a le même effet que l'Energizer. C'est même encore mieux parce que vu que c'est pas un item, on peut s'en servir autant qu'on veut, c'est juste que seul Geno peut l'utiliser, puisque c'est une de ses compétences à lui. Et en plus, cette magie, si vous avez le bon timing, elle vous augmente l'attaque et en plus la défense. Et ce qui se passe en fait dans ce jeu, ce qui est un petit peu bizarre d'ailleurs, c'est que normalement on pourrait se dire que oui, mais vu que la Firebomb est un item, les dégâts qu'elle produit ne dépendent pas, voilà, sont vraiment indépendants des caractéristiques de votre personnage. Et oui, ben non, c'est ça. Mais non. C'est-à-dire que si vous utilisez un power boost en fait sur Bowser et qu'ensuite Bowser utilise une bombe, et ben les dégâts de la bombe seront également augmentés de 50%. Sachant que ce boss est un monstre aquatique qui a une faiblesse contre le feu, si vous balancez une fire bomb
donc qui est sa faiblesse, qui en plus va être boostée, bah, vous multipliez vos dégâts par 360, 3. Quoi, voilà, donc c'est complètement craqué. Voilà, c'est fait. Et voilà. De toute façon, à partir du moment où on récupère ces bombes-là, le jeu devient entre guillemets un peu plus simple pour certaines parties du jeu, justement. Pour bon, enfin, il devient gratuit, il faut le dire. Non, non, il devient pas gratuit, mais. C'est pour ça, j'aime bien. Là, il a fait une phase, ils applaudissent, mais c'est vrai que c'est des phases vraiment compliquées niveau jump. Hein. C'est vrai. C'est aussi pour ça que Checkers gère au jeu, c'est parce qu'il gère ses phases vraiment à merveille. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il a pris qu'une seule rencontre aléatoire, entre guillemets. Bah, depuis le début, seulement celle du château, en fait, qu'il a chopé. Ouais, c'est ça. Qui, après, au final, a dû lui faire le perdre le moins de temps. Ouais, mais là, on n'a pas eu les phases les plus compliquées. Hein. On arrive sur des phases, justement, où il va y avoir des jumps compliqués. Celui-là, par exemple, là, qui vient d'éviter, c'est pas évident du tout. Il l'a bien rattrapé. Oui, surtout avec la physique un petit peu particulière, quand on est dans l'eau, vous voyez, on est une sorte de, ça fait immersif, ouais. Hein, rien de bien incroyable, tout est classique. Alors simplement, il vient de récupérer un accessoire assez, assez bien caché finalement, qui s'appelle le safety ring, donc l'anneau de sûreté littéralement. Je crois que tout ça, il était traduit comme ça dans la version française. Ouais, donc, ouais. L'anneau de sûreté en fait, qui a pour effet, et ça c'est en pas mal du tout, d'empêcher en fait, donc déjà c'est un bon item, un bon accessoire, mais en plus, il a pour effet de protéger le personnage qui en a été des attaques qui tuent d'un seul coup. Oui, non, mais c'est exactement le même. Enfin, pour connaître un peu les RPG entre guillemets comme tout le monde, le safety ring, il est à peu près dans tous les jeux de Square justement pour empêcher de mourir. Enfin, c'est entre guillemets le nom classique de l'objet anti-mort. Donc là, vous voyez, on a utilisé un boost avec Geno sur Malo qui a enchaîné avec l'image de foudre qui justement touche tout le monde. Donc voilà, comme ça, ça nous permet, vu que ces ennemis n'ont pas trop de vie, ça permet d'économiser une grenade qui aurait enlevé beaucoup plus, ouais, mais bon, qui est un item qui coûte un peu cher malgré tout. Et donc voilà, on passe sur Malo plutôt, sur un sort. Mais ouais, le safety ring, en fait, le truc, c'est que Mario RPG, on dirait pas comme ça, mais il est assez salaud, et plus on avance dans le jeu, et plus on tombe sur des, plus on a tendance à tomber sur des ennemis et des boss qui ont des techniques qui peuvent vous one-shot. C'est ça. Et donc, le safety ring, finalement, il passe bien. Bah, il est plutôt utile. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est une espèce de requin pirate, on leur fait le même setup, hein, c'est le même combat, pour exactement le même nombre de dégâts. Yep, power up, et... Donc voilà, vous voyez là par exemple, c'est ce qu'on disait, hein, on a beau être dans un RPG, finalement c'est plus une histoire de skill et de setup, de stratégie prévue à l'avance plutôt que de chance. Hein. La chance finalement n'a plus que très très peu sur la run, puisque là par exemple je savais exactement que ces dégâts allaient 220, parce que ouais, quand on arrive là, dans la run, on est forcément à tel niveau avec quel tel niveau, personnage. Là, voilà, tout à fait. C'est relativement fixe. C'est vraiment les RPG les plus intéressants, c'est-à-dire où les fights sont... Enfin, alors, où ça demande plus du skill que de savoir donc là, la chance. Donc là, c'est un combat qui est assez palpitant. Je pense que là, dans la salle aux US, ça va un petit peu s'éclater. En fait, en passant au niveau 6, nous avons récupéré le Super Jump. Le Super Jump qui est une attaque spéciale de Mario, qui en fait a pour effet d'être infini. C'est-à-dire que tant que vous réussissez la QTE, on va dire, tant que vous appuyez au bon moment sur la touche, vous pouvez enchaîner les sauts à l'infini. Et c'est du frame perfect. Hein. Et c'est du frame perfect. J'espère fait, bien, un truc aussi. Ça fait que les premiers sauts à l'infini. Les premiers sauts sont plus faciles à faire, mais plus vous en faites et plus ça devient du frame perfect. Ah, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors déjà, c'est parce que c'est le setup le plus rapide pour ce boss. C'est-à-dire qu'on a calculé que si on envoyait une bombe et qu'ensuite on attaquait avec Bowser, on pouvait se permettre de balancer la super attaque avec Mario. Et si on lui fait 100 sauts d'affilée, on devrait lui faire assez de dégâts pour le tuer. La deuxième raison qui est... Ah oui, non, mais c'est vraiment... Mais c'est là que c'est très très chaud, c'est que c'est là que Checker, c'est un dieu, c'est que ce truc-là, il y en a très peu qui font justement ces tactiques-là. Paille, il fait pas tant que ça, justement, le saut en question. C'est des techniques et en fait, vraiment plus difficiles. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que si on arrive à enchaîner 30 sauts d'affilée, on a un personnage qui, plus tard dans le jeu, qui vous donne un item complètement craqué. Mais si on arrive à enchaîner 100 sauts d'affilée, le même personnage va vous donner un item qui est encore plus craqué. Et donc, ça signifie que même avec des personnages qui sont under level, si on arrive, ouais. c'est c'était vraiment, mais ça c'est vraiment très très chaud. Checkers is God, tout à fait.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée de la puissance de l'item qu'on va pouvoir récupérer grâce à ce qu'il vient de faire, qui est vraiment une sorte d'armure cachée, hein, c'est vraiment l'armure la plus pétée du jeu, vous avez des accessoires, des objets qui sont franchement très sympathiques, qui vont par exemple vous augmenter une ou deux caractéristiques de 5 ou 6 unités. À titre de comparaison, le super suit, bon, le super costume qu'on récupère en réalisant ce défi des 100 sauts d'affilée, augmente toutes vos caractéristiques de 50 points. En fait, c'est comme si votre personnage triplait sa puissance d'un seul coup. Voilà, vous lui avez équipé une armure. C'est pas du frame perfect non plus, que c'est du 3 frames, mais ça reste quand même très très chaud. Ouais. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est quand même du 60 FPS encore ce jeu-là. Donc, d'ailleurs, je sais qu'il y a des runners qui ont abandonné l'idée en fait de runner Mario RPG parce qu'ils n'arrivaient pas à placer les 100 sauts. Et le problème, c'est que maintenant cette stratégie est devenue c'est devenu un classique en fait. Tu ne peux pas runner Mario RPG si tu n'arrives pas à faire ça. Enfin, voici, sinon tu auras un temps dégueulasse quoi. Il y a The Cloud notamment qui s'est mis à runner ce truc là et qui appelle ça push the button. Il dit c'est tout simple, de toute façon, faut juste appuyer sur le bouton, c'est pas compliqué. Alors, son split pour ce boss là, c'est push the button. Enfin, voilà, The Cloud, c'est quand même un personnage aussi. Je veux dire, on va juste appuyer sur A au moment précis. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'il le fait, fallait juste appuyer sur le bouton. C'est génial. Il est génial. Le bouton. Ce qui me fait penser à ce genre de nom un peu rigolo pour les splits. Je regardais une run donc de Kingdom Hearts pour réviser tout à l'heure. C'est demain matin, mais non, c'est déjà tout à l'heure. T'avais le nom de tout le monde qui était normal, et t'avais juste un monde qui s'appelait Fuck This World. Genre le mec il a dû tuer 36 000 runs sur ce monde là et du coup il en pouvait plus. Mon avant-dernier split pour Link to the Past, c'est bullshit. Ça savait tout. Alors là, explication pour ce boss qui peut être un petit peu salaud. En fait, on va utiliser Geno pour booster l'intégralité des 3 personnages. Et avec les personnages, seulement une fois qu'ils sont boostés, on balance des Fright Bombs, donc les Fright Bombs qui sont les bombes qui coûtent le moins cher, qui font également le moins de dégâts, mais qui ne touchent qu'un seul ennemi. Donc on va se garder des grosses bombes pour des groupes d'ennemis. On a demandé à la Toad Stool en fait de se défendre afin qu'elle puisse encaisser l'attaque suivante, parce que mine de rien, ça fait très très mal. Elle se prend le boost de Geno qui augmente son attaque et sa défense, ce qui va être très 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 utile. Mario, lui, il est déjà boosté, donc on continue de bourrer, mais vous voyez, on a des personnages, ils ont littéralement 15 points de vie, d'où le heal général de Peach qui arrive au moment opportun pour éviter de mourir sur le Water Blast qui arrive. C'est ça, surtout que vous voyez que les dégâts sont vraiment fixes, hein. C'est pas du tout aléatoire dans ce jeu là. Pareil, combien va en Geno qui finit par se booster lui-même. Voilà, c'est ça. Et Fright Bomb avec Mario, normal. Là, je pense qu'on va se soigner avec Peach. Ouais, non, mais voilà, obligé. Petit bisou à tout le monde. Et là, on est bon. Là, on a vraiment toute notre équipe de booster aussi bien en attaque qu'en défense. Peach vient de nous mettre tout le monde full life. Là maintenant on peut commencer à vraiment bourrer. Oui, surtout qu'il me semble que Peach on va pas beaucoup l'utiliser par la suite, si ce n'est pas du tout ce que je crois. Oui, c'est vraiment un personnage qu'on c'est voit. C'est surtout ce boss là où le heal est quasiment obligatoire étant donné de la force des attaques AOE du boss. C'est ça, le problème en fait étant que le boss a tendance à toucher toute l'équipe en fait d'un seul coup et on a très très peu de points de vie. Et si on essaye de se heal avec des items, ça va être quasiment impossible de survivre parce que avec un item on peut guérir qu'une seule personne à la fois. Et donc on a besoin de ce heal de groupe de Peach. Mais parce que voilà, un heal ça fait perdre du temps parce que on manque du DPS, donc du coup c'est pas assez rapide. Mais ils sont deux maintenant, ils se multiplient lui. C'est exactement non, on va savoir qu'on va spammer le mec de droite, tout va bien. Je pense que t'es un peu en retard par contre. Par rapport à nous. Ouais. On a une 34, 57. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Alors là, ça s'est même très très bien passé parce qu'en fait, il a réussi à utiliser uniquement des Fright Bombs, donc des bombes de frayeur, on va dire. Alors que moi, dans la run que j'avais revu en fait pour réviser, il était tombé à court de bombes et du coup, il avait dû craquer une Ice Bomb contre ce boss. Donc ça arrive souvent justement qu'ils utilisent des Ice Bombs. En fait, ils en ont pris justement en plus parce que les boss ne sont pas non plus tout le temps comme on veut. Parfois, y a des misses comme on a vu sur des boss précédents. Et ils vont utiliser entre autres comme t'as pu voir. Ah oui, d'ailleurs, ce boss qui s'appelle Yari
Jaridovic. Jaridovic. Alors, est-ce que c'est pas du russe? Alors, justement, je me suis dit, avec un nom pareil, je suis obligé de dire quelque chose. Alors, Jaridovic, franchement, non, hein, ça veut rien dire, quoi. Je sais pas. Alors, en français, c'est juste que sa cape, c'est un rideau, mais en russe. Jaridovic. Non, Jaridovic, ça. La consonance est là, mais. Non mais pas en fait plus. Ça devait être ils voulaient vous donner un nom à consonance russe et ils se sont dit on s'en fout du russe, c'est une langue qui sert à rien, alors voilà, on va faire un truc consonance russe, ça va faire marrer les gens. Dans ce cas, je vais peut-être surprendre un petit peu plus tard dans la run, mais je t'en dis pas plus. En même temps, ils ont pas tort, le russe ça sert pas à grand chose, hein. Voilà, j'ai lancé des fauves. C'est pas possible. Shots fired. Voilà. Alors là, tu es saoulé, alors là, juste simplement, il est en train de se faire un setup pour Royal de farming d'XP comme un porc. Ah oui, donc en fait, on a fait bien XP attention, bonus. On a bien fait attention à bien économiser nos ice bombs. Hein. Comme vous l'aurez remarqué, pour l'instant, on a utilisé uniquement des fright bombs, donc des variantes les moins chères, et des fire bombs, puisqu'on était face à des ennemis. Il a pas réussi à éviter le fight, c'est vraiment pas évident ces trucs-là. Hein. Ouais. C'est encore une fois. Là, on va arriver à mes mini-jeux préférés, il me semble, hein, je crois. On perd pas de thunes dans celui-là quand on fuit? Non, je crois pas. Non. Alors ça, c'est pas évident non plus. Hein. Oh, ça, c'est du gros skill. C'est super dur. Mais voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, étant donné qu'il nous reste encore plein de ice bombs, on va pouvoir aller les craquer sur des groupes d'ennemis dans la zone suivante qui, justement, en coup de chance, sont faibles face à la glace et donc ils vont gentiment y mourir. Oh, c'est étonnant, enfin, les groupes vont se faire one-shotter dans ce désert. Et en fait, étant donné que ce sont vraiment les ennemis de la zone où on est supposé être et que nous on est complètement under-level, et ben on va prendre plein de niveaux. En plus, on a eu l'intelligence d'équiper Mario avec l'accessoire donc, de l'XP Booster. Donc là, autant dire que le setup est là. Les farmer avec ces espèces de tourbillons, voilà. C'est ça, voilà, comme ça, ça les fait rip-up extrêmement vite, donc pas besoin d'aller les chercher. Et donc, boum, on craque une bombe de glace, ça leur fait 280 dans les dents, c'est fini. Mais non, mais c'est pas possible. Il a pas le droit de faire ça. Mais si. Mais moi j'ai. Non. Mais c'est mon vélo. Alors, pareil, pour ceux qui se demanderaient, je précise, parce que c'est vrai que c'est rare finalement, des jeux japonais comme ça. C'est vrai qu'on est donc, on a Mario qui est seulement niveau 9. Dans Mario RPG, si je ne dis pas de bêtises, le niveau maximal est le niveau 30. Voilà, alors qu'on est très loin du niveau 99 ou niveau 100 d'un Final Fantasy. On est très 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 loin du niveau 9 milliards d'un Disgaea. non, peut-être pas 9 milliards, mais je sais que dans Disgaea, on peut avoir des niveaux complètement ch'tardés. C'est juste donc, jusqu'à 1000, Disgaea. Voilà, jusqu'à 1000. T'es sûr? Je pensais que ça pouvait aller encore plus loin. Ah, là, peut-être, il y a un petit souci avec les drops des mobs. C'est bon, il a eu un freebie. En fait, il y a une histoire avec les freebies qui lui permettent justement d'avoir moins de problèmes de thunes, entre guillemets. Et là, c'est bon, il en a eu un. Mais il était un peu angoissé du fait de ne pas en avoir un sur les fights qu'il avait eu. Il en avait besoin d'un seul et avec de la chance, il les a eu. Alors voilà, encore une phase. Là, pour le coup, on va farmer, vous allez voir. Cette séquence-là, on va la refaire plusieurs fois. Ah d'accord, ouais. Donc Disgaea, on me dit dans le chat que c'est 10 000 hein, le niveau max. Ouais. Non, ça va. Moi j'avais souvenir d'avoir vu des personnages niveau 9999. Ah oui, c'est 9999. Mais en même temps, dans Disgaea, tu fais que fusionner tes persos, donc tu les vois jamais niveau 1000 quoi. 999. Donc là, on va récupérer beaucoup de niveaux. Alors, on a donc une histoire de thunes. Là, on va encore récupérer une étoile, justement. C'est pour ça que l'argent est important ici. On va justement essayer de vraiment farmer pour se faire plein de levels. Voilà. Ah, il a raté son. Bon, ça va, c'est pas trop un problème quand même. Ah, mais on peut racheter des étoiles, c'est pété ça? Ouais, mais cet endroit est complètement pété, c'est une 400 phase de farm, vous allez voir. 400 coins, oui, non, mais 400. Mais c'est prévu dans la route, ça. Oui. Et ça, c'est fait exprès, normalement. Alors, question débile. Quand tu utilises l'étoile, tu gagnes aussi l'argent ou pas? Bonne question, tiens. Je ne crois pas, non, sur les mobs, non, je ne crois pas, non. Je crois que c'est vraiment que pour l'XP. Hein.
Ah oui, alors là, c'est il se... Pardon, il se suicide. Il se suicide, hein. C'est un death warp. Ouais. En fait, quand on meurt dans ce jeu, quand on meurt dans ce jeu et qu'on a sauvegardé, de toute façon... Non, en fait, c'est du save and quit, si j'ose dire. C'est comme pas mal de jeux, justement, de la NES ou de la Super NES, si j'ose dire. Quand on meurt, il va nous dire, vous voulez quand même continuer? Vous voyez? Bon, on est d'accord, on y va. D'accord, et du coup, il va garder ses niveaux, mais il va revenir à l'endroit de sa save et récupérer les étoiles. C'est comme ça qu'il va commencer à farmer les niveaux, en fait. C'est ça. D'accord. Donc voilà, on a récupéré l'étoile encore, donc c'est complètement craqué. Voilà. C'est quasiment abusé. C'est un peu abusé, c'est un peu abusé. Ouais, c'est totalement de l'abus, là. Et ça, c'est quelque chose que vraiment vous verrez dans toutes les runs de Mario RPG, bon, sauf le low level évidemment, mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde a très rapidement appris à maîtriser. Le problème, c'est que par contre, vous ne récupérez pas votre argent, si je ne dis pas de bêtises, parce que voilà, vous gardez vos niveaux, mais vous gardez également votre argent actuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, bah, vous êtes obligé quand même de débourser 400 pièces d'or pour pouvoir acheter, donc voilà, cette espèce de vendeur à la sauvette, hein, peut-être qu'il vend autre chose, un peu illégal. Ouais, vous pouvez en fait lui acheter donc, pour 400 pièces, qui est quand c'est très très cher, hein. 400 c'est vraiment beaucoup, lui acheter une étoile et comme ça, ben, ça vous prend prendre des niveaux gratos et de rattraper un peu le retard que vous avez emmagasiné lors de cette run. Là par contre, voilà, il a plus besoin normalement de refaire des étoiles. Ah, il le fait deux fois. Putain, c'est déjà pas mal de fois. Comme on l'a dit quand même en début de run, les pots de fleurs c'est 300 pièces, 300 pièces à la revente, donc ça donne. Ouais, il en a vendu 7. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec un Mario niveau 14. Mario niveau 14, on est bien. Franchement, là, c'est impeccable. Il me semble que c'est bon. Ouais. Et on a pris le petit shortcut. On va en reprendre un autre. Mais on paye tellement d'argent dans cette cave. Ouais. Bah, déjà, tu regardes la cave, elle est en or. Donc, tu te dis, il y a de la dépense d'argent dans l'air. Ouais, oui, et puis il y a une histoire. Enfin, bref. C'est très bien, hein. Franchement, cette cave, il l'a quand même bien gérée. Là, on va avoir justement des petites séries de platforming pour éviter des mobs aussi, il me semble, à suivre. Je suis en train de lire mes notes. Je vois marqué gros boss plante carnivore, combourg tranquille. Il n'empêche que le boss carnivore en question, il n'est pas si fin simple que ça, il me semble. Non, il suffit de le bourrer tranquillement. Il le fait à l'ice bomb. Il peut poser problème. Il va le faire à l'ice bomb, mais il peut poser problème, hein, il me semble. C'est vrai. C'est n'importe quoi tes notes là. Ouais, mais c'est pour ça que en fait je ne partage jamais mes notes parce qu'elles sont très très particulières. Ah, c'est ça le problème de faire des notes avec des ball records parce que t'as l'impression bah oui c'est très simple ce truc là, ça se passe très bien. J'avais demandé de me les envoyer. Ah l'attaque. L'attaque préférée. Ah. Allez, c'est parti. Magnifique. On est parti. Là, il me semble qu'on n'a pas besoin de faire autant de sauts. Bah, j'espère parce que 100 sauts plusieurs fois dans la run, ça va être vachement compliqué. Une trentaine ou autre pour celui-là. Mais... Non, c'est justement, ouais, tout est calculé parce que certes, faire 100 sauts, ça fait beaucoup de dégâts, mais ça prend également beaucoup de temps. Donc, on rappelle quand même qu'on n'est pas là pour le spectacle. On en fait vraiment à chaque fois, on en fait le nombre bien qu'il faut. Hein. Donc sinon, en fait, faut les compter. En même temps qu'on est en train de mash avec la manette, faut compter tous les sauts qu'on fait. Ça peut paraître débile, mais c'est super chaud à faire. J'avoue que j'ai essayé de compter. Non, mais le problème, c'est qu'on peut pas mâcher pour ça. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, mâcher. Faut timer. Donc, ouais, là, il en a fait beaucoup. C'est pour ça, c'est ce que disait Alta Biscuit, qui est un runner de Mario et Luigi Superstar Saga, où il y a des suites d'inputs comme ça à faire. Et ben, faut vraiment tout timer et faut compter le nombre de fois qu'on fait le combo. Parce que pour le coup, Mario et Luigi, c'est une suite de B, A, B, A, B, A, B, A. Donc en fait, il faut compter le nombre de fois qu'on fait la suite, enfin B, A, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pourrais jamais jouer speedrun ce genre de jeu, parce que je serais 1, 2, 3... Ah putain, ça fait chier, vas-y, j'en ai marre. Donc voilà, donc là, il vient de récupérer les deux items complètement cheatés. Donc voilà, on gagne en fait ce personnage nous donne si on a réussi le défi des 30 sauts d'affilée, puis des 100 sauts d'affilée. Donc en l'occurrence, on a tout fait d'un coup, donc c'est parfait. Et donc on a récupéré le super suit, le super costume qui vous rend un personnage divin. Simple. Vous choisissez un de vos personnages, vous lui donnez cette armure. Ah, parce qu'en plus, c'est ça le truc, c'est que c'est un équipement qui en plus s'équipe sur n'importe qui. Normalement, les personnages ont des équipements un peu fixes. Hein. C'est classique, vous n'allez pas mettre une robe sur Mario par exemple. Mais le super costume s'adapte à n'importe quel de vos personnages. Donc voilà, vous choisissez votre personnage préféré et vous en faites un dieu. Ouais, c'est ça. Ah. Et évidemment, qui va-t-on choisir?
Est-ce que je peux parier? Moi, je parie Bowser. Moi, je dis Bowser. Alors, que j'ai des super suit Krigasm sur le chat. Mamie nous a rejoint visiblement sur le chat. Re-mamie sur le chat. Uniquement. Non, mais c'est n'importe quoi, cette... Salut, mamie. Mamie, l'amie. Mais j'ai cru que les copains allaient nous attaquer, je me suis dit mince, on a quand même Bowser avec nous, il pourrait les arrêter. Mais non, tout va bien, c'est les amis de Bowser justement, enfin bref. Ah, non mais j'ai eu peur, excuse-moi. Ah oh là là. Tu connais pas bien la run hein. Mais non mais il a pas regardé en fait. Non mais je connais pas très bien la run, effectivement. On t'excuse, c'est quand même des runs qui sont assez longues. Ouais. Bah, c'est surtout qu'en fait, dans la panique, j'ai dû la préparer un peu dans la panique parce que Necro nous a fait non, des petits soucis. Encore une fois, que Necro va bien. Oui, il va bien, ne vous en faites pas. Voilà. Ah, là, le mini-jeu. Je suis en train de penser, les gars, je veux dire, autant voilà, Belzé avait à peu près prévu de peut-être venir en assise parce que voilà, avec l'absence de Necro, il fallait un remplaçant. Moi, j'étais chaud parce que je me suis dit, à tout le coup, je me retrouvais tout seul, donc j'ai intérêt à être préparé. Mais vous connaissez plutôt bien la run finalement. Moi, je suis beaucoup les speedruns, mais j'aurais bien aimé. J'avais pas prévu de faire ça, mais ça me fait plaisir de le faire. J'espère que ça se passe pas trop mal. Ouais, moi non plus, on est heureux. Je suis beaucoup les speedruns, j'aime beaucoup. Oh, mais oh, non, mais oh, checker, non, le checker! Oh la sacoche! Oh la sacoche! Oh le sirocco, non, mais c'est pas possible ça! Perso pour sirocco, non mais respectez sirocco. Mais non, mais c'est sirocco qui m'a rentré la sacoche, c'est pour ça que ça me fait rire. Oh là là, le fait là, c'était triste. Ouais. Ah, ça fait sourire. Et ouais, n'empêche que là ça a l'air de rien, mais c'est pas du tout évident ce petit jeu à la con, justement parce que c'est la 3D ISO, c'est pas évident encore une fois de faire des sauts comme ça. Faut s'y habituer, c'est du practice évidemment. Faire de la plateforme sur de la 3D ISO, ça paraît être très mauvaise idée. Alors je vous confirme, si dans Stalker vous comprendrez la douleur. Ouais. Non, c'est vraiment pas évident. Après j'ai dit que c'était mon. Donc là en fait il a récupéré, en fait c'est ce mini jeu, si on arrive à le faire relativement vite, donc en fait en moins de 12 secondes, vous récupérez en fait un pin strop pas, qui est plutôt craqué en fait, parce que alors lui plutôt que d'augmenter vos caractéristiques d'un nombre de points fixes, en fait il vous faut un multiplicateur sur gros, vous avez votre attaque multipliée par 1,5 ou par 50%, et attaque magique pareil de 50% de plus, et un petit bonus de vitesse pas négligeable non plus. C'est il est également équipé, j'ai remarqué, l'écharpe d'attaque sur Mario. Donc oui, l'écharpe d'attaque voilà, qui n'est pas en rose, voilà, vous avez le super costume qui est complètement cheaté. Ouais, j'ai pas vu s'il avait laissé la booster sur Geno ou pas, je crois pas. Je crois qu'il me semble qu'il l'avait enlevé, justement pour mettre autre chose. Il a mis la super suit sur Geno, ça c'est sûr. Bah, vu qu'il a fait plus de 300 de dégâts et que quand les autres ont fait moins de 200, je pense que c'est clair. Pété aussi avec Bowser, alors, je vois pas ce qui te fait dire ça. Ah, je sais pas, une idée comme ça. C'est un peu trollé hein, sur les. Depuis le Mario, les boss sont pas sympas avec lui. Mais là, ouais, il a des personnages complètement cheatés parce que vous avez en fait les deux items que vous gagnez en remplissant les défis. Les deux items que vous remplissez en gagnant les défis, donc le foulard d'attaque et le super costume. Le truc en fait, c'est que ces deux items sont pas de la même catégorie. Le super costume est considéré comme étant une armure, alors que le foulard d'attaque est considéré comme étant un accessoire. Ce qui veut dire que si vous voulez, bon, en l'occurrence pour un speedrun, c'est pas très rentable, mais si vous avez vraiment de vous éclater, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre les deux sur le même perso. Donc avec le foulard d'attaque, vous gagnez plus 30 à toutes vos caractéristiques, et avec le super costume, vous gagnez plus 50 à toutes vos caractéristiques. Ça fait un perso craqué qui finit tout seul. C'est complètement godlike. Comme c'est craqué. À la fin, vous êtes contre le dernier boss, le mec il vous enlève 0 quoi. Mais c'est ça qui est très craqué aussi, c'est que pendant le speedrun, en fait, Mario ce sera un peu une superstar aussi, tout ça, parce qu'il va jamais prendre de dégâts, tout ça. Enfin, il sera toujours à 0 de dégâts. Par rapport aux autres, c'est un peu ridicule. Enfin, pas non plus tout le temps, mais. Oh la vache! Comme on va récupérer là, tout le temps l'ascension. Des items, et pas évident, hein. Par contre, les magnifiques nuages derrière, hein, je tiens à les signaler. Je sais pas si c'est vrai qu'il n'a pas chopé la Frog Coin, peut-être pas. Ouais. Les magnifiques nuages derrière, c'est assez magique. T'es des nuages, il y a le 4. Et voilà, par contre, les pièces, elles sont. La bouche est très mignon.
C'est pas évident, hein, ces petits sauts sur le côté des tubes là, je vous dis encore 3D ISO un peu craqué. Et moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que juste avant, on a eu droit à un speedrun de Majora's Mask, encore avant de 2014. Et il y avait la même chose, t'avais toute une phase d'ascension à travers le nuage pour arriver sur une sorte de cité, enfin de donjon céleste. Donc du coup, dans Minish Cap, on a ça. Dans tous les princesses, pareil, on a un donjon dans les cieux avec des habitants, voilà, des cieux, et c'est comme par hasard pas quelque chose qui est plutôt à la fin. Dans Skyward Sword, j'en parle même pas. Et là, vous voyez, dans Mario RPG, on avait tout ça depuis très longtemps. Alors, on arrive à, pour moi, la meilleure partie du jeu, vraiment. De très très loin. Alors, nous avons une méchante qui a pour chapeau un oiseau. Je veux vous dire que là, je vous ai libéré d'un lourd fardeau, hein, parce qu'il y a des gens qui ont mis des années à savoir ce qu'il y avait sur la tête de cette fille. Hein. C'était vraiment une tête. Eh bien, c'est un oiseau, voilà. C'est un oiseau qui est accompagné de son sidekick, le dodo. Alors, pour faire un petit point sur l'histoire, en fait, donc ouais, la reine Valentina, en fait, nous arrivons dans les pays des... Moi, je les appelle les Célestes, les Célestins, dont vient notre ami Malo, parce que comme vous le remarquez, Malo, en fait, a quand même une tête de nuage, hein, c'est pas vraiment une grenouille. C'est pas vrai. C'est pas une grenouille. C'est pas vrai. Et du coup, ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé, c'est que le roi et la reine de ce monde ont été faits prisonniers, voilà, par eux. En fait, Valentina était une de leurs servantes, puis elle s'est débarrassée du roi et de la reine qu'elle a enfermé quelque part. Le prince qui venait de naître, pof, on l'a balancé par-dessus bord, on va dire. Et twist, hein. T'as pas vu le twist ici? Et c'est justement à ce moment-là que je voulais... Attends, vas-y, on va le laisser parler, vas-y. Voilà, et en fait Valentina, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait passer Dodo, donc voilà, qui est son fidèle serviteur, on va dire, elle a fait passer Dodo pour le prince qui avait disparu. Genre, non, regardez, c'est bon, j'ai retrouvé le prince, en fait, c'est lui. Et au passage, je vais me marier avec lui. Ce qui fait de moi la reine. Voilà, parce que vu que le roi et la reine sont mortes, qui reste que le prince, et le prince, c'est mon mari. Voilà, je suis la reine. Donc en fait, voilà, c'est un gros couple d'usurpateurs. Malo vient de retrouver sa maman. Reste une princesse, c'est jamais devenu une reine quand ses parents sont morts. Officiellement, du coup, Malo, c'est le roi. Ah non, parce que les parents sont encore vivants, justement, c'est juste qu'ils sont enfermés quelque part. Et donc voilà, le but va être de libérer le roi et la reine qui sont enfermés quelque part afin de révéler l'usurpation. Donc là, nous avons un petit coup de main qui nous est donné. En fait, on se retrouve peint couleur or afin de passer inaperçu dans le château, voilà, parmi les différentes statues. Comment ils peuvent faire ça, quoi? Elle est tellement conne, je sais, mais c'est génial. Ah bah oui, tout va bien, hein. ça m'a l'air bien. Ça ressemble pas à Valentina, eh ou c'est parce que bon. Oh là là, c'est génial. Tu sais, c'est ce qui est marrant, c'est que tu vois le garde, il a une sorte de. Il a une petite brique d'hésitation, mais bon, ok. ça passe. Attends, mais ce jeu est magique. Attends, mais Valentina va dire que c'est ça, mais. C'est sa statue aussi, c'est pas possible. Elle se demande, elle se pose la question. Hein. Comment ça se fait que c'est aussi moche? Ouais, alors, il a une moustache, c'est un gros. Garo explique que c'est une version un peu nouvelle. Un peu moustache. Mais j'aime bien parce qu'elle dit cette moustache transpire la tristesse, n'importe quoi. Oui, non, mais c'est absolument génial. Spectaculaire. Dodo, viens. Dodo. Oh, mais il est tellement génial, Dodo, quoi. Moi, je l'adore. Hein. Enfin, franchement, mais attends, il est super gros, il est super mignon. On va se faire marcher dessus, là. Il a un magnifique petit casque, c'est trop mignon. Ça, c'est génial. Le test des statues de la part de Dodo. Ah bah oui, elle marche bien. Très bien. Vous allez voir, c'est génial. C'est Dodo qui, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ne parle pas de tout le jeu, en fait.
Ah non, il fait juste des coups de nez. À la limite, c'est plus un il fait juste que... des coups de nez. Et on va avoir les... le mini-jeu de l'amour. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, si vous aimez Dodo, eh ben, il y a des peluches Dodo à gagner. Des peluches... À partir de 20 dollars. Ça donne envie ou pas, bordel? Ça donne envie, franchement. Une peluche Dodo. Il a pas sauvé, quand même. C'est un peu ballsy. En vrai, il le connaît par cœur, hein, ce mini-jeu. Qui est pas très arrangé non plus. Normalement, c'est encore ce genre de mini-jeu où, a priori, il faut bien. Ouais, non, c'est sympa. Il n'y a pas de RNG pour la. Je crois que c'est un pattern fixe. Oui, c'est ça, c'est un pattern. D'ailleurs, vu que c'est un pattern, voilà, je pense que font les runners, généralement, c'est qu'ils s'amusent un petit peu avec le comportement de. Comme là, quoi. Genre là, le mec, il voit rien, quoi. Ouais, bon, l'idée, c'est de. Dodo est un oiseau, il n'a pas forcément une intelligence très développée. Oh, il est génial. Il y a un souci, là. Et donc voilà, petit mini-jeu où il ne faut pas se faire opérer. Et si vous arrivez à passer le mini-jeu, vous récupérez une plume de dodo qui compte comme un accessoire qui augmente votre vitesse. C'est ça. Bah, c'était pour la petite anecdote. Ouais, non, mais c'est ça, c'est comme n'importe quel mini-jeu en fait de ce jeu. On va essayer de récupérer des trucs en faisant les mini-jeux correctement, quoi. Mais ouais, ce qui est bien, c'est que les mini-jeux valent le coup. Enfin, c'est vraiment limite, c'est même en faisant les mini-jeux et en remplissant les défis qu'on gagne les meilleurs équipements finalement. C'est bon, il a réussi son mini-jeu, clapa clapa. Alors, c'est vraiment le mini-jeu le plus simple de la Terre. Hein, mais ouais. C'est... Non, non, attends, il est hyper dur, il est hyper dur. Voilà la fameuse plume. J'en ai marre d'être garde. J'adore les gardes qui s'énervent. Putain, c'est vraiment de la merde. Vas-y, on va lui casser ses statues. Il commence à me faire chier. Et voilà. C'est génial l'histoire, quoi. Mais attends, une statue qui bouge ? Mais ça. Mais bouge alors, pas. Explique ça. Mais non, mais c'est génial parce que c'est les gardes qui, en gros, en avaient marre. Qui ont commencé à se dire bah, vas-y, on va casser le mobilier. Ouais. Ah oui, et là on va avoir des passages qui sont très très chauds, dont un gros skip de fight qui est pas évident. Ça, ce mob là aussi était pas évident à skipper. Et là à suivre, là va y avoir un skip de fight, ça va être chou à faire. Vous allez voir qu'il va essayer de se réaligner un petit peu. Enfin, c'est pas tout de suite, hein, ça revient dans quelques salles, mais on notera quand même qu'il y a une tête. Voilà, là, voilà. Ah, il a raté. Bon, c'est vraiment pas évident. Une c'est une statue de dodo qui il était presque, hein. Pas ouais. Vraiment une statue ça de dodo. Ça perd pas énormément de temps non plus de façon. C'était un garde, hein, voilà, qui fait comme Mario. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que toute la peinture s'est enlevée d'un coup une fois qu'il est sorti de l'écran et qu'il est revenu. C'est ça. Elle s'est même pas écaillée, elle a juste pété d'un coup. Ah oui, non, mais c'est Mario, hein. C'est ça tient héros. Pas très bien cette peinture. Et puis c'est la SNES aussi. Hein, c'est... Mais ça aurait été marrant, tu sais, qu'on puisse se refaire passer pour une statue. Alors, on se trouve contre Shelly, qui donc à l'intérieur, on va trouver un Birdo. Et donc, Birdo, comme vous voulez. Ça, pour ceux qui ne sauraient pas encore, en fait, il y a toute une histoire avec ce personnage, c'est que c'est un homme, enfin, c'est un mâle. Et bon, voilà, on dit quoi, mais étant, il est rose, il pond des œufs, oui, mais c'est un mâle. Mais oui, le fameux Birdo. Et oui. Qui est. Auquel on a pu jouer dans. Il pouvait même pas être dans l'univers de Mario. Et on le revoit dans un certain nombre de jeux de la franchise Mario. Ouais, notamment, je crois que Birdo est réapparu dans Mario Kart, passant de la version GameCube. Mario, comme Mario Tennis Kart, aussi, Mario semble, Kart sur, tennis, ouais. Aussi. Double Dash et Wii aussi. Parce que vous avez super, jamais Mario fait Tennis, Mario Tennis et Mario Golf, faites-les, ils sont cool. Et j'ai un doute sur pour je Mario peux te dire que Birdo est super bon sur le Mario Tennis. Moi je me souviens que je le prenais souvent parce qu'il était bien craqué. Enfin bref, tout ça pour dire. Bah, c'est surtout la trajectoire de sa super qui est en courbe assez étonnante. Oui, c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. La trajectoire violette à la con. Là. Tout oui. À fait. complètement craqué. Tout à fait. Il me semble qu'on va encore avoir un skip. De fight par la suite, vous voyez qu'on en a un peu rien à foutre. Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'est très très chaud. Ça, il l'a raté, mais de très très peu. En fait, vous voyez l'espèce de fourchette là. En gros, c'est vous avez vraiment quelques frames pour passer normalement, et c'est pas évident du tout. Mais là, Checkers, il me déçoit un tout petit peu. Je sais que c'est pas gentil de dire ça, c'est un marathon, le mec il fait tout ce qu'il peut, en plus il y a le stress du live et tout, ouais. Mais concrètement, c'est pas une très très bonne run. Non. Elle est bourrée de petites fautes de rien du tout, par-ci par-là. Bon, déjà ça a commencé avec tout le monde dès le début. Mais surtout qu'en fait, Checker c'est connu pour lui ne pas faire trop d'erreurs, quoi.
C'est ça le truc, c'est ça qui le rend, qui le rend être bon, quoi. La pression aussi, c'est enfants. Qu'il fait jamais d'erreur, quoi. Après, Checkers, c'est la première fois que je le vois faire du Mario RPG, surtout en marathon. Généralement, c'est plutôt, il nous envoie plutôt ça. C'est parce que c'est cette année qu'il est devenu un dieu à ce truc-là. Comme je disais à tout le monde, il a pris le jeu très rapidement et il l'a détruit en vraiment très peu de temps, en fait. Et puis après, il l'a quitté, entre guillemets. Mais il a juste détruit le record du monde, puis après, il est reparti dans ses pénates, quoi. Le mec est juste venu faire un passage. Bon, je pique le record à tout le monde, je me barre, salut. Non, mais vraiment. Putain, mais moi, ça fait deux ans que je suis sur le jeu. Non, mais il a bossé dessus comme un taré et il a pas. Faut pas croire, hein. Les mecs qui arrivent comme ça et qui font coucou, je bats le world record au bout d'une semaine alors que vous, ça fait deux ans que vous êtes dessus. Il a mis max 3 mois pour battre son record, le record du monde, quelque chose comme ça. Ce qui est invraisemblable pour ce jeu qui a été dosé par un millier de personnes, comme t'as dit. Non, mais c'est ça, c'est les gens qui arrivent à battre des world records aussi rapidement, c'est que ils ont vraiment grind le jeu à fond en offline. Faut pas croire, un sacré talent, comme disait tout à l'heure Ashart. C'est un mec qui a aussi le world record sur Mega Man 4, c'est ça? Ouais, voilà, c'est... Non, c'est vraiment des... Il a fait du Mega Man 3 pendant un an d'après la charte. Ouais, c'est ça. C'est des gens de talent et... Pendant Dunt, ça. Après, voilà, il y a des jeux qui sont quand même plus speedrun friendly que d'autres, on va dire. Bon, en fait, vous avez des jeux qui sont pas spécialement durs à runner, mais qui sont chiants, parce qu'ils vont être très longs. Xenogear, par exemple, avec beaucoup de texte, c'est pour ça que personne n'y run d'ailleurs. Avec un killer à la fin à 80%, c'est ça, 80% de chance sur le dernier boss, enfin, pas le dernier boss, mais genre à 11 heures de jeu, je crois, c'est quelque chose comme ça. À l'inverse, par exemple, si vous voulez vous attaquer au speedrun, je sais pas, d'un Mega Man, par exemple, voilà, speedrun à Mega Man, les mecs, accrochez-vous, hein, parce que la run elle est pas longue, mais vous allez avoir des dots japonais. De toute façon, on va pas reparler de Mega Man, on a déjà eu la dose. Très très bon Mega Man d'ailleurs, magnifique run de Mega Man X que vous pouvez revoir en VOD d'ailleurs. Voilà la VOD, comme dit Moobot. Alors, dans ce combat, comme vous pouvez le constater, hein, c'était pas très difficile à commenter cette run. Vous êtes emporté. Ah, tiens, la strat n'est pas la même là pour le coup. En fait, quand vous commencez le combat contre Valentina, elle vient se faire aider par Dodo qui emporte un autre personnage, donc celui du milieu. Donc, du coup, on place Bowser parce que c'est le plus solide. Et on doit gérer le combat contre Dodo séparément, pendant quelques tours, avant de revenir à celui de Valentina, donc seulement avec deux persos. 410 sur une auto-attaque, quoi. Ah, super suite, quoi. Sachant qu'on peut mourir sur Bowser, hein. Dodo. Hein. Oui. J'ai vu des runs qui se faisaient justement, qui terminaient sur Dodo parce que pas de bon RNG, du miss et puis Bowser qui meurt tout seul. Franchement, je pense que c'est pour ça qu'il a craqué une Firebomb, parce que moi normalement dans contre Dodo, généralement on simplement se contente d'attaquer avec Bowser parce qu'il a assez de DPS. Ouais, mais comme si on a un miss comme lui vient de passer. Voilà. Ouais, là je pense qu'il a voulu limiter les dégâts, on va dire, et le finir le plus vite possible, donc il a craqué une bombe. C'est ça. Non mais pourquoi la danse de Zorba? Je comprends plus rien moi sur le chat. Hein. Mais c'est Biff qui est en train de balancer tous les. c'est Biff qui balance plein de liens à la ouais, compte tout à l'heure, c'est pour ça que ça finit la danse blame de Zorba. Blame Biff si jamais il y a un truc que vous comprenez pas. Bah, si le chat devient dégueulasse, blame Biff, ça marche toujours de toute façon. Ouais, c'est ça. Non, ah, le miss de quand Mario. J'ai fait mes recherches, histoire de réviser un petit peu pour l'histoire du jeu et tout. Quand j'ai tapé Mario RPG Valentina sur Google, ça m'a automatiquement proposé de rajouter Rule 34 derrière. Ah bon tu... Pourquoi? Étonnamment, il y a des trucs qui sont bizarres au niveau des sprites. Hein. Une paire de bot regardez qui bouge pas mal sur sa tête, quoi. No exception. je suis perdu. Nordé, je suis dans le même état que toi. Hein. Visiblement, le fight c'est quand même assez bien passé pour Valentina. Ouais. Très propre. Il y a Bowser qui est mort, mais bon. C'est pas si évident que ça. Normalement. Et le plus drôle, c'est que là on a l'impression que le chapitre est terminé, mais pas du tout. Ah ouais, non, celui-là il est interminable. Hein. Celui-là il est vraiment interminable et surtout voilà, on va avoir le petit twist.
De l'étoile. Ouais, comparé au chapitre 3 qui se termine en 10 minutes, montre en main avec son mini-boss. Mario que tout le monde a regardé le club Dorothée quand il était jeune. Mario a sorti ici le parapluie. Un petit twist. Oui, c'est un parapluie, Kappa. Un parapluie? Kappa, non. Kappa. Une ombrelle. Voilà, quelqu'un qui réagit, mince. Donc voilà, le roi Nimbus et la reine Nimbus. Oui, ils ont le même nom. Ils retournent au trône, mais bien sûr, Malo leur explique qu'il doit rester avec Mario pour l'instant, il n'a pas fini d'aller jusqu'au bout de sa quête afin d'aider ses amis à combattre la nouvelle menace qui plane sur le royaume champignon et pas que. Alors, je tiens à dire que le mec derrière ne dort pas, il est juste japonais, hein. Donc il a les yeux très bridés. Non, mais c'est vrai. Non, mais arrêtez, si des gens veulent s'endormir, qu'ils s'endorment, ça fait l'animation sur la cam. On se souviendra de l'EGDQ 2014 où il y avait quelqu'un sur le couch qui était en moitié, qui était essayé tant bien que mal d'éviter de dormir et qui n'a pas réussi. Si vous voulez un bisou de Hachar, il faut dire qui a des lunettes derrière Checker. C'est I hate your pie. Et ben voilà. I hate your pie. I-A-T-E-Y-O-U-R-P-I-E. Ouais, tous les gens qui sont sur ce couch. Et non pas Yat your pie. I eat your pie. Ça veut dire que je vais manger votre. Yat your pie. Ça veut dire que je vais manger votre tarte. J'ai déjà entendu, mais tu connais pas, c'est le runner la PewDiePie. Donc tu sais, au bout d'un moment, j'ai plus peur de rien. Enfin, de toute façon, je sais même pas pourquoi on se pose la question, parce que les streamers sont tous des psychopathes, hein. C'est la télé qui nous a expliqué que Twitch, façon, c'est une bande de dégénérés qui regardent des gens qui jouent à des jeux vidéo. On relance pas cette histoire, c'est bon. Et visiblement, elle a fait ses excuses, la fille. Oui, surtout que deux semaines plus tard, il s'appelle Decon, venait sur le Desertbus, donc bon. Sur le quoi? Dans le Desertbus. Ah oui. Je trouve ça un peu faux cul de sa part, mais bon. On va pas, hein. On va pas parler de ça, ça va énerver des gens. Il a failli se planter là sur les. C'est pas l'heure. Donc voilà, un petit coup d'étoile, hein. Alors là, on est dans le volcan. Et en fait, vu qu'on arrive à un niveau assez sympathique quand même de la run, on commence à avoir des personnages un peu pétés, qui ont toutes leurs super attaques. Oh, donc bon, il me l'a fait à chaque fois, mais ça arrive. Voilà, c'est pas évident du tout aussi, les skips de meubles. Mais là, c'est normal, on va se le prendre celui-là. C'est normal. Alors, ce qu'on va, on est obligé de se le prendre. Ce qu'on fait, c'est l'espèce du gros sac à PV immonde qui est à côté. En fait, on va lui balancer un Sonic Boom qui, s'il est réussi avec le bon timing, en fait, aurait été d'infliger 9999 points de dégâts. Voilà. Je crois qu'il a pris un peu mal. Sonic Boom! Non, franchement, cette attaque, elle est juste trop stylée. Elle est craquée. Alors juste le truc en fait avec le Sonic Boom, bon vrai qu'il s'appelle pas comme ça mais moi je l'appelle Sonic Boom, c'est qu'en fait si vous le ratez, si vous n'appuyez pas avec le bon timing, ça sert pas à grand chose. Ouais, sinon ça fait forcément 10 minutes, ça ne marche pas sur les boss. Sinon c'est trop facile, on pourrait one-shotter absolument tout et n'importe quoi. Ça serait n'importe quoi. Mais il y a une petite astuce. Ça marche pas sur les boss, mais, wait and see. Ne spoil pas. Ah mais pas. Ça tease. Ne spoil pas. En parlant de teasing, il y a quelques minutes, je vous avais fait un peu de teasing parce que vous étiez là, ouais, mais de toute façon, t'arriveras pas à parler de la Russie, ça passera pas, les mecs ils s'en foutent de la Russie dans Mario RPG. Et ben, regardez bien, regardez attentivement le nom de ce boss. Après, bon, ça va un petit peu vite, alors je sais pas si vous aurez le temps, mais il s'appelle le Tsar Dragon. Qui est une évidente référence, mais bon, écrit un peu à l'anglaise. Il me semble que dragon, à l'Espagne, ça, c'est pas dragon, ça. En russe. Mais non, le tsar. De quoi?
Mais je vois pas ce qu'il y a avec le tsar, moi je cherche c'est le dragon de tsar. En fait ce dragon, ce qui est marrant, c'est qu'en fait ce dragon, en japonais, ça s'appelle le Kaiser Dragon. Ah, c'est parti, push the button les gars, push the button. Voilà. Connu. Le Kaiser Dragon qui était supposé être un boss caché dans FF6 mais qui a été retiré, enfin bref, qu'on a revu plus tard dans la version GBA et tout, et qui là en fait dans la version locale a été renommé Tsar Dragon, donc littéralement Tsar, donc voilà les empereurs, les rois russes. Et en fait Tsar qui est une dérivation du mot César tout bêtement. Mais galère. Quelqu'un peut le mute Tsar. Non mais sans déconner, mais Dimitri, t'arriveras toujours à placer la Russie? Toujours. T'as prévu pour Kingdom Hearts ou pas? Parce que je l'ai sinon. Ah, parce que si tu passes la Russie, moi je place ton Raider Anniversary. Hein. Bon, il a réussi ses jumps. Hein. Encore une fois. Et là on passe à la phase, la phase de squelette du dragon. Parce qu'il y a toujours un dragon squelette dans un jeu. Mais oui. Dans un jeu Square Enix. Et malheureusement, on ne peut pas lui donner une queue de phénix pour qu'il meure. Ça ne marche pas dans celui-là. Les pick me up ne marchent pas sur les ennemis. C'est dégueulasse. Alors qu'on voit que Geno et Malo sont un peu faiblards. Ouais, ça se passe pas très très bien, mais heureusement. Non, mais c'est normal. C'est normal. Mario, de toute façon, est pété. Il ne prend aucun dégât presque. C'est pas pour rien que ça s'appelle des Super 500, Mario. Il met des coups RPG à 500. Il a encore. C'est pas pour rien qu'il a le super suit. Le super suit. Il lui manque juste une cape pour être encore plus super. Les, voilà. Les gens ont pas encore compris que t'aimais la Russie, Dimitri. Hein. Ils sont encore choqués que tu fasses des trucs pour la Russie. Alors une chose à savoir, c'est aussi, ils s'en foutent que ces persos soient pas morts. Hein. Ils vont quand même récupérer leur expérience, donc y a pas de souci par rapport à ça. C'est pété ça quoi. Ouais, c'est complètement pété. Quand tu meurs, t'as pas d'XP quoi. Bah ouais, mais non. Mais moi je préfère ça, tu vois. Ah oui, moi aussi complètement, mais largement. C'est comme j'aime bien les RPG où quand tu finis un combat, tu as un point de vie. C'est toujours le kiff. Alors, la star. Regardez, enfin, la fin du chapitre, on a enfin trouvé l'étoile. On va récupérer la star. Mais ça fait pas une heure qu'on est sur ce chapitre? À peu près, ouais. Attention. Mais... Mais l'étoile! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Go Power Rangers! Ah ouais, les Axem Rangers. Oh là là. N'importe alors quoi ça, c'est vraiment. Là c'est vraiment les développeurs, ils se sont dit, bah alors les mecs, mais il nous faut un twist quoi. Il nous faut M. Night Shyamalan quoi. Et n'empêche que ça, c'est une idée. Ça c'est une idée de Square Enix, enfin de Square plutôt, de Squaresoft à l'époque. Mais n'empêche que pour le premier Paper Mario. Après, ils nous ont. Attends, c'était le premier ou le deuxième? Oui, c'était dans le premier. Ils nous ont sorti l'espèce de tortue ninja. Ils ont sorti les 4 Koopa ninja. Ah oui, avec ça! Ah ouais, c'était génial ça! Comme quoi, hein, c'est en train de devenir un gimmick! Ouais. Non, mais c'était génial! Franchement, c'est très drôle! C'est très drôle qu'ils aient fait ça! Moi je trouve pas ça normal parce qu'ils ont pas respecté les couleurs normales des Power Rangers. Hein. Oh, parce que bon. S'il y a le noir, il y a plus le rouge parce qu'il est mort. Eh oui! Ah ouais, mais non, ça va, on n'allait pas mettre le rose non plus. Bah attends, il faut bien le rose quand même, le rose. Ah mais il y a le rose en fait, non merde, qu'est-ce que mais je raconte. Alors bleu, lequel est pas, le bleu. Le bleu, le bleu. Ah ouais, tellement plus classe le noir. Ah oui, non mais attends, moi, vraie référence. Ouais, non, mais non. Alors soit c'est saison 2 et donc le rouge est mort et du coup le bleu prend le rouge et il y a un nouveau noir qui arrive. Toi, c'est la saison 1 et là il manque le roi et il manque le bleu. Mais alors, soit on s'en fout, c'est Mario. Si on respectait vraiment le Ranger tout Police ça, qui s'en rappelle. Ah, mais si on respectait vraiment tout ça, on aurait le jaune devant, marron derrière. Là, on l'a pas. Merci. Encore une fois, la moitié des personnes de ce chat ne sont trop jeunes pour comprendre cette référence. Mais non. Alors là, juste expliquer très rapidement comment le combat va se passer. En fait, étant donné qu'on rock a affaire à 5 ennemis, on va balancer un Rock Candy qui fait beaucoup de dégâts. C'est le spot magie météore, hein, si vous voulez, qui va faire 300 sur tout le monde. Et ensuite, on va continuer à bourrer avec des attaques qui touchent tout le monde, donc les bombes. Et vous avez également. Il n'a pas touché le rouge. Regardez les dialogues qui sont absolument extraordinaires. Et rouge, mon maquillage est pété. Sinon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai cassé les lunettes de soleil. C'est génial. J'ai un mal de tête. J'ai mal à la tête. T'as pas fait assez de muscu, je sais pas quoi. Bref, vraiment les Power Rangers. Et là, normalement, on devrait finir avec l'espèce d'onde de choc géante. Voilà, donc c'est le jeune qui attend d'attaquer, c'est normal. Et
on va finir avec la super magie de Geno qui va 3 étoiles ce qui reste. Armageddon super rayon laser de la mort. Sinon, je vois que le chat est ambiancé. Si vous voulez, si tout à l'heure il y a un petit mot, je vous place une autre anecdote sur la Russie, il n'y a pas de problème. On attend que ça, on attend je que ça. Je suis spécialisé à l'attente. Non, n'est pas assez long. Juste simplement, on voit derrière la tête du Megazord qui est en train de sortir. Il faut savoir que ce Megazord. Ah, deuxième phase. Il a moyen de vous éclater la gueule, mais d'une force, il a une sorte comment de super rayon qui fait tellement mal. Comment tu parles? Breaker Beam. Breaker Beam. Les enfants sont couchés. Mais non, il se réveille à 6h. Ah oui. Et bim. Allez, salut hein. Et boum, 140. Ah, oh, tout va bien, on a Mario, le personnage craqué. Qui ne fait que 166 de dégâts. De hein. toute façon, il recharge, ouais, donc à chaque fois, on a un certain nombre de tours pour le tuer. Et de toute façon, Mario survivra à la deuxième attaque, donc on n'aura pas de soucis. Voilà. C'est bon. C'est pas possible, on est invincible. C'est possible. Ça ne peut pas arriver aux Axem Rangers. Ça s'est passé plutôt bien. Enfin bon, non, mais bref, Biff, ton scropole est très compliqué, je trouve. Oh là là, mais Biff qui balance les liens, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce scropole? On voit pas, nous. Ouais, nous on peut pas voir, on a pas de souris. Moi, je vais voir ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a trop de choses. Ah, mais... Attends, alors, pour le moment, le chat est plus avancé sur les anecdotes de Dimitri Vedma sur la revenir. Moi, je vote anecdote de Dimitri. Oh là, mais c'est chaud, hein. Oh là là. Ah, moi aussi, hein. Intervention pour le coup, de Sarf. Ah non, ça y est, ça bourre ouais, l'anecdote en train de Dimitri. Mais c'est totalement le défi non, FR. Non, ça revient sur Asharf. Ne ferme pas quand même, on a les défis FR qui viennent de disparaître, voilà. Sur Explit. Merde. Mais oui. Voilà, adieu les défis FR, hein. Il n'y a plus de défis FR. Bravo. Dimitri est bien en avance, hein. Je tiens vous pouvez blame, vous pouvez blame Beef, voilà, toujours comme d'habitude. Beefusama. Ah ouais, je sais pas, est-ce que vous vous rappelez, mais en fait dans Mario RPG, il y a un boss caché. La tradition dans les Final Fantasy, dans les Shadow Square et tout, ils nous ont foutu un boss caché. Et en fait le boss caché, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est on dirait vraiment un boss tiré de FF6, grosso modo. Même le sprite, on dirait que le boss n'a rien à foutre là. Et en plus il est accompagné de 4 cristaux élémentaux, mais voilà, élémentaires, donc comme les fameux cristaux de FF1 et pas que. Et voilà, c'est vraiment votre gros boss caché à affronter, qui du coup rentre dans 100% d'ailleurs, parce qu'il y a des runs 100% dans le RPG, il faut le préciser. D'ailleurs, je crois qu'on a jamais vu de run 100% dans le RPG en marathon. Bah, j'espère pas, parce que ça va durer un bon moment quand même. Mais écoutez, à mon avis, pour ce genre de truc, il y a le Limit Break, qui est justement là pour les runs de RPG et les runs longs. Un marathon. Attends, 64% pour Dimitri. Attends, vous êtes sérieux? Ils ont vraiment fait un vote? Bif. Oui, mais oui, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à fermer les défis, parce que voilà. Bon, tout va bien, on a récupéré les dons. Tout va bien, par contre, nous ne pouvons plus suivre le chat. Ouais, je vais re-scroller un peu, je reviens. Ah merde, bah du coup, vu que les gens ont voté, j'ai été obligé de sortir dans une anecdote sur la Russie. Zut. Ah bah là, du coup, t'as plus trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. Attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, je suis sûr que t'en as plein en stock, arrête. Ouais, et bah par exemple, en russe, ils ont plein de mots, pas tout ce que comme nous en français, remarque, mais ils ont plein de mots empruntés, notamment ils ont emprunté des mots donc à l'anglais, à l'allemand, mais également au français. Et t'as un mot qui est assez pété. En russe, il y a le mot sortir qui existe. Sortir. Le truc, c'est qu'en fait, en russe, ça veut dire les chiottes. Ça, en fait, ça veut dire les chiottes, mais si c'est vraiment le mot crade, tu vois, c'est vraiment le. C'est pas les toilettes, c'est vraiment les chiottes, quoi. Et ouais, en fait, c'est les chiottes à la nature, dégueulasse, pas laver. Pourquoi ils appellent ça comme ça? C'est parce qu'en fait, il y a eu une époque en Russie pendant laquelle, en fait, la noblesse trouvait ça, en fait, classe de parler français. Du coup, en fait, tous les nobles parlaient uniquement français, limite, ils ont oublié le russe, et par contre, leurs serviteurs étaient russes. Et du coup, en fait, pour faire plus classe, quand ils étaient à table, les nanas ne disaient pas, ouais, je vais pisser. Elles disent « je sors de table », tu vois. Et du coup, t'avais les serviteurs russes qui étaient à côté, qui parlaient pas vraiment...
qui parlait pas vraiment français, eux ils ont fait le rapprochement, ils se sont dit bah là à chaque fois qu'elle dit je sors, c'est pour aller chier un cake quoi, donc c'est que ça doit être lié quoi, sortir ça doit vouloir dire les chiottes. Et du coup c'est resté dans le truc russe. Et en fait de nos jours t'as plein de, vu qu'il existe également le mot sortir en russe qui en fait veut dire trier, qui vient en fait de l'anglais to sort, voilà. Et ben certains russes qui comprennent pas le rapprochement, ils sont là mais en quoi trier ça se rapproche des chiottes, ils ne voient pas d'où c'est lié, parce qu'en fait ils comprennent pas que c'est même français. Donc voilà, c'était la petite anecdote linguistique. Ah, c'est beau. Alors, Akario, tu vois, t'as beau dire ça, je crois plus Dimitri que toi. Voilà. Ouais, mais Victor... Victor, il commence à me coter, mais il cote seulement ce qu'il veut, genre il coupe ma phrase. C'est sorti de son contexte, c'est énervant. Non mais ne décontextualisez pas les mots, enfin les phrases. On a des mots empruntés. Des mots empruntés à d'autres langues. Mais oui. Vous savez, en français aussi, hein, mais en anglais ils ont des mots empruntés au normand, et ça c'est beau. Je vous jure que c'est vrai, je vous expliquerai un autre jour. Checker just mentioned Kirk, you worked on the battle door manipulation, but he also worked on this room. He ran some script to. Mais c'est quoi ce blanc là? Je suis en train de regarder le commentaire du run en russe, je plus soi. Non. Non, ce truc c'est que moi ça me poserait pas plus de problèmes que ça, mais bon, je vais me faire taper les doigts par les gens de Gaming Life quoi. Oui, alors par contre, on a pas compris, on a un connard en train de parler russe sur le stream officiel de notre chaîne. Ah, oh, ils font un morpion. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, voilà, c'est le passage des mini-jeux. C'est ça, les fameuses énigmes. Par contre, il est du poste, c'est plutôt bien passé, parce qu'en fait, normalement, on vise, justement, on essaye d'avoir les bonnes portes qui nous amènent vers les énigmes, et non pas vers les combats. Et il arrive en fait qu'on se fasse avoir. Non, c'est bon, ça se passe bien. Il arrive qu'on se fasse avoir en fait par la RNG du coup, et on est obligé de se suicider pour revenir en fait à la salle avec les différentes portes. Ouais, c'est ça. Ah non, mais bif quoi, t'es un génie. Ah, mais qu'est-ce qu'il a mis encore? J'ai tout raté. Il a fait un morpion avec trois possibilités. Alors, une intervention d'Acharf, deux interventions d'Acharf, ou intervention d'Acharf plus l'infini sur 10. Vas-y, reviens mon petit achat. T'as le droit de revenir. Reviens, viens faire des bisous au monde. Loving this Mario RPG run, learning a lot from the couch commentators. So here is another donation on top of my last. Donating again to help push us closer to the $1 million donations collected for the event. Mais bien sûr, t'es dit que comparer le russe au français, c'est ok pour Gaming Live. Il savait bien en prenant Dimitri qu'il y allait avoir du russe. Là, c'est bon, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de s'endormir là, même parmi les commentateurs. Il faut absolument qu'on arrive à maintenir le rythme. Mais non, mais pas du tout, on s'endort pas. C'est bientôt la fin en plus. C'est vrai. Là, on est vraiment. Déjà, c'est le dernier chapitre. Donc, c'est un chapitre un peu pour vous annoncer. Pour vous... Ah non, il s'est fait avoir. Oh. Pour vous puissiez un petit peu vous représenter ce qui nous reste à regarder. Donc d'un chapitre se compose en deux parties. La première c'est le château de Bowser, ce qu'on est en train de faire, donc avec les différentes énigmes, plein d'étapes à faire, quelques petits combats par-ci par-là aussi à... Donkey Kong. C'est beau. D'ailleurs, cette espèce de gorille qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Donkey Kong, c'est un mob, on peut le trouver en combat, notamment je crois qu'on peut rentrer dans les volcans, enfin dans le volcan qui est juste avant. Les 6 heures du matin. Est-ce qu'on a parlé de l'histoire des portes, tout ça? Je viens de revenir. Vite fait. Si tu veux t'en occuper. Il y a une histoire des RNG en fait avec ces portes normalement. Il y en a qui sont plus rapides. Oui, voilà, on est pas sûr de tomber sur les énigmes qu'on veut. Ouais, c'est ça. On peut tomber sur des combats en fait. Et les combats prennent beaucoup plus de temps, donc on préfère faire les énigmes. Le questionnaire très compliqué évidemment, qu'on connaît par cœur. Alors maintenant, on va demander aux gens de faire un peu de maths. Voilà, oula. Non, fais pas ça. Nombre de tonneaux, s'il vous plaît, les chats. Vous avez que 10 secondes, les tonneaux. Voilà, combien on a?
Moi je dis 12, mais je devrais pas le dire. Non, faut pas dire, on va pas dire. Moi j'en compte 42, écoute. Mais je propose au chat de compter. En tant que mathématicien, je vais. Eh, chat, on compte sur vous pour le nombre de tonneaux. On va en avoir une, on va avoir une nouvelle. Ah, attention, attention. Ah. Attention. C'est pas la même. Hein. Here you go. Here you go. What can I say? Là, il y en a un peu plus quand même. Ah oui. Là, j'arrive pas à compter personnellement. Moi, je sais, personnellement, tout va bien. Oui, mais il n'y a pas d'aléatoire. Alors, attention, les gens. C'est toujours 46, il l'a dit. Il l'a dit. Non, mais oui. Il le sait. Ouais, et il y a des très forts en maths qui ont dit 42, bravo. 57, voilà. 58, bravo. Très très fort. Bon. Étonnez, il n'y a pas de réponse. Apprenez à compter. C'était les gens, 46, s'il vous plaît. Les enfants. C'est pas grave, 48, 29. Pratiquez votre calcul mental. Je vois que Devil Kazama a tout compris au jeu, il a répondu 500. Voilà. Non, même Milami a fait encore mieux, hein, avec. Beaucoup à peu près. Trop. GG Mamie. À peu près, ouais. 58, 38, 52. Bon, voilà, on sait les polytechniciens, on sait ce qu'ils ne le sont pas. Il y en a qui ont fait MathSP sur le chat, ça se sent. Voilà, il y a les MathSP, là, 52, ouais, aucun souci. 3-14-116, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. La petite scène très cartoon. Il a mis les deux items pétés sur Mario, là. Il a Mario et l'accessoire craqué et le super costume. C'est ça. On a eu la petite scène cartoon aussi. Concrètement, il est invincible. Et bim. On ouvre la porte. Voilà, 318 et en pied dans le vide. Ouais, mais Jaino est fort aussi, hein, parce qu'on l'a boosté aussi en pow, en attaque. On va le faire monter de niveau. Il fait quand même 100 de dommages, hein, voilà. Il fait les mêmes. Enfin, Mario fait les mêmes dégâts qu'une firebomb à 4 près, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Et il se prend 0. Ah, t'as vu l'hypercute quand même, t'as vu la taille du point là. J'avoue. It's over 9000. Voilà, c'est ça, it's over 9000. Le mec il arrive, c'est un sorcier dans le dernier donjon du jeu. Vas-y, mur de fin. Le sorcier qui s'est fait atomiser, quoi. Voilà. Le Kamek rouge, comme on disait avec Nekro. Le Kamek, ouais, c'est ça. Tout à fait. Totalement. Ah, d'ailleurs, qui redevient gentil. D'accord, la et couleur rouge c'était. Oui, c'est vrai. C'est, il était possédé. Il était contrôlé. Mais oui, Mr. MV. Possédé par une engeance diabolique. Alors, utilisez des mots que vous n'utilisez pas à 6h10 du matin. Mais oui. En fait, je suis un grand amateur des streams de MV, mais surtout en VOD. J'ai remarqué qu'il aimait bien utiliser le mot possédé ces derniers temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, pour le coup, il fallait le dire. On a skip un petit chest en fait, un chest doré, hein, juste pour le dire. Un chest qui n'était pas du tout obligatoire, c'était juste pour récupérer ses PV, mais on n'a rien perdu quasiment, donc inutile de le prendre. On retourne sur ces fameux chandeliers, quoi. Et voilà. Mais oui. Et cette fois-ci, il n'y a plus de. Oui, il n'y a plus de chaînes. Compte, hein. Là, on arrive vers la fin de notre histoire. Il n'y a plus de chaînes parce qu'elles ont été rompues, donc maintenant ce n'est plus que des fils. Mais oui, ils ont on peut pas les casser les système, fils. Quoi. Bah non, maintenant on est obligé de tuer les mobs. Ah, c'est des fils cordes de piano en polymère, c'est quand même vachement résistant cette bêtise. Alors attention, on push the button, les gens. On push les mecs qui sont déjà fait avoir. C'est le plan Vigie Pirate là. Maintenant ils ont mis des fils, ça se passera plus comme ça. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50, bravo. 50. Moi j'ai 48. Hein. J'ai 50. T'as 50. Bon, alors. Mais je vais couper la poire en deux parce que j'en ai compté 49. Bon, voilà. Bon, on n'est pas tous cartes prochaine fois. On compte pas jusqu'à 14, 120 000 en 24. La prochaine fois, on fera attention. C'est juste ça. Ouais, en fait, j'avoue. Prochaine fois, j'ai tu utilises un peu pété le super saut. On nous dit 51 sur le chat. On nous dit 12. Ouais. Enfin, on rappellera qu'il est 6h12, donc on a une marge d'erreur quand même. Ah, attends, il faut pas dire l'heure parce qu'après le chat va nous dire « Oh là là, c'est la 10ème fois qu'ils nous disent qu'il est 5h10, c'est bon. »
42. Mais non, c'était 46. Ah bah non, merde. Bref. Alors, attention, messieurs. Tout de même, nous arrivons à un moment assez tragique, assez dramatique. La tension est à son comble. Nous sommes en face. Ben, bientôt, quand on va enfin finir par arriver au sommet, nous arriverons en face de cette foutue épée qui nous a jarté. Depuis le début, comme, on essaie de dire depuis le début, comme des salauds, c'est ça. Comme des malpropres, et nous allons enfin pouvoir prendre notre revanche. Peach a gagné un level, c'est très important, évidemment. Ah, Peach a gagné un level, ça va faire la règle. Oui, c'est ça qui est aussi bien, c'est qu'effectivement, les personnages gagnent des niveaux, même s'ils ne sont pas dans ton équipe. Ce qui rend le truc encore plus craqué au niveau du... Et regardez-moi ça. Sonic Boom. Le boss est one shot. Salut le boss. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Explication. Le Sonic Boom enlève forcément 9999 points de vie. Donc c'est-à-dire qu'il one shot. Sauf que ça ne fonctionne que si vous réussissez la QTE, dans l'idée. Et ça ne fonctionne que sur les ennemis. Le problème, c'est que juste ce boss... Et vraiment que celui-là est composé de plusieurs parties. Et qu'en fait, parmi toutes ces parties, la partie principale, vraiment le cœur du boss, malheureusement, est pour le jeu considéré comme un ennemi normal. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous créez un... Pour ceux qui ont fait du RPG Maker, vous connaissez le truc. Quand vous créez un ennemi, une fiche d'ennemi sur RPG Maker, vous avez différentes statistiques à rentrer. C'est-à-dire que vous avez les statistiques, vous avez son comportement à créer. Voilà, par exemple, sur les attaques qu'il a, le pourcentage de chances qu'il a de les utiliser, dans quelle situation. Mais vous avez une petite case à cocher ou non. Boss, est-ce que l'ennemi en question est un boss ou pas? Boss ou pas boss? Et en fait, si le personnage dans ma RPG est considéré comme étant un boss, s'il a la case cochée, il devient automatiquement invincible et il ne peut pas se prendre le Sonic Boom. Mais, alors, est-ce un bug? Est-ce voulu? Je ne sais pas. Le cœur de Exor, donc l'épée qu'on vient d'affronter, n'est pas considéré comme un boss. Et donc, c'est le seul boss de tout le jeu que l'on peut one shot au Sonic Boom. Et autant vous dire qu'en speedrun, on va pas se gêner. Bah ça c'est sûr, si on a une technique qui permet de one shot, pourquoi est-ce qu'on... Oh, il a raté son saut. Oh, il est tombé. Oh, ce sac fini. Attention, tu crées des checkers là. Fais gaffe, il y a Achar, c'est le fanboy, faut faire gaffe à ce que tu dis maintenant. Ah oui, non, il a raison, je suis le gros mageux. Ah là là, on ne sauve pas, hein. Évidemment, on s'appelle Tekken, on ne sauve jamais. On a pris le ultra hammer. On va à peine qu'il y ait... Non, moi, je suis désolé, je n'ai aucune pitié avec les runners. Je suis un vrai salaud de ce côté-là. Mais bon, c'est toujours sur le... Un plateforme. L'humour, toujours. Donc ultra hammer, on s'équipe hein, d'ailleurs, hein, pas d'hésitation. Évidemment. Des malos qui se chopent la super suit. Et... Pourquoi c'est Mario le boss? Alors ça pourquoi c'est le boss, c'est alors c'est pas le dernier boss. Pourquoi c'est un boss, réveil. Ce boss j'ai jamais compris, parce qu'en fait tous les boss du jeu, tous les membres du clan Smithy sont des armes. Donc ouais, des sortes d'armes vivantes. Et le réveil matin apparemment, je sais pas, on fait partie. Bah, c'est une arme du matin quoi, c'est peut-être ça une espèce de blague des développeurs. Voilà, c'est le réveil qui sonne à 6h20. Le réveil matin, le pire cauchemar du plombier italien. Voilà, c'est ça. Exactement. Ou alors, exactement. C'est pour faire une blague en faisant croire que c'est le dernier boss, en faisant croire que tout ça n'est qu'un rêve. oui, non mais... J'allais dire, c'est un peu comme les théories de la mort de Link, hein. C'est un peu les théories du réveil matin de SMRPG, tout ça. Bah c'est comme Squall qui meurt à la fin du CDR. Ah oui, c'est ça, voilà, Squall est mort à la fin du CDR, hein, voilà. Voilà, on spoil, on dit des bêtises, on est méchants. Oh, non, en fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de dialogue avec ce boss. Imaginez le truc, je vais te réveiller jusqu'à ce que tu en meurs. C'est toujours le boss qui va t'empêcher de dormir pendant le match. On a eu beaucoup de chance là sur le boss. Il a miss deux fois. Ça pourrait être un dialogue de Chevalier du Zodiac, effectivement. C'est ça. J'avais été privé de ton sens du sommeil. Je vais m'éveiller au septième sens. Oh non, au septième sens. Je vais m'éveiller au septième sens pour pouvoir dormir. Oui. Voilà, comète de Pégase. Oh là là. Bref. Tout ça.
Alors, ah mais on a Spike Vegeta au micro, j'avais pas entendu. Oui, il y est Seth de... Rogen au micro quoi. Il y est depuis. C'est plateforming de l'enfer, hein. Ça a pas, ça a l'air de rien comme ça, mais on sait encore. J'avoue. Le ça vrai bouge enfer, de base. Ça bouge, c'est de l'ISO comme on disait. C'est un jeu en plateforme isométrique et on vous demande de faire des sauts précis. Vous allez rater voilà, plus d'une fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est presque pire qu'Ocarina of Time. Ah, pardon, on avait dit qu'on en parlait pas de ça. Bon, après, on aura le temps de revenir un petit peu parce qu'on va en parler pendant 4 heures. Mais pour m'être refait récemment Kingdom Hearts 1, les sauts ingérables, même en 3D. Très très bien géré. Hein, parce que ne pas se taper un seul fight sur la salle les salles qu'il a faites là et faire toutes les plateformes parfaitement, c'est pas du tout évident. Hein. C'est check-up. Et c'est parti pour l'Infinite Jump. Ah, je te laisse compter. Voilà. Hein. Allez. Allez, on compte le chat. Tiens, hein. Allez, on va se faire time out. 10, 10, 90, 92, 95. On a pas besoin d'énormément de. Réussi, de toute façon, Mario est complètement craqué, donc on a pas besoin de faire tous les sauts de l'enfer. Vous avez remarqué. Et voilà, c'est fini quoi. Tout va bien. Bien calculé n'empêche. Hein. Ouais, bah, pas un coup de plus. De toute façon, tous les boss sont vraiment bien calculés. À peu près sauts, gratuits, on va dire. Et Checker, c'est un peu une machine. Hein, vous voyez, a priori, lui, il a fait match play pour le coup. Hein, ça se voit, si j'ose dire. Il arrive à compter assez vite. Voilà. Non, mais ça y est, il a les lunettes, on dit que c'est un match play. Non. Bah, voilà, en plus, voyez, il a des lunettes. Quand je parlais d'ennemis qui font peur, mais vous avez vu la gueule de ceux-là ? Ah, c'est énervé, c'est de psychopathes, quoi. Ah, c'est des clowns, de base ça fait peur. Ouais, c'est ça. On connaît toute l'histoire du clown de notre pote. Bon. Hey. On doit faire peur à tout le monde. Le Blizzard. Miss 000. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il aurait jamais runné ce jeu s'il n'y avait pas les quatre clampins sur le canapé derrière. Bah oui. Vraiment. Non mais c'est pour de vrai hein. Ouais ouais non mais ça m'étonne pas mais Checkers il était ouais beaucoup moins Attends dis, c'est hein, Achaf qui a osé dire que c'était des clampins sur le canapé. Oula. Mais bien sûr. Oh là là ça parle par rapport à lui c'est un peu des clampins nommer, quoi. J'ai pas les nommer. Non mais par rapport à lui c'est vrai que c'est des clampins c'est à dire que lui mais il non, a complètement mais non, deuxième mais jeu, loin de là. Mais si mais si bon, bon on va pas rentrer dans le débat. Oh là 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 là. Aïe, est-ce que clampin est une insulte? Cypher, mais c'est quoi que... ce serpe géant? Ça fait trop peur. On se croirait dans bon. Aladdin. Nos amis sont morts, mais on s'en fout. On s'en fout on totalement. Fout. On jump. On va jumper. On compte. Allez les enfants, c'est bon. On est à la maternelle. Comptez, hein, moi j'ai arrêté de compter. Moi je compte en allemand russophile. Ah, je te dis moi, à chaque run, je me promets que je vais compter les trucs. Ah, merde, mais en fait, à 3, début. Je m'arrête. Ah, j'aurais pu chercher tout le monde. Il n'y en a qu'un seul qui compte, c'est Checkers. Voilà. Je vous aurai la prochaine fois. Checkers toujours ah, fidèle au poste. D-Shot qui nous demande de nous présenter. Oui, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est en train de devenir une espèce d'habitude. Maintenant, les commentateurs sont obligés de se présenter. Alors. Si on n'a pas un minimum de réputation, on ne sert à rien. Donc, à ma gauche, Dimitri, le russe. Dimitri Vettel. Voilà, moi, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Voilà. Le russophile. Sophie, le traducteur. GG. Allez, donc à ma droite, Belzéboul. Non, Belzébal. T'es gentil, tu respectes. Je vous dis Belzéboul, ça me fait plaisir. Recordman du monde sur Derrick, s'il vous plaît. Sur Derrick. Bravo. En caméo, on a... Un jeu qu'il en est. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Je suis. Alors, les gens ont quand même compté 63 sauts, hein, purée. Donc, ils sont vraiment chauds, quoi. Ils sont chauds, putain, ils ont tous 63. Alors, vous avez gagné un magnifique. Une tasse jeuxvideo.com. On va les livrer tout de suite. Alors, on termine les présentations. Donc, moi, je suis Incroyable Bébé et donc, je suis à côté de Le Grand Grand. Et oui. Également. Qui est pas petit petit. Voilà. Et également, on a Monsieur Zombie sur le canapé. Est-ce qu'il dort alors? Oh, je vois pas question. Les cernes, la tête. Là. Moi, c'est pas mieux, je veux dire. Ouais, je pense que moi non plus. Pas mieux. Vous verriez les miennes. Voilà, voilà. Ah, ouais, non, mais c'était. Non, mais voilà, c'est le concours de qui a les plus grosses.
N'empêche que le petit boss là en question, effectivement, c'est un peu chaud, hein, parce que vous avez vu, comme il frappe comme une brute, il met des 200, sachant qu'on a maximum 120 de vie. On est quand même assez low level, et si on rate un seul saut, on est niqué. Donc là, il a quand même bien joué. Ah, merci, vous parlez quand même un petit peu du jeu. Oui, putain, on parle du jeu, trop bien. Alors, c'est pour ça que ça a clapa quand même sur le plateau. Attends, comme on sait que les commentateurs officiels ne le font pas, ne parlent pas trop du jeu, ben voilà, faut bien qu'on rattrape. Mais... Dimitri Vedma, le vieux du commentaire, nous dit Mamie Lamy. Checkers is the man. Ah non, c'est vrai que Dimitri, dans la vraie vie de tous les jours, en fait, je parle tellement que les gens ont envie de me mettre des claques. Mais du coup, en fait, je viens de me rattraper parce que, tu sais, pour les marathons, les mecs sont là, ouais, énorme, mais le mec, il arrive à commenter TF10 pendant 13 heures d'affilée, mais comment tu fais? Ah, mais c'est très simple. Je parle tout le temps dans la vraie vie. Normalement, je parle tout le temps, mais après, on me dit, mais vite ta gueule, putain, on s'en fout. Donc, du coup, je viens me défouler un peu sur les marathons comme ça. Ouais, Dimitri, on a une run de 13 heures, ça te passe? Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, c'est parti. Le pire, c'est que je l'accompagne à chaque fois sur les runs de 13 heures. C'est ça que bon. C'est que maintenant je suis devenu journaliste officiel. On va approcher de la fin du jeu, hein, très rapidement. Smithy, donc, qui va être le boss de fin. On n'y est pas encore. Petite cutscene d'abord, évidemment. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais le world record, hein, c'est à 2,53, alors qu'il approche de la fin du jeu, le boss il va pas durer 12 minutes. Petite particularité des SMRPG dans le timing, c'est du JRTA, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la fin du timing va être à la fin des crédits, au The End, au petit cœur. C'est pour ça qu'en fait, on va terminer le jeu assez tôt, mais on va attendre tous les crédits pour faire le dernier split. Voilà. Après, pendant le marathon, ils ne feront sûrement pas, en fait. Oui. Non, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire parce que c'est, je sais pas, c'est de notoriété publique de faire ça. Enfin, ça a toujours été fait comme ça. Quoi. Le time, c'est à la fin des crédits normalement. On va se taper tous les crédits, quoi. Bah, ils sont pas très longs, hein. C'est, ah ouais. Mais enfin, ils sont durent combien de temps environ? Il y a quand même 5-6 minutes, je crois, il me semble. Ouais, non, ça va, c'est pas du Metal Gear, quoi. Sur la GDQ, il y a quand même un petit peu... Bah, je sais pas, on va voir, parce que après, effectivement, s'ils ont timé à 3 heures... À partir du moment où tu lâches la manette, c'est time, quoi. Ouais, mais voilà, après, le timing, c'est normalement au crédit, après avoir... Bon, peut-être que... De toute façon, sans doute que Checkers s'en fout un peu de ce run, il sait que de toute façon, c'est pas World Record. Il sait que c'est pas World Record de base. On verra. Ouais, de toute façon, on a d'ailleurs, pour la petite histoire, il s'en est toujours un petit peu foutu, en fait, mais... Il s'en est foutu, mais il a fait une dizaine de runs, puis voilà, quoi. World Record, on se casse, allez, salut. Ouais. Mais on s'en fout tant quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut le savoir. Non, alors, mais c'est tellement génial, moi, je sais, j'ai vu son World Record, justement, il dit, bon, bah, voilà, j'ai eu un bon run, ça va, ok, je peux arrêter. C'est vraiment ça, hein, qu'il dit, les runs d'avant, c'était pourri. C'est vrai, parce que je sais, parce que je l'ai vu faire. Sur FF7. 13,59 sur Derrick amélioré. Ce mec, donc, tu vois la brochette sur le canapé derrière, bah c'est ses pattes, clairement. Et en fait, il s'en fout, il fait ça pour rigoler, quoi, à la base. Ouais, bah checker. À la base, c'est un runner de Mega Man. Et il fait juste ça pour rigoler. Et juste, il est bon, bah voilà, il est bon. Ouais. Bah d'accord, il a un menuing de folie, d'accord, très bien. Ah mais t'as des gens comme ça qui ont un talent pour ces jeux-là, c'est un peu incroyable. Hein. 40, ah merci le chat, oh là là, mais y a des tasses sur le chat, c'est bon, ça compte. Non mais les gens sont fous. Les gens sont fous. Alors qu'on va... Voilà, on pourrait penser que certains d'entre nous sont les plus fous, mais non, il y a bien pire sur le chat. C'est ça. Bon, après, il y a ceux qui comptent en russe, et là, c'est quand même du haut level. Je peux compter en russe aussi, oui, hein, mais il faut pas me lancer. Je vous entends plus. On va utiliser la Sleepy Bomb, qui marche tiens, très bien. Ça fait tellement longtemps que je regarde des runs de ce jeu, donc du coup, le mec, mon poche risque au maximum. Vous rappelez, vous à peu près, de combien est-ce qu'on a de points de vie quand on arrive à passer le level voilà, qu'on est dans le niveau 25-30? Aucune. Parce que là, on voit, là, ils ont quoi, 100 points de vie?
J'ai même plus une idée ce qu'on en a au final. Je crois que c'est genre 300 PV maximum, un truc comme ça. Si, non, non, ça monte quand même beaucoup plus. Là, on est quand même très low level et on n'a pas prévu du tout de fight. Il faut savoir quand même qu'en casual, on fait énormément de fights. Hein. Ce jeu est beaucoup plus long que là, les 3 heures qu'il y a. Bah, ça dépend. Ouais, si t'as envie, tu peux ne pas faire les combats, mais tu vas être dans le caca, quoi. Ça. Oui, c'est ça. Non, non, non. T'as pas les strats, on monte beaucoup plus de level normalement. Ouais, mais là, on est quand même level. Je sais plus, on est level genre 17, un truc comme ça. Sachant que le niveau maximum, c'est. Niveau maximal, c'est le niveau. Ah bah voilà, c'est 16. Enfin, lui, en niveau 16, niveau maximal, c'est 30. Au final, on peut monter que deux fois plus de niveau. Donc, je pense que niveau point de vie, ça doit pas aller beaucoup, beaucoup plus haut. Alors que ça parle russe sur le chat, ça va se faire time out à cause de toi, Dimitri. C'est pas du russe. Possible. Non, du russe. Pas du russe. Bon, alors, c'est du grec. De l'hébreu. Je ne sais pas. Du grec, ça. Du grec. Du grec, ça. Sans doute, je ne sais pas, je vois pas d'alpha, effectivement. Ah non, je vois des alpha et des pétas. C'est quoi, Ashaf, dis quelque chose à Nardez. Ah, on va sauver quand faut. Même, hein. Il a sauvé hein, pour Smithy. Smithy Bacal, hein, bien sûr. Donc apparemment, il faut que je décrive les gens dans le canap. Alors à gauche, Youth Pizza, c'est ça. Non, Youth Pizza. Ouais. On a ensuite I Hate You Pie. Voilà. J'ai mangé votre tarte. Voilà, ouais. C'est ça. C'est hyper important. Le Cypher. Le Cypher, le mec Ironic qui fait du Rockman 2 comme un ouf, mais qui l'a pas fait cette année. Voilà, qui a fait ce truc. Et, ouais, et BJW, qui est vraiment un mec super. On voit rarement. Qui fait des baleines en ASCII. Hein, qui dose aussi sur Omega Man. Hein. Dimitri, il faut dire que je time out le mec qui parle en russe Il me semble qu'il fait mais aussi surtout, un peu d'RPG, il fait beaucoup de baleines en ASCII sur les chats. Et ça, c'est important de le préciser. D'accord, ok, merci. Non, mais Dimitri qui parle en russe sur le chat, non, mais ça va pas du tout. Quelqu'un pour le time out, s'il vous plaît, merci. Alors, donc là, on va entrer la première phase du boss. Smithy, le méga boss. Oh, j'y crois pas, je crois pas. J'ai même en fait time out. Vous êtes sérieux, les mecs? Oh, merci. Ah, oh, c'est bon ça. Le commentateur qui se fait time out, non mais sérieux. J'ai pas le commentateur donc. Du oh, ça me donne alors, on va peut-être quand même un petit peu parler du jeu. Alors, ce boss, il peut être fait entre guillemets en une phase, il me semble. C'est ça, Dim, je crois. On va essayer normalement. De l'avoir avant qu'il fasse son espèce de métallurgie de la folie, je crois. Et donc on va sauter. Ça compte sur le chat, j'espère. J'espère. Parce que nous on compte pas. Moi j'ai arrêté de compter à 3. J'ai arrêté de compter à 8. Moi j'ai perdu le compte à 3 déjà. C'est ça, pareil. Moi j'ai perdu le compte au bout de 1, j'ai pas commencé. Donc, j'ai pas partagé la... le jeu, donc en fait on est en train de se battre contre donc, Smith. Smithy, donc voilà le chef des Smithy. Donc voilà pourquoi le nom, hein, pour ceux qui n'auraient pas forgeron. Oui, parce que voilà, Blacksmith, le forgeron. Toutes les créatures qu'on a affrontées jusqu'à présent étaient en fait des armes vivantes, à l'exception d'un réveil matin. C'est curieux, certes, mais tant pis, il était fait de métal en tout cas. Et donc voilà, le roi de ces créatures n'est autre que le forgeron qui les crée. Donc il va falloir s'en débarrasser. Mais qui dit dernier boss dit plusieurs parties. Donc voilà, this un... is not even my final form. Combien de parties? 4 ou 5? On va faire une dernière attaque. 42. Et normalement on va passer en P2. Juste après ça. Bon, est-ce que quelqu'un a compté sur le chat voilà. Qu'il y avait eu le no. Saut No. No. So time comes. Ah oui, il y a des écarts. Ah donc effectivement, on va avoir time pas en RTA, en GRTA. C'était 71 effectivement. Bravo. Mais Ashraf a vraiment compté. Non mais c'est ouf. Ah, mais c'est pas vrai quoi. Des non. Formations professionnelles, excusez-moi. Mister Bigda, par contre, c'est fait avoir, hein, 72. Ouais, 69, y en a évidemment, de Dexadra, voilà, fallait que ça arrive, évidemment. 69, kappa, évidemment. Et This is not my final form, comme tu disais. C'est d'ailleurs juste trouvé, je sais pas ce que vous en pensez, mais les boss, en fait, dans les boss finaux, je parle bien sûr, dans les gros antagonistes, dans les différents Mario RPG, ont toujours été assez intéressants dans chacun des épisodes, sauf justement dans le premier Paper Mario sur N64, qui m'avait du coup beaucoup déçu pour ça, en fait. Oui, je confirme, oui, il était décevant, oui. Mais même le boss de Mario Luigi Superstar Saga est pas non plus folichon, quoi, il est très facile à battre.
Ah, il a un super thème par contre. Hein. Alors, c'est un boss encore qui va être un petit peu compliqué, si j'ose dire. Ah bah, vous voyez, regarde, franchement, il fait peur, quoi. J'avoue. C'est vrai qu'il fait peur. C'est bon, Dimitri, quoi. Voilà, mais... On a compris que t'as été traumatisé par ce jeu. Donc, en fait, on va toujours attendre d'avoir attention, la forme de char. Attention, vous pouvez recompter, les spam. Amis. Et là, je crois que c'est le plus grand nombre de sauts, je crois, du jeu. Autre que le 100 ou c'est au-dessus de 100? Ouais, je crois que c'est au-dessus de 100. Oh là là, c'est vraiment la partie compliquée. Regardez le canapé quand même. Enfin, tous les spectateurs. Ils sont tellement. Ils sont. La concentration. C'est chaud, c'est quoi, alors, du kiff qui va se faire là. Oh putain, mais. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je pense que tu mets une vidéo porno, tu fais un petit gif avec une vidéo porno entre les deux, tu sais. Tu repasses à la vidéo du canapé. Avec Checker, avec Cypher qui penche donne la tête. Pas des idées de gif, toi. Ouais. Commence pas à donner des idées. Oh là là, mais là, les mecs, y'a des vidéos à faire là, y'a des vidéos à faire. Je suis désolé. Mais où est le respect? Ah non, mais qui est cette femme? Avec BJ de Beuvelet qui fait des petits mouvements de tête, des petits hochements de tête. Notre ami derrière au fond à droite qui rigole un peu. Qui est Ron Orgueil. Hein. Question intéressante dans le chat, justement, parce que moi-même je me pose la question parce que je n'ai jamais réussi à faire les 100 sauts. Est-ce qu'on peut faire plus de 100? Ou est-ce que justement il y a une limite? Bah en fait là, en l'occurrence, il en a fait moins, mais. Parce qu'il me semble que ça est vraiment la limite en fait. Est-ce que c'était fait exprès? Je suis pas certain, malheureusement. Bah il a pas fait 99 non plus, donc... Est-ce que ça a compté sur le chat? Bon alors les gens ont compté 101. On a compté 101. Donc on peut faire plus que 100, oui. Pardon. On peut faire plus. Et il est reparti, ça y est. Il va faire ça combien de fois? À mon avis, c'est qu'il a raté, donc... J'ai 101 sur le chat. 101 à ma droite. C'est plus. Alors, oui, madame Michu. C'est la tête de Youth Pizza qui est complètement concentrée alors qu'il il n'a pas la manette dans la main. Mais même Yardkur Pie, mais regarde-moi cette tête. Excusez-moi, on va pas commencer à faire du trash talk avec ça, c'est drôle. Ils sont en train de le faire dans leur tête. C'est un peu ça, le truc. C'est magique. Ah là là, mais faites des screens, faites des fraps, mais allez-y quoi les gens, mais on vous attend quoi. On vous attend avec les gifs. Faites-nous rêver, rêver. On retweetera toutes vos saloperies. Oh là là. Je me désolidarise. Étant donné que c'est un petit peu long, tout de même, moi j'avais une question. Est-ce que quelqu'un sait quelle heure il est là-bas? Je crois qu'il s'est un peu merdé là pour le coup. Il doit être minuit, quelque part comme ça, ouais. Moi je me désolidarise de tout ce qui a été dit sur ce chat, hein. Je tiens à le dire. Donc, apparemment, Checkers aurait un petit peu raté, mais ça se passerait plutôt bien. Ah, et en plus, il passe à l'autre forme. Alors, cette forme-là, on peut pas. Voilà, c'est bon. Ah, si, c'est bon en fait. Non, c'était fait. D'accord. Donc, 2,52. Voilà. Alors, les gens, ils vont me dire ah, mais 2,52, c'est World Record. Mais non, je réexplique. Ah non. Donc. N'importe quoi. On est très très loin du world record. Comme j'ai dit, le vrai timing donc du world record qui est à 2,53 et quelques se termine à la fin des crédits. Donc, et 2,53 c'est en JRTA, n'est-ce pas? JRTA, voilà, c'est ça. 2,53 c'est en English ou c'est en japonais, je pense. 2,53 en japonais, oui. Donc comme on a dit, 8 minutes de différence. 8 minutes 40, précis. C'est quand même un très bon temps. Hein. Je crois qu'il a battu le PB d'Air Pure Pie qui a l'air quand même bien vénère. voilà. Non, je pense qu'il a même probablement battu son peut-être son propre PB, mais je ne sais pas. Non, moi j'écoute pas le chat US là. En tout cas, il a probablement battu Cypher. Il a l'air content quand même. Et il est très sympa. Cypher lui a serré la main, donc j'imagine qu'il a battu Cypher. Ouais. Et alors, mais c'est un peu un running gag. Mais Cypher a pas énormément run le jeu. Hein. C'est une blague pour tout le monde d'ailleurs de dire j'ai cut le Cypher, visiblement, je crois. C'est pas mais, très, très mais un peu pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sur le canapé là, donc Yuspizza, Aeturpai, Cypher et BJW, sont tous un petit peu des runners du jeu malgré eux. C'est-à-dire que. Ils ont tous décidé à un moment de s'y mettre, mais en mode blague. Ouais, c'est ça, ouais. Et
il se trouve qu'il y en a certains qui ont fait des bons temps, d'autres pas, hein, mais... bah, Aes Yorpa est quand même celui qui est vraiment le plus à fond dessus, surtout avec ses low levels qui sont voilà. impressionnants et très, très drôles à regarder, parce qu'il y a beaucoup d'RNG pour le coup. Mais, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ils sont tous dit, bon, on va remettre ça parce que c'est rigolo. C'est sympa, ouais. C'est sympa. Pour ça qu'ils sont tous sur le canapé derrière pour l'encourager. Sinon, je vois dans le chat, t'en as qui disent bon, les commentaires, c'était pas trop ça, mais au moins c'était marrant. Si, alors, explication pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de se réveiller parce qu'ils voulaient regarder Mario Sunshine, les deux premières heures de commentaires étaient blindées d'infos. Ah, mais bien, mais on a été très sérieux, honnêtement. Non, on a été sérieux. Une fois que t'as expliqué tous les setups du jeu, il faut bien un peu meubler la dernière heure. Ah, oui, il y avait checkers quand même. Il fallait. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe de la pub, Bif? Je me demande quand même pourquoi on a invité le. Allez, on est parti pour la pub. On va passer un petit peu de pub, on revient juste après. Hein, tout ça, vous savez, la pub pour la Premium Funder Foundation, évidemment. Désactivez votre adblock, s'il vous plaît. Regardez ces pubs, ça nous fait plaisir. Sauf si vous êtes en turbo, si vous êtes en turbo, prenez votre turbo, les mecs. Prenez le turbo, vous n'aurez pas de pub. Et en plus, vous paierez aussi pour la Premium Funder Concert Foundation. Vous aurez pendant 15 secondes de plus. C'est pas beau, ça. Alors que Babouche le demande de ne pas revenir après. D'accord. Laissez la place. Alors, juste savoir qui c'est qui prend le relais derrière nous. J'ai pas le planning. Désolé. Moi, je vois quand même. Non, mais là, on est sur Super Mario Sunshine. Qui on a normalement? Alors je sais pas comment ça se dit, du Seven Rain, c'est Trine, Trine, ah c'est Trine, Trine, c'est pas Super Mario Sunshine, très bien. Grenouné et Verjanus. C'est pas Kingdom Hearts. Ah, c'est Kingdom Hearts ou Super Mario Sunshine? Là c'est Mario Sunshine. On a. Ouais, c'est Mario Sunshine. C'est Sunshine. Ah bah c'est Beef, qui nous troll là. Et donc après, directement pour Mario Sunshine, vous aurez la joie et le plaisir. Ouais, monsieur le zombie, Dimitri et moi. Voilà, de nous retrouver, Belzébal et moi, pour toujours plus d'anecdotes inutiles et d'illusions. Alors, mais alors, je tiens à prévenir, Kingdom Hearts 2, c'est mon jeu de la vie, je vous préviens, ça va balancer les infos. Ouais, merci. Je propose de finir cette discussion dans l'autre channel. Ouais, merci beaucoup pour le commentaire. Est-ce que on vous quitte ou on vous retrouve? J'ai vu autant de gens sur le plateau. Dimitri, tout ça. Est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce qu'on vous quitte? Oui, on nous retrouve tout à l'heure avec Dimitri. D'accord, très bien. Ok, donc à tout à l'heure. Voilà, à plus tard. Des bisous, et bienvenue à.